Du coup, pour le Génération Leader, bah déjà, je vais vous présenter la matriarche, parce que je pense que ça peut être très important de vous présenter Céline Fion. Alors, j'ai un doute, par contre. Je vais vous expliquer pourquoi, sur son prénom. Elle s'appelle Céline Fion, mais j'ai pensé à la renommée Carla Moru. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, et merci, Gloidouche, pardon, merci beaucoup pour ton follow. Salut Karel, comment ça va? J'ai pensé en fait à la renommée, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je peux pas écrire Céline Fion sur Twitch. Genre Céline Fion, le mot Fion ne passe pas dans le titre de mes lives. Du coup, je suis un peu deg, tu vois. Salut Miss Ophélie, ça va très bien Karel, merci. son visage était pas prête. Voilà, donc voici notre nouvelle matriarche. Alors attendez, juste TikTok, je vous avoue que je ne vois plus rien du tout. TikTok, je vais essayer. J'essaye de placer le chat de TikTok, mais c'est un peu compliqué. Je vais vous placer là et je verrai ce que j'en fais après. Ici pour essayer de vous répondre un minimum. T'es en mode vie courte ou pas? Je vais le changer juste après. Fion avec un Y. Ah, tu crois que ça marcherait? Au pire, ouais, on pourrait faire comme ça. Genre Fion avec un Y. Ouais, ça pourrait être drôle, en vrai. La fille de François. Ouais, d'accord, t'as raison. Salut Haribo, bienvenue dans le chat. Oh, merci beaucoup, Letty, pour ton prime et ton troisième mois d'abonnement. Alors, du coup, voici Céline Fion. Notre, du coup, bah, première génération du Génération Leader. C'est sa tenue d'hiver, en plus. Donc là, voici en tenue quotidienne, pour vous la présenter. Voilà, vous pouvez la voir d'un peu plus près. Déjà, elle est courte sur patte. Hein. On dirait Peggy, la cochonne, dans Muppet Show. C'est vrai qu'il y a un air. Du coup, la voici en tenue habillée, en tenue de sports, en tenue de dodo. Elle est incroyable. En tenue de fête. Non, mais c'est une queen. C'est une star à en devenir. Regardez son aspiration à une célébrité de renommée mondiale, hein, les gars. En tenue de maillot de bain. Ça me fait trop mal de rire. Oh, on dirait grave Ursula dans La Petite Sirène. J'avoue. Salut, Prodigy, comment tu vas? Donc voilà, je peux plus. En tenue de temps chaud, coucou à ceux qui arrivent. Mais c'est pas bien, vous me faites sourire là, vous me faites trop sourire. Et en tenue de temps froid, voilà, elle a des melons, je suis kécho, elle a des gros boobs, elle a des gros boobies. Elle est belle en vrai. Fanny Breton, merci pour ton follow, bienvenue, merci beaucoup, c'est gentil. Hop. Céline, t'es incroyable. Elle est incroyable, on est d'accord. Mais je pense pas que je vais lui changer son prénom. Du coup, c'est une occulte. Elle est sorcière. Elle est méchante, froide et exigeante. C'était ça, c'était pas égocentrique, c'était exigeante. Salut Fanny, bienvenue à toi dans le chat. Et coucou Bleu Ciel 12, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Elle va finir en chaise vu la taille. En chaise? Tellement elle est petite. Je vais vite chercher et ranger mes courses. À tout à l'heure. Y a pas de soucis, Letty, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, voici donc le terrain dans lequel nous sommes. J'ai commencé à construire un semblant de façade, mais il faut que ce soit une ruine. Donc ce que je vous propose, si ça vous va, c'est qu'on construise, entre guillemets, avec le peu d'argent qui nous reste, pas la maison, parce qu'il ne faut pas que la maison elle soit jolie, il faut qu'on commence en fait en partant d'une maison délabrée, dégueulasse, pas du tout rénovée tout ça. Donc vous voyez, j'ai fait un petit peu une forme de maison très basique et tout, il n'y a même pas de toit ni rien. Mais d'ailleurs, je ne sais pas trop ce que j'ai foutu ici, ça m'a saoulée, mais c'est pas grave. Oh gosh, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi, c'est trop gentil, merci beaucoup. On va y aller quand même. Voici la gueule de la maison que j'ai commencé à faire vite fait à l'arrache, on va dire, pour débuter le Génération Leader. Donc je le répète, on est vraiment aux prémices du Génération Leader. Donc là, clairement, on n'a rien commencé, on n'a rien fait. Et il faut que quand même la matriarche commence avec une maison qui est en ruine, dans tous les cas. Donc franchement, là, vous voyez... C'est ni en ruine ni rien en fait, c'est juste, j'ai posé des murs, mais je pensais que j'allais tout casser et tout, et ce que j'avais envie de faire également, c'était mettre genre plein d'objets qui viennent avec le pack, vous savez, loup-garou, écologie, tout ça, pour donner un côté très travaux. Oui, tu l'as bien dit. Ah, j'ai essayé. C'est cool, ça va. J'aime pas démolir les pseudos des gens quand même, enfin minimum, tu vois. C'est où est... Au travail, paradis. Mais c'est où? Ah, c'est là. Genre écologie. Mais je suis dans quoi là? Pourquoi c'est louche comme ça, mes trucs? Est-ce qu'on a des choses sympas avec écologie qui pourraient venir après? J'avais un piercing à la langue. C'est pas le même genre, mais pour manger la première semaine, c'était l'enfer MDR. Ah non, moi les piercings à la langue, ça m'a jamais... Au contraire, j'aurais trop peur, tu vois. Salut plante vache, comment vas-tu?
Du coup, il faut que la maison fasse un petit peu délabrer. Déjà, moi, j'avais eu une idée. Alors, attendez, je sais pas si. Okay. Ah ouais! Donc, attends, bah, on verra ça pour après. J'avais envie de mettre un espèce d'étang derrière. Genre là, tu vois. Alors, non, pas comme ça. On va se faire un petit truc. Du coup, n'hésitez pas à faire le point d'exclamation Let's Play si jamais vous voulez connaître du coup les règles de la revisite rapide du Génération Leader. Si vous connaissez pas le Génération Leader, c'est NS qui l'a créé de base avec ses propres règles, etc. Moi, j'ai gardé l'essence même du truc, hein, j'ai pas trop modifié non plus, mais je me suis rajouté quand même quelques petites subtilités qui peut-être sympas, tu vois, des trucs sympatoches qu'on apprécie un peu. Qu'est-ce qu'on se met? Ça là, ouais. Un truc dégueulasse et crade. J'ai un problème avec les Sims, genre j'ai installé le jeu et maintenant, dès que je clique sur le jeu pour le démarrer, ça m'affiche un code d'erreur. Je sais pas du tout, Maëlys. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. N'hésite pas à contacter le support, à désinstaller, réinstaller le jeu. Il doit y avoir un truc qui va pas dans ton installation. Y a pas des algues pour mettre dans le lac. Ah bah tu peux faire de l'eau dégueulasse, regarde, tu peux même mettre ça là. Tu peux mettre de l'eau rouge, tu peux mettre ça. Moi j'aime bien ça comme ça. Après oui, tu peux carrément mettre genre des nénuphars, des trucs, genre tu peux mettre plein plein de choses. Mais j'en suis pas là pour le moment. J'en suis pas trop au rafistolage-fignolage. Et voilà. Tu joues avec la sauvegarde de NS? Oui, alors pour cette sauvegarde-là en particulier, non. Je ne suis pas avec la save de NS pour le moment. Peut-être mettre des plantes lierres dans les façades de la maison. Ah oui, non mais il y a plein de choses à faire. C'est juste déjà, en fait, je sais pas si vous voyez, mais j'aime pas trop l'arrière de ma maison. Genre, je veux pas que ce soit non plus un gros cube. Genre, vous voyez, je trouve que c'est un petit peu étrange cet aspect cubique. Je pense que je vais plutôt faire ça, tu vois. Ouais. Je vais plutôt faire ça. Et en faire style un mini balcon, tu vois, je pense. Je vais peut-être changer après comment on appelle ça? Ça là, je sais plus comment on appelle ça. Merde, c'est quoi? Les mini murs quoi. Hop, on va faire comme ça à l'intérieur, descend. Oula, oula la souris, oula. Des clôtures, merci purée, j'ai pas mes mots hein. Vas-y, la fatigue, tout ça là. Là, on est en haut, ouais. On va faire comme ça. Alors, j'ai pas vraiment délimité à l'intérieur, hein, c'est assez bisextile hein, pour l'instant. Ça pourrait me sembler pas trop mal. C'est juste que ça, du coup, bah, ça ne va pas en fait, hein. Ça ne va pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison que c'est pas la maison, elle est pas à plat. Attends, j'aimerais bien que tu sois à plat. Là, elle est à plat. Ok. Comme ça, il n'y a pas trop de problèmes. On refera les temps juste après, c'est pas gênant. Tu as un planning de live? Oui, j'ai un planning de live. Tu peux faire le point d'exclamation planning. Salut Buffy, comment ça va? C'est un mélange de la et kawaii. Oui, je me doute. Désolée, si je me trompe des fois, je m'excuse. Je fais au mieux, vraiment. Ça va, si, ça va, love, merci. Ça va bien. Est-ce que c'est pas un peu trop grand comme petit balcon là? Je sais beau. Est-ce qu'on n'irait pas jusque-là? Ouais. Si, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. De toute façon, la maison, elle va plus du tout être la même, hein. Genre, mais purée, de ta mère. Elle va changer de fou. Mini forteresse, ouais. On va mettre ça là, comme ça. Pour l'instant, ok. De toute façon, il va falloir qu'on mette que des trucs genre dégueux et tout. Genre là, j'ai mis une porte complètement désaffectée, tout ça. Faudrait à la limite qu'on décore avec des arbres et tout. Oui, en coin, c'est trop joli. De quoi tu parles de ça? Moi j'aime bien le fait qu'on puisse faire un petit des petits balcons, tu vois. Alors, on est quand même sur le terrain de comment on appelle ça? Des sorciers là. Monde magique. Du coup, j'aimerais bien que on puisse trouver tous les débogages de monde magique. Tu vois. Au niveau des plantes et tout, ça pourrait être intéressant. Mais j'ai pas l'impression qu'on va trouver. Wait. Genre là, il n'y a pas. Monde magique, le débogage, non. Trop nul. Pourquoi ils me le mettent pas? Genre, il n'y a pas d'arbre et tout là. Il y a quoi? Il y a ça. Ouais, si à la limite ça, en plus petit, comme ça, dans le coin, ça pourrait être cool. Y aurait une fontaine, mais ça fait trop richou d'un coup. Faut vraiment que ça fasse style terrain vague abandonné, tu vois. Genre, on pourrait mettre plein de trucs, genre de... Ah ouais, ça peut être pas mal. Tu vois? Et après, tout ça va être modifié au fur et à mesure. Merci beaucoup!
Raid, bienvenue, c'est très gentil. Bienvenue à tous sur le Raid, j'espère que vous allez très bien. Comment ça va? Et merci Mardromar pour ton follow, bienvenue à toi. Comment allez-vous les gars? Merci beaucoup, bienvenue. C'est très gentil. Comment tu vas Sissou, nouveau let's play? Oui Muli, c'est le Génération Leader revisité. Comment tu vas Mardromar? J'espère que tu vas bien. Dans des bogages, t'as plein de déchets. Je vais regarder, ouais. Je vais regarder les déchets et tout, trop ma vie. Les lives durent environ combien de temps? Alors, les lives, généralement, ils durent 3h30, 4h, voire même des fois 5h. Mais en fait, pour ceux qui n'étaient pas au courant ou quoi, en fait, je me suis fait opérer mercredi des dents de sagesse, ce qui fait que... Alors, peut-être que le stream d'aujourd'hui durera moins longtemps que d'habitude, pour la simple et bonne raison que je peux être un petit peu plus fatiguée. Ça va très bien, Mardromar, merci. Comment tu vas? Tu faisais quoi sur ton stream? Qu'est-ce que tu faisais de beau? Ouais, avec écologie, je vais voir. C'est juste que là, j'essaye de mettre des petits... Oh, ces arbres-là sont très mignons. Vas-y, on va poser ça là, là. Je faisais du Sims. Tu faisais quoi sur les Sims? Tu faisais quoi de beau? En tout cas, merci beaucoup pour le raid. C'est très gentil d'avoir pensé à moi, en tout cas. On va se mettre des petites plantes de partout. Coucou, tu seras là demain. Je vous tiens au courant. Normalement, oui, parce que mine de rien... Ah, des petits champignons. Mine de rien, ça va mieux. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais que si je suis trop fatiguée, tu vois. Qu'est-ce que je peux mettre de plus? Ça, c'est quoi? Ah, oui. Je vais mettre des clôtures et tout. J'en fous de partout, hein. Je vous explique même pas. En plus, là, je suis dans quelle saison? Faut que je modifie la saison, je crois. Si je suis en automne, c'est pas bon. J'ai l'impression que je suis en automne. Merci Mardromar, c'est gentil. Merci, merci. Est-ce que ma zone de notif est activée et tout? Oui. Oui, oui, oui. Attends. C'est quoi, ça? Je vois des trucs, je comprends pas trop ce que c'est. De quoi il s'agit, tu vois. Ouais, on va faire ça. On va aller dans écologie. Écologie, why not? On va se trouver un truc sympa. On va mettre le débogage. Hop. C'est quoi les règles du Génération Leader revisité? Point d'exclamation, let's play! Et tu auras tout ce que tu veux. Ouais, ouais, les fenêtres et tout, vous inquiétez pas. Là, je touche pas à la maison, je touche surtout à son extérieur pour l'instant. Oh, des pneus partout là. Des pneus comme ça dégueulasses. Les champignons, à la limite, on pourrait mettre tout au même endroit. Genre là, tu vois, t'en mets plusieurs. Voilà. J'aime bien faire des endroits désaffectés. Comme ça. C'est quoi? Ah! Ça, ça pourrait être très intéressant en mode elle est en travaux, tu vois. Ok, je pose ça là. Ça, c'est quoi? Quelle est cette chose? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas trop... ce que c'est, mais je vais poser ça là, dans le doute, je sais pas. Un échafaudage ou une grue, je sais pas trop aussi. On pourrait mettre quoi? Non, mais je trouve des choses, je trouve des choses. Pourquoi pas, hein? Why not? Ça, ça pourrait être cool. En mode, tu vois, t'en mets là, plein de trucs. Plein de déchets, de trucs là, comme ça. Hop. Comment je vais à l'hôpital? Trafiqué pour pour l'échographie, j'ai pas de docteur. Contexte Marine, s'il te plaît. Est-ce que tu as déjà le pack au travail? Je comprends pas toute la question. Est-ce que tu peux me donner un contexte? J'ai des trucs comme ça. Ouais, bof. Ça, c'est pour les arbres, en vrai. Genre, non, tu vois. Quelqu'un aurait une astuce pour énoncer le code d'erreur? Que je veux, quand je veux jouer aux Sims. N'hésite pas à demander sur le Discord, peut-être que ça pourra t'aider. Ah là, ça peut être sympa. Des plein de déchets là, partout. On va en mettre là. Je vais vraiment en poser partout, partout, partout. Comme ça, ce sera pas mal. Salut Cyril, comment tu vas? Et merci Quincy pour ton follow, bienvenue. On va mettre des déchets partout là. J'ai pas fait de toit, j'ai rien fait, hein, pour l'instant, je vous dis. Maison délabrée, je pense même que je vais casser des zones. J'ai le pack ainsi que le mode, je n'arrive pas à passer l'échographie. Est-ce que tu es allé dans ton mode achat construction pour installer les tables d'opération? Là, j'ai des déchets aussi, là. Burk.
Ouais, ça va et toi? Les khatiches, ça va. Ça va bien. Écoute, franchement, je m'en sors pas trop mal, je trouve, dans tout ça. L'opération, elle s'est bien passée. Enfin, de toute façon, toi, tu le sais parce que je t'en avais parlé et tout. Mais ouais, l'opération, elle s'est bien passée. C'était pas très difficile en soi. Là, la convalescence, elle est cool. C'est juste qu'il faut pas trop que je force au niveau de la mâchoire, en fait. Faut pas trop que je force au niveau du sourire et tout, au niveau de l'ouverture de ma bouche aussi. Faut que je fasse un petit peu attention. Mais en vrai, merde. En vrai, ça va, hein. En mode, il cache les déchets. Non, mais moi, je mets. Tu vois, les mecs qui font les travaux là, tu vois, ils en foutent de partout. On avait dit que je voulais faire de ce côté-ci, du coup, le fameux. J'arrive avec une terrible nouvelle. La prochaine mame n'aura que 12 terrains. Voilà, je vais aller boire la tasse dans mes toilettes. 12 terrains? Comment tu sais? C'est sorti, ça a leaké? Merde. Pardon. Ça a leaké? 12 terrains? Ouais. C'est la plus grande map, elle a combien de terrains, la plus grande map? Parce que là, comme ça, de but en blanc, 12. Attends, Copperdale, Annelise, on en avait combien? 9? Non, plus. 24 terrains à Windenburg, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais. Ça. C'est pas beaucoup, 12, hein. C'est pas beaucoup, 12. C'est pas beaucoup, 12, je suis d'accord. C'est bon, quoi. C'est un petit peu. Chiant. Je vais lui faire un marais à l'autre derrière. Non, non, 12. C'est pas beaucoup. Ouais, je suis dégoûtée, ça a leak. Après, c'est vrai que moi, j'avais pas forcément trop d'attentes, vous savez, sur ça. Mais j'avoue que 12, c'est pas beaucoup. C'est assez. Vous voyez, c'est assez pauvre, quoi. Hop, on va mettre ça ici. Depuis Via la campagne, ils ne dépassent pas les 12 terrains. Je vais mettre leur tête dans le mixeur. Via la campagne, il y avait combien de terrains, ouais? 12 aussi. C'est ça, non? Oh, merci beaucoup Chocolat Chaud pour ton 13e mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Hop, 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 hop. La thune. Des nénuphars. Comme ceci. De toute façon, à un moment donné, il va falloir que j'arrête parce que je vais plus avoir de thune alors. Comme ça, tu vois, ce sera fait. Je mets des mosquitos parce que vivent les moustiques, n'est-ce pas? Hop là. Et un petit canard perdu comme ça. Voilà. T'as combien de stockage sur ton PC? T'as combien de stockage sur ton PC? J'ai 1 Tera. Merci pour le follow, Maëlys Garo, bienvenue. Je voulais jouer aux Sims, mais je suis sur tablette, mais c'est pas le vrai. Ah, c'est pas la même chose. Ça va et toi, Soclo? Oui, 12 terrains à Enford on Bagley, mais il baisse le nombre de terrains, mais pas le prix. Hé, ah bah non. Ah non, 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 le prix, c'est sûr que ce sera pas la même chose, hein. Enfin, non, le prix, pardon, justement, ce sera toujours la même chose. Au contraire, je dis des conneries. Et par contre, en effet, les terrains, il n'y en a pas beaucoup. Après, il paraît que la map est vraiment très belle, hein. J'hésite à mettre ça. Regardez. J'hésite à mettre ça. J'arrive pas à croire que tu payes pour tes moustiques. Tu payes pour des moustiques. Tu l'as très bien vu. Très, très, très bien vu. Je t'adore, je suis abo à toi. Merci, Koala, c'est chou en vrai. Merci beaucoup. Est-ce que je casserai pas en fait des parties? Genre, tu vois, ça c'est ouvert. En même temps, c'est censé être délabré. Mettre, vous savez, quelques colonnes partout. Genre, tu vois, ça c'est ouvert. Là, on pourrait aussi mettre un trou par là. Un trou par là. Non, ça n'a pas trop de sens là ce que je fais. Faut faire des trous, mais faut que ce soit joli quand même. Là et là. Tu vois, on pourrait faire ça là, comme ça. Genre, des trous dans tous les sens. Genre, ici, t'en mets un là. Et là, tu fais deux trous. Voilà, comme ça, c'est vraiment assez le bordel, tu vois. Genre là, aucune sécurité dans cette baraque. Ça, je sais pas à quoi ça sert. C'est typiquement, on va le mettre là-dedans, en mode séparation. C'est, alors, le but, il n'y a pas de but, en fait, si tu veux, c'est que tu commences en faisant un Génération Leader avec une maison qui doit être complètement délabrée. Tu vois, et en mode travaux. Donc, je suis littéralement en train de foutre le zbeul dans cette baraque. Voilà, c'est tout. Pour la rénover et qu'on termine en fait le challenge avec une maison qui est jolie. Salut Johanna, comment tu vas? Elle est déjà au top la maison, bien sûr. Merci beaucoup, Cielou, pardon. Merci pour ton 2e mois d'abonnement. Heureuse de te retrouver, merci infiniment. J'espère que tu vas bien. Merci, merci pour tout.
Je vais placer des trucs un peu délabrés à l'intérieur. Parce que voilà. En plus, c'est bien, il y a Cyril Soinel parmi nous, qui elle est très très bonne en construction et elle adore faire des constructions style post-apo et tout. Cyril, très 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 ingénieuse là-dessus. Donc tu pourras me donner des conseils là. On peut jouer aussi. Oui, on peut jouer sur PS, mais on ne peut pas télécharger des mods et des CC. Exactement, une petite kawaii, tu as. C'est exactement ça. En fait, il n'y a pas de grande différence en fait. Tu aimes. Du coup, je sais pas ce que je vais pouvoir poser là. Ouh, des griffures et tout là partout. Ouais. Mais attends, attends, il y en a de partout là. Je sais pas trop. Les caravanes de Cyril sont incroyables. Elle fait de très belles constructions, ouais. Mais carrément, hein. Genre, j'essaye d'avoir de l'inspi. Mais tu vois, l'inspi, des fois, elle a quelques limites. Genre là, tu vois, j'ai une cheminée, je pourrais mettre des bouts de bois ici. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'ailleurs dans le pack Loup-Garou? Tu as des fenêtres déjà toutes pétées sans vitres. Il me semble, ouais. Il me semble, attends. Fenêtre. Je suis à écologie Loup-Garou. Là. Mais grave! On pourrait mettre celle-ci du coup. C'est? Comme ça, là. Quelques petites fenêtres. Juste histoire de dire. On n'y comprend rien. Quel merdier. Tadam! On va en mettre. Est-ce que si je l'agrandis, c'est bizarre? Bien sûr que c'est bizarre. Parce que je n'ai pas les modes Better Build By et tout ça, moi. Je n'ai pas. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre genre une énorme arche? Mais si. Surtout qu'il y en a. Ouais. Une énorme arche, genre là, tu vois. Et même, au lieu de mettre une porte d'entrée, parce que c'est pas utile, on pourrait mettre ça là. Comme ça. Ça serait peut-être même mieux, tu vois. De base, je dois faire mes devoirs. Tranquille. Tranquille. Tu sais, la meuf hyper. La mauvaise influence de la streameuse. Oh ah non, ça, c'est cool. J'ai quoi comme couleur? Faut que ce soit forcément imprimé loup-garou? Non. Non, je veux pas. I don't want. I don't want. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Qu'est merdier? Qu'est merdier, ça? La meuf fait des découvertes. On sait pas. Salut, Lana! Qui est abîmée aussi. De quoi qui est abîmée? T'as celle d'à côté sans la tête de loup qui est abîmée. Ah, je l'ai pas remarqué. Alors attends, j'arrive. Cyrilou. Celle-ci? Ah, celle-ci. Ah! Peut-être que du coup, pour le bas, ce serait. Oh, y a... Non, ça fait trop casier. Celle-là, ouais. En jaune. J'aime le jaune. Voilà. Les poutres. La poutrasse, s'il vous plaît. Venez, on en met plein là. Des petites poutres, genre. Tu vois, poutres de travaux, quoi. Je sais pas. Si, on en met plusieurs. Voilà, baby. Jaune. Ouais, on aime le jaune. J'aime le jaune, moi. La jaunasse. Tu vois, la jaunisse. Oh, je dis que des conneries. Comme ça. Est-ce que vous trouvez que ça fait bien délabré? Bon, je vais mettre du papier peint, hein, bien évidemment. Et merci, Majou, pour le follow. Bienvenue à toi. Et bienvenue. J'aime le jaune, j'aime le piment d'Espelette. Me fait pas rire, ça me fait mal. Elle me fatigue. J'aime le piment d'Espelette, petit. Le jaune, c'est ma couleur préf. C'est aussi la couleur préférée de Claire. Moi, perso, je suis malade. Bon courage à toi. J'espère que ça va bien aller. On va mettre ça. Comme ça, là. Écoutez, ça a pas grand sens. Mais est-ce que. La question, en fait, c'est de montrer qu'elle fait vraiment. Genre. Je suis en travaux. Genre. Comment on fait? Attendez. Je sais qu'il y a une technique pour faire des trous. Plate. Je veux pas faire de plateforme. Moi, je veux faire un trou. Je veux dessiner un trou. Vous voyez? Genre. Outil. Sous-sol. Non. Comment on fait? Claire, c'est ma modo qui est ma meilleure amie dans la vie. Non! Comment? Attends. Je sais pas, attends. Waouh! Là, ça y est, les limites sont franchies. On va enlever ça. Hop. Si par exemple, je vous dis des bêtises, mais si je fais un truc genre tout cassé comme ça là. J'essaye, hein, je fais un test. Est-ce que ça se cassera? Ou pas du tout? Et merci, Ashley, fan de Sissourine! Merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Mais c'est moche! Pour faire un trou, tu délimites une pièce avec des barrières ou des murs, tu pètes le sol à l'intérieur, puis tu vires le mur. Bah, ce que je viens de faire alors! C'est bien ce que. Bah non, ça l'a remis. Oh non! C'était pas bon! Salut Ashley! C'est trop mignon! Merci beaucoup. Mais pourquoi. Non, regarde, ça fait un. Non!
Mais... non, c'est parce que j'ai mis demi-mur, je crois. Donc, c'est pas bon. Il faudrait que je mette plutôt, comme vous m'avez dit, des barrières. Genre, tu fais ça, tu vois. Pareil. Ben non, ça va faire la même. Attendez, je tente un truc, hein. Je sais pas. Moi, je vous dis, je suis novice en construction. Je fais ça, et là... Mais non! Mais non! C'est bizarre! Vous trouvez pas? Pourquoi ça me les enlève? Genre... Pourquoi tu mets des poutres? Pour faire genre c'est en travaux? Ça garde ta pièce, t'inquiète. Oui, oui, ça garde la pièce, mais moi je veux qu'il y ait un trou, tu vois. Ces clôtures-là sont peut-être un peu mieux. Non, ça fait trop, là. Je dois pas... Oups. J'ai fait une connerie, moi. Comment je me sens moins seule à galérer? Ah, mais moi, je suis pas bonne en construction de base, hein. Moi, je suis une gameplayeuse, les guys. Coucou, Barquette. Je dois partir au boulot, j'essaierai de repasser si c'est calme. Si c'est calme, des bisous. Y'a pas de soucis, Cielou. Des gros bisous, bon courage. Tu as des barrières très fines dans au travail. J'ai des barrières très fines dans au travail. Sinon, tu fais des murs, tu cliques sur le mur ou tu peux supprimer le mur sans l'outil suppression. Bah, c'est ce que j'ai fait. Je répète, tu recasses le sol après avoir viré la première barrière. Ça garde ta pièce normalement. Hein ? Ah, attends. Si par exemple, je remets... Qu'est-ce que j'ai fait ? Non ! Attendez. J'ai fait quoi, là ? Je sais pas. Hein, ça m'a enlevé ça ? Ok, ouais. Ok, ouais. Bon, je refais. Je tente. Je tente un truc. Imaginons, je fais ça là. On s'en fout. Donc ça, ça, ça. Je casse ça et je casse ça. Mais ça a tout cassé. Je fais de la merde. Hein. Ah mais moi je suis une quiche, hein, j'assume. Non, c'est pas bon. Bon bah rip. Mais pourquoi rip? Pourquoi vous m'aidez pas? Non mais je dois être nulle. Attends, je dois être vraiment nulle. C'est pas possible. Motherload, la base. Alors là, le but, c'est pas de, voilà, c'est pas de faire Motherload. Bonjour Sissou, je suis triste, mon tel n'a pas sonné pour me prévenir. Grrr, tu vas bien avec ton opération, je n'ai pas raté grand-chose, j'espère. Ça va bien, merci. Merci, merci. Mais si ça va, écoute, je vais mieux. Sinon, garde un tout petit mur. Garde un tout petit mur, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave, c'est juste que c'est censé devoir marcher, tu vois. Et au final, ça marche pas comme je veux. Genre, si par exemple, je fais un trou ici... Tu vois, admettons, et que je supprime ça. Tu vois, ça me fait mon trou. Mais dès que je remets ça, non. Bah au pire, je garde une barrière, en mode on a mis une barrière, tu vois. Ça va et toi, Anto? Je garde, ouais, la barrière au pire, ça vous choque? Au pire, après, j'ai envie de vous dire, on s'en fout, quoi. Ta mère. Oui, c'est censé marcher, mais je sais pas trop. Pourquoi ça foire? Tu as le move object d'activer. Oui, le move object est activé par défaut chez moi. Et le pire, c'est que je sais que je l'ai déjà fait. Et que d'habitude, ça marche. Bon, c'est pas grave. C'est pas très... Hein? Oh! Oh! Sinon, mais voilà, voilà, voilà! Attends. Regarde. Non, mais voilà, au pire, pour que ça soit moins choquant et que ça fasse travaux, je prends ça. Écoutez, on va pas se prendre la tête 100 ans, hein. Et merci Mallory Chikun pour ton follow, bienvenue. Coucou sur TikTok, j'espère que ça va bien, désolé, je vois pas vos messages. Moi je joue au Sims Mobile, ah oui. C'est pas la même chose encore. Tu vois, au pire, on fait ça. Coucou Lilou, comment tu vas? Tu vois, au pire, tu te fais un délire, genre comme ça là, t'en fais n'importe quoi, on s'en fout. Et au moins, on n'est pas trop mal. Tu vois? On en met quelques-uns par-ci par-là, là. Et merci Marine pour ton follow, bienvenue. Ça vous choque ou pas? De ouf, j'utilise tout le temps cette barrière. Bah tu m'étonnes. Elle est cool, hein. Voilà. Écoutez, c'est pas trop mal. On met quoi comme papier peint? On met des briques? Je suis à... chez les sorciers, là. Ils sont comment, les sorciers? Il manque le dessin du cadavre au scotch au sol. Mais grave. Bon, là, on va pas aller jusque là quand même, je pense. J'aime pas du tout les barrières que j'ai mises, là. Je les trouve... Berk. Elles ne m'inspirent pas, en fait. Y a pas des barrières avec loup-garou autre? Ça, peut-être? Si, ça fait grave échafaudage. Vous trouvez pas? Ça fait grave... Ouais, ça fait travaux. Là, on peut pas dire non, hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ma fille était triste d'avoir stoppé son film Le Hobbit, mais quand j'ai mis ton live, elle était super contente, c'est trop mignon. T'as des briques avec les rayures comme la barrière justement dans le jeu de base. Dans le jeu de base, je vais regarder. Cyrilou, elle est en train de m'aider les gars. Je vais en mettre là et là. Par contre, je crois que ici j'en ai mis en doublon. Ouais, j'en ai mis... Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Non, j'ai fait de la merde. Hop. Mais je trouve que c'est cool, mettre des tags. Ouais. Genre, tu vois, elle est arrivée, elle s'est dit, bah vas-y, je vais prendre cette maison, il va falloir la rendre jolie, quoi. Hop, hop. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait un... Merde. Un espèce de double... Eh, merde. Moi, j'ai pas la patience hein, de construire. Hein. C'est là que je me rends compte que je suis une fille pas chill. Hein. Je suis pas une meuf chill. Hein. Et merci, Neila Fancy Sourine. Mais c'est incroyable. Mais merci beaucoup. C'est quoi ces pseudos? Vous êtes trop mignons. Merci, bienvenue à vous, vous êtes trop trop gentil. Je passe en soum soum, tu cries si t'as besoin. Alors, j'essaierai, mais merci. J'essaierai de crier fort. Merci beaucoup. On dirait les travaux pas loin de chez moi. Je te jure. Là, tu vois. Coucou Neila, comment vas-tu? Merci beaucoup pour bah, vos gentils pseudos. Vous êtes trop gentils. J'ai pas envie de faire comme ça. Non! C'est de la merde. Ça, tu vois, un truc, genre une forme chelou, quoi. Comme ça. Hop. En mode les grands travaux. Et si je casse? Ouais! Un bon gros trou là-haut, là. Ton opération s'est bien passée? Oui, elle s'est bien passée, merci. Elle s'est bien passée, tout va bien. Si tu utilises des CC construction, tu peux trouver des CC barrières qui font comme une fausse structure dans la maison, même avec bétonnière, etc. C'est trop stylé! Ah, c'est trop bien. Là, la seule chose, en fait, c'est que je vais essayer de pas trop utiliser de contenu personnalisé. Enfin, même pas du tout, je préférerais, pour cette construction, parce que je vais la partager dans la galerie. Et que je sais que les gens, ben, veulent aussi avoir, tu vois, des maisons sans cesser, quoi. Et la trouver direct. Coucou Ménari, comment ça va? Il y a plus rien qui va. Mais si. Regardez ça, c'est sympa. De quelle couleur? En clair, là. Genre, vraiment, c'est les travaux, hein. Là, hop. Faut vraiment que ce soit à l'extérieur. C'est un merdier cette maison. Mais moi j'aime bien. Au moins elle est en travaux. Vous voyez? On va mettre du béton au sol là. Hop. Ça m'a tout peint à l'intérieur aussi. Merci Neila, pardon. En tout cas ça me donne envie de me mettre, de la mettre en jeu et de la retaper. Bah vous pouvez. Vous voulez que je vous la mette comme ça et de la retaper? Après n'oubliez pas, si jamais vous avez envie, vous avez un challenge construction que j'ai fait ce matin. Si jamais vous avez envie d'y participer. Le challenge construction est dispo quand vous faites le point d'exclamation challenge justement. Vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour ça. Si vous voulez y participer, vous avez un mois. Parfait pour le challenge ça. Tu trouves? J'espère, hein. J'espère ne pas être en train de faire n'importe quoi, honnêtement. Je me le souhaite. On va mettre... c'est un peu redondant, hein. Ah, comme ça. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis, le principe, là, c'est que ce soit quand même une maison en mode travaux. Je vais en mettre partout. Il me reste 1620. Il va falloir, à un moment donné, que je m'arrête parce que je ne vais plus avoir de moula. C'est entêtant, en fait. Je vais mélanger. Avec d'autres sols en béton, je pense. Peut-être, par exemple, pour l'extérieur, mettre... mettre plutôt ça, ouais. Ça pourrait être pas mal, juste pour l'extérieur. Genre, là, tu vois, on est à l'extérieur. Ouais. Ça, c'est pas mal, je pense. Comme ça, tu vois. Coucou Claire, le challenge il est bien comme il faut, je mettrai pas une journée à le faire. Il est bien comme il faut, je mettrai pas une journée à le faire. Ah bah le challenge là vous avez un mois. Un mois c'est volontaire déjà que ce soit assez long quand même pour vous, que vous soyez confortable. Non, que vous soyez confortable. Et en plus c'est un big deal hein, ce challenge parce que c'est pour le 1 million extrême quoi. C'est pas n'importe quoi. Là. Voilà. C'est pas si mal. Hein. Les clôtures, honnêtement, en bleu, on les voit pas, j'en me rends compte. Le lieu va-t-il être hanté? Non. Tu t'imagines si je commence à me mettre des défis comme ça, où il faut que ce soit hanté et tout? Je crois que le Génération Leader sera vraiment occulte. Après, tu me diras... Non, j'ai fait de la merde.
Tu me diras, c'est un génération leader occulte. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez faire le point d'exclamation let's play hein, si vous voulez les règles de la revisite du challenge de NS. Il n'est pas trop revisité, il y a quelques règles qui changent et quelques règles supplémentaires à ma sauce. En un mois, je suis même pas sûre de réussir 1 million, j'ai jamais fait une construction aussi chère. Eh ouais, faut que la construction, elle coûte 1 million de simflows. C'est un gros challenge en effet, mais après, faut jamais dire jamais, à tout moment, vous êtes hyper talentueux et vous allez réussir à faire plein de trucs cool, tu vois. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Ok, ça va, c'est pas si mal. Bon. Est-ce que j'aurai d'autres choses éventuellement à mettre à l'intérieur ou à l'extérieur? Genre, vous m'aviez dit tout à l'heure un truc intéressant. C'était genre tout ce qui est lierre et compagnie, là. Le lierre, c'est vrai que ça pourrait être cool à mettre. Ah si, j'avais envie aussi de mettre des barrières, moi. Pourrais mettre... faut que je me mette en... que je me mette en... au printemps. Je suis pas du tout à la bonne saison. Je vais mettre ça là, comme ça... Regardez NS, je crois qu'elle avait fait une villa à 1 million ou 2 mètres. Ouais. Bah, je crois qu'elle a fait les deux même. Ouais. Bah, après, là, c'est un challenge à respecter avec mes critères. Des meubles, ça pourrait être pas mal. Alors oui, les meubles, je vais les rajouter. Mais il faudrait que j'aille dans le débogage en mode aucune dépense, zéro simflouz, tu vois. Ça pourrait être cool. Bon. C'est bien. Après, il faut gagner de l'argent aussi. Hein. Le buisson à pipi. Buisson, forcément. Et pour le crac-crac aussi, quand même. On se met lequel? Écoutez, on va se mettre celui de loup-garou. Un petit buisson pour faire pipi, là. Ou pour faire crac-crac avec les futurs papas, là. Ça, je vais le poser là. Ça aussi. Un buisson par là. Et... Hop! Cool. C'est pas mal, hein. Tu nous as beaucoup manqué depuis que tu as fait ton opération. Merci, Neila, c'est gentil. Tu avais déjà commencé le 1 million Extreme Challenge, si oui, on peut retrouver les lives dessus. Alors, tu as les lives qui sont que sur Twitch, parce que c'est exactement la même chose que le 100 Baby Challenge, c'est qu'en fait, je n'avais pas du tout ma chaîne de rediffusion à ce moment-là. Donc malheureusement, il te faudra... Non, c'est pas beau. Il te faudra voir les dernières rediffusions au final directement sur Twitch. Tu vas mettre des défis de terrain. Je pense, ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que ça pourrait être cool de mettre des défis de terrain. Quand même. Pour que ce soit un petit peu compliqué. Pourquoi ça veut pas... Pourquoi ça me met objet introuvable? C'est parce qu'il y a ma cimette. Sinon, je sais qu'il y avait des petites pierres que tu pouvais placer comme tu voulais et tout, mais je sais pas comment... Où elles sont. T'as pas de thune. C'est à cause de la thune? Bon, bah on va arrêter les conneries, hein. On va arrêter les conneries. Est-ce que je mettrai pas ce sol au final? Parce que j'ai l'impression que ça fait peut-être un peu trop là-dedans. Ah, mais j'ai pas mis de mur aussi. J'ai pas vraiment mis de papier peint là, à l'intérieur, là. On a pas... Ouais, on a ceux de Batou. Qui pourraient faire l'affaire. Ouais. Je ne sais pas. Sinon, quoi? Ah oui, bravo pour le 100 Baby Challenge. Merci. J'aime bien les défis de terrain. Ouais, on se met ça, hein. Je pense qu'il manque un truc devant la porte, genre une allée. Bah après, la maison, elle va être toute reconstruite, tu vois. Le but, en fait, c'est que la maison... Oh, il y a de la tôle. Ça peut être sympa, ça. Le but, c'est justement que la maison, elle soit retapée. On pourrait, à la limite, en façade, mettre quelques bouts de tôle, là. 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 Voilà. Hop, comme ça. Vous voyez ce que je vois, là? Genre, j'ai envie de mettre ce que je vois. Comme ça. En mode, il y a de la tôle et tout. Ça peut être sympa. Genre pas partout, mais par-ci, par-là. NS avait tout mis dans les défis de terrain. Elle avait tout mis. Eh ben, on va faire comme elle, hein. Pour que ça reste quand même assez fidèle. Bon. Cool. Pas trop en deuil de ton 100 Baby Challenge. En vrai, j'ai pas eu le temps d'être en deuil, je crois. J'ai pas eu le temps d'être en deuil. Mais ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre, mais après, je sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient au courant, mais je l'avais dit quand j'avais terminé le 100 Baby Challenge. J'ai dit que j'allais en faire un spécialement pour YouTube. Encore différent de ce qu'il y avait sur Twitch de base. Hop. Hé hey. Le petit tas, là, de boue. Hé.
Est-ce que les modos, s'il vous plaît, vous pouvez enlever les utilisateurs qui sont marqués en suspect, justement, en suspect? Est-ce que vous pouvez enlever? Parce que c'est chiant. C'est chiant parce que du coup, on voit que le message en surbrillance et c'est dommage. Si vous pouviez l'enlever, s'il vous plaît. Merci. Enfin, quand je dis c'est chiant pour moi. Hein. Hello Camilux, comment tu vas? Ouais, je vais mettre les défis terrain, ouais, du coup. Ok, ça c'est pas mal. Ça, c'est bon. Suis-je suspecte? Tu es suspecte, Johanna. Purée, Johanna, remets-toi en question. Non, mais des fois, en fait, vous savez, il y a des utilisateurs qui arrivent et qui sont marqués en suspect pour diverses raisons. J'ai pas le motif, moi, de mon côté. Mais c'est bien, des fois, de le garder juste pour être sûr que, bah, par exemple, la personne est safe, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est bien aussi de l'enlever quand tu vois que ça tout va bien, en fait, au final. Voilà, tout simplement. Ouh là là, Johanna, la dissidente. Johanna dangereuse. Faites très attention à Johanna, méfiez-vous d'elle, s'il vous plaît. C'est moi ou ça flotte? Non, ça ne flotte pas. Ok. Bon bah c'est une belle maison délabrée, qu'est-ce que vous en dites? Ah non, mes clôtures. Les clôtures de mémoire. De mémoire. Elles viennent avec le débogage de quoi? De Strangerville. Strangerville? Je sais plus. Strangerville ou via la campagne? Coucou les Sims. Bah coucou, comment tu vas? Attendez, j'ai des clôtures. Ça, exactly. Je voulais mettre ça là. Ça coûte de l'argent. C'est gratuit. Voilà. Ça, c'est bien. Tu vois, t'en mets là. J'adore quand tu construis. C'est vrai, vous aimez? Je ne construis jamais en stream. Même jamais tout court. Parce que, premièrement... Alors, Cyril va me buter en entendant ça, comme d'habitude. Parce que j'ai pas confiance en moi. Je trouve que je construis pas bien. Et parce que, aussi, j'ai pas... J'ai l'impression que vous... Les gens peuvent grave s'ennuyer, en fait. Je vais la buter. Voilà, voilà. Vous avez vu. Cyril Soinel est très bienveillante envers ma personne. Elle m'aime beaucoup, apparemment. En tout cas, je suis contente de la prendre. Hop, ça. J'ai eu si peur. La surréaction. Camara. Carman. Camara, bien sûr. Karma, merci beaucoup pour ton sub. Merci pour ton 11e mois d'abonnement. C'est adorable. Quoi, Sissou? Faut avoir confiance en toi. Oui, je sais, mais. Je sais pas, je me dis, en fait, il y a des gens qui construisent tellement mieux. Mais après, en fait, c'est débile ce que je vous dis. Je vais vous expliquer pourquoi c'est débile ce que je dis. Parce que, en fait, plus tu construis, plus t'es habitué, et plus tu construis bien, et plus t'as des réflexes. Et moins tu construis, bah, moins tu construis... Enfin, c'est comme tout, en fait. Si tu t'entraînes pas, forcément, tu vas pas bien... Je vais enlever ces trucs-là qui me... C'est de l'argent pour rien. Bref, donc, enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Non, je pense pas. Mais en gros, je suis fatiguée, vous le sentez, là. En gros, plus tu construis, plus tu vas être habitué, ce qui est logique. Et moins tu construis, moins tu vas être habitué, ce qui est logique aussi, quoi. Donc c'est un peu con ce que je vous dis, tu vois, mais je sais pas. Ils sont beaux ces graffitis, c'est impressionnant. Tu es triste, arrête, c'est ça. T'as faim, mange ta main et garde l'autre pour demain, quoi. Enfin, je comprends pas. Des pierres. Excusez-moi, je sais pas m'arrêter. Est-ce que vous savez vous arrêter quand vous construisez? Surtout quand vous faites des trucs comme ça. Oh ouais, une parabole. Grave. Je suis dans l'abus. Est-ce que je suis dans l'abus? Non. Regardez, une petite parabole. Genre, on sait pas, tu vois. Mais une parabole. Des tas de sable, dégueulasse. Ouais. Par contre, c'est la couleur qui est pas très... La couleur est pas... On n'a pas des tas de sable, couleur sable, vraiment. Non, je sais pas m'arrêter. T'as vu mes constructions pour le challenge? Mais grave. D'ailleurs, qui c'est parmi vous qui va participer à mon challenge construction? Moi, je veux savoir, là. Il est dur, hein. Enfin, il est dur. Je sais pas en fait s'il est dur, mais moi je trouve pas forcément très très simpliste quand même, hein. Je vais pas vous mytho. Je suis pas peu fière de mon idée. Ça, je vais le mettre par là. On va remettre ça là, comme ça. Et lui, on va plutôt le mettre. Alors, de ce côté-ci. Voilà, c'est tout cassé, ça n'a pas de sens. Moi je sais pas, je vais réfléchir. Je vais tenter moi. Je suis Ice sur le Discord. Ah c'est toi, d'accord. Moi je vais essayer. Il faut se creuser la tête mais ça va. Oui, après j'ai essayé de vous donner des indications à fond. Salut Net Gert, comment tu vas? Honnêtement je vais essayer le challenge pour moi. Même déjà, on verra bien si j'arrive, je le partagerai. Bah pas de soucis, j'aimerais bien. Mais j'ai que le pack vivre ensemble donc c'est chaud. Mais alors, ça c'est ce que je dis à chaque fois. Les packs, alors c'est dans justement les règles de mon...
challenge. Vous faites avec tout ce que vous avez. Je m'en fiche complètement. Voilà, sachez-le. Je m'en fous. Vous faites avec ce que vous voulez. Moi, dites-vous que j'ai tous les packs. J'ai pas de problème. J'ai absolument tous les packs. Vous faites que le jeu de base. Vous faites sans jeu de base. Enfin, sans jeu de base. Qu'avec des packs. Enfin, vous vous amusez comme vous le souhaitez. Sincèrement. Ne vous embêtez pas. Et ne vous dites pas, ouais, j'ai que un pack, donc je vais pas participer. Genre, vraiment, c'est pas du tout, du tout un problème. Sérieux. Au cas où, hein, je vous le dis. Est-ce qu'on a d'autres trucs à mettre? Est-ce que vous avez des idées? On n'a pas des échafaudages, des trucs avec écologie qui pourraient être intéressants? Parce qu'il me semblait que oui, c'est ce que je vous disais en début de stream. Que dans le débogage, on pouvait avoir des trucs assez sympas. D'ailleurs, à force de casser des choses, bah, j'ai récupéré de l'argent. Je vais me mettre la poubelle pour gagner de la moula. Je vais la mettre de ce côté. Là, on va la caler ici. Petite poubelle. Les toilettes de chantier. Alors, j'ai mis déjà des... le buisson. J'ai mis ça. Attendez, je vais sauvegarder. Oula. T'as un tas de trucs avec écologie dans le débogage. J'y suis là, tu vois, mais... C'est quoi, ça? D'accord. C'est spécial. Il y a une citerne. Bon, c'est peut-être un petit peu trop, quand même, une citerne. Ah, les trucs genre câbles électriques et tout. Ça, c'est gratuit en plus. Ça va pas me faire ça va pas me coûter trop de thunes. C'est sympa. NS a pris des bidules du débogage de écologie. Mais justement, c'est ça que je cherche, moi. Tu vois, genre ça, on pourrait en mettre plein, tu vois. Moi, j'ai envie que ça fasse quand même assez... moisi quoi. Oh ouais, non mais c'est bon, on trouve là, regardez. Regardez ça! Mais c'est merveilleux! Elle va manger où et comment? Ben justement, le but du jeu, ça va être de lui faire une maison qui va ressembler un maximum à quelque chose, quoi. Et donc là, je la dégueulasse à fond. Est-ce que vous avez envie que je vous la partage dans la galerie, cette version de la maison? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Je sais pas, vous la partagez, et si vous avez envie de la retaper, bah go, régalez-vous en fait, hein. Franchement, c'est qui? C'est Anto qui m'a donné l'idée, là. Salut, Justeline! Est-ce que c'est rentable de live en même temps sur TikTok? C'est rentable, c'est-à-dire c'est rentable. Bah, c'est bien de live sur TikTok pour avoir de la visibilité, ouais, je trouve, en tout cas. Et pour partager avec les gens là-bas. Après, moi, le truc, c'est que je vois pas tout le temps. Je suis désolée, sur TikTok. Vous la voulez? Vas-y, est-ce que vous pouvez faire un petit sondage, les modos, pour demander aux gens si ça les intéresse? Ce sera mieux, comme ça... On aura la réponse via sondage et ce sera cool, tu vois. C'est pas trop mal, hein. Je pensais qu'on allait avoir plus d'échafaudages et tout, je vous cache pas. Ou alors je vois rien, hein. C'est quoi, ça? Je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est quoi? Ah, bien, bien, bien. Attends, regarde. Faut quand même qu'elle arrive à monter à un moment donné. Ça, c'est pas mal. Ah, mais c'est buggé un peu. Je sais pas trop à quoi ça sert d'ailleurs. C'est quoi? C'est quoi? Genre, qu'est-ce que... Pff, je veux pas trop. Je peux pas en mettre trop non plus. Ouais, mais ça bug. Il est chelou ce truc. Je sais pas ce que c'est. Je comprends pas trop. On peut mettre ouais, un frigo... un frigo tout crado là. Ça, je vais le rétrécir légèrement et peut-être le mettre vers... la poussière là-bas. C'est pas mal. On peut même se mettre une gazinière qui marche pas. Genre, c'est vraiment délabré. Oh. Regardez, on peut faire comme ça si on veut. Le truc, c'est trop bien. Je m'éclate là. On peut mettre plein de petits bordels là-haut. Hop. Là aussi. Pas mal. Tu pourrais... Tu pourrais essayer de mettre un frigo dans l'étang. Ça rentre? Je peux mettre ça par contre dans l'étang, ça pourrait être stylé. Est-ce que je peux la changer de couleur? Non, malheureusement. Regarde. Il y a ça qui flotte, tu sais pas d'où. mais toi, Sissou, tes CC, ils font pas beaucoup bugger ton jeu? Parce que moi, beaucoup. Non, moi, ça va. Après, j'ai un ordinateur qui supporte. Hein. Aspirateur... Bon bah on est pas mal déjà. Il y a quoi d'autre aussi qui pourrait faire au travail, non? Peut-être qu'au travail, il y a des choses stylées, non? Il y a quoi? C'est sous, j'ai acheté le bonus. Change la couleur de mon fond, j'aimerais bien du bleu. Tu veux du bleu? Allez,
c'est parti. Voilà du bleu. Et merci Kailia, pardon. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue, c'est gentil. Ok. On a des petites... des petits ça, là. Hop. Pas mal. Ok. 487 simflouzes. Bien. On va lui mettre un lit. Et c'est tout, je pense. C'est pas mal. Et de quoi se doucher, à la limite. Ouais, on va arrêter les bêtises, non? Coucou, Kailia. Désolée si je bégaye. Ça va et toi? Merci, Janice 555 pour le follow, bienvenue. Moi aussi, j'ai le problème code erreur. Alors, je sais pas ce que c'est que ce problème code erreur, les amis. J'aurais bien aimé vous aider si je le pouvais, mais là, je sais pas du tout. Vraiment pas. Pourquoi vous avez un code erreur? Ça peut être pour diverses raisons. Je vous invite à contacter le support directement, ou alors, si vous le pouvez, aller sur des Discord ou quoi pour demander. Peut-être que ça pourrait vous aider, tu vois. Oh, les lits, ça coûte un bras, là. C'est trop... On va lui mettre un lit bleu, hein. De toute façon, le lit, on va le mettre par là, hein. Je pense qu'elle va dormir ici. Voilà, voilà. Et la douche. Je n'ai plus de quoi me prendre une douche. Et merde. C'est la mouise. Est-ce que ça, ça coûtait de l'argent? Non. Ça coûtait pas de l'argent. Est-ce que ça, ça coûtait de l'argent? Non plus. Donc, j'essaye de trouver des trucs qui coûtaient de l'argent, tu vois. Ça, ça coûtait de l'argent? Ah, mais c'est qu'un petit déchet de rien du tout. Etelia, merci pour ton follow, bienvenue. Lit de camping, s'il y a... Attends, je vais faire déjà priorité sur la douche que je vais mettre en vrai, ouais. En fait, à la base, la douche, elle devrait être ici. Moi, je voulais que ma douche soit là. Donc, au pire, on va casser ça. Ça me fera toujours récupérer de l'argent. Et sinon, on peut mettre une tente, en vrai. Des tentes. MS, elle coûte trop cher. Tente de camping, ça coûte beaucoup trop cher. Dommage. Tu vois. Mais sinon, lit de camping, on a celui-là. Et merci, Mickey, pour le follow, bienvenue. Comment t'as fait pour installer les Sims 4 sur Steam? Je ne joue pas aux Sims 4 sur Steam, je suis maintenant passée sur EA App. J'étais auparavant sur Origin. Bah non, mais on va mettre ça, hein, c'est pas grave. Hein. On va mettre lui. Bah allez, le jaune, c'est la couleur. Ah non, mais par contre, il y a un trou. Non, non, j'ai trop peur qu'elle tombe, en fait. Venez, on va lui mettre son lit là. Voilà. Comme ça. Et vu que j'ai pas de thunes, ce sera l'occasion de casser ces deux murs. Et ça, j'ai trop peur que ça gêne. Donc au cas où, je vais le coller. Ah, on pourrait le mettre là, ouais, grave. On pourrait grave le mettre là. Dommage, si je l'agrandis plus... Hop, je fais ça. Et je fais ça, là. On dirait que c'est fait exprès. Où c'est qu'on pourrait mettre un peu plus de lumière? Par là, je pense. Le trou est pas cassé, si. Quel trou? Quel trou? Il y en a tellement. Ouais, je vais faire ça. Coucou, Sissou, ma fille demande ton prénom, je sais, mais je sais pas lui répondre, j'ai oublié, alors que tu l'as déjà dit beaucoup de fois. Je m'appelle Cyrine, mon prénom. Je crois qu'il, on a tous le même problème. Code, erreur. Ah, je crois que tu te trompes. C'est horrible, ça me saoule vraiment, y a rien à faire. Je sais pas TikTok, je sais pas du tout. Je sais pas si j'ai des modos sur TikTok, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch directement pour écrire, ce sera plus facile pour vous répondre. Et peut-être qu'il y aura des gens qui pourront vous aider, je sais pas. Hop. Bon, bah voilà, hein. Non mais, est-ce que vous voulez que je vous la mette du coup dans la galerie ou pas du tout? Est-ce que vous voulez que je la mette? Il faut que je change le gameplay, autonomie totale, oui. Âge automatique des Sims utilisés, bah oui, bien sûr. Désactiver l'autonomie, nanana. Espérance de vie, il faut que je me mette en faible. Nice. Super. Attends, applique les modifications. Merveilleux.
Et je suis... Non, je suis bien au printemps, c'est bon. Sissou, oui, pour la galerie. Allez, bah, je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça. Durée du cycle, nanana. Donc, on est bien en autonomie totale. Désactiver l'autonomie, nanani. Âge automatique pour les Sims utilisés. Bah, j'ai mis oui. Et j'ai mis faible. J'ai appliqué les modifications. Ok, c'est bon. Afficher les envies, nanana. Âge automatique des Sims non utilisés. Oui aussi. Tout le monde, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? Je vais sauvegarder. Oui, dans la galerie. Bon, allez, je vais vous la mettre du coup maintenant dans la galerie. Ce sera fait comme ça. Tu m'as donné envie par ta faute. Je vais devoir jouer aux Sims. Oh là là, mon Dieu. Alors, je vais changer ça. Génération... Non, je vais l'appeler maison délabrée. Maison délabrée de Céline. Comme ça, vous savez. La maison délabrée de Céline. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, on va tout enregistrer. Regardez comme elle est merveilleuse. Incroyable. Hop, je crois que... En fait, tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais pas dans la sauvegarde de NS, mais je pense que si, en fait, quand je suis en train de regarder. Alors, maison délabrée de Céline, le personnage principal du Génération Leader. Revisiter. Oula. Revisiter. Sur Twitch. Amusez-vous à la rénover, à la rendre très jolie et habitable. Voilà. Allez, c'est quoi les hashtags qu'il faut mettre pour que ce soit vu? Je vais vous mettre hashtag Sissourine, si jamais vous me cherchez, ce sera plus simple. Hashtag quoi? Hashtag génération leader? Hashtag... je sais pas. Moi, je connais pas du tout les hashtags qu'il faut mettre dans les modes construction et tout pour que ce soit vu dans la galerie. Pour le test, tu vas faire comment? Le test de quoi? Est-ce que les packs occultes valent le coup? J'hésite à les prendre. Ça dépend de quoi, ce que tu veux faire. Sissourine leader. Je sais pas. Sissourine leader. Oula. Perruche. Non, mais c'était pour la construction, tu vois. Pour le test, tu vas faire comment? Pour le test de grossesse. Ah bah, il faudra qu'on rénove la maison au fur et à mesure, justement. Je sais pas. Ah, ruine, c'est bien. Ruine. Je sais pas, moi. Maison. Travaux. Non, Fion, je peux pas. Fion, je peux pas. Travaux, maison. Rénovation. Je sais pas. Squat, grave, squat. Et je peux mettre challenge aussi. Voilà. C'est pas mal. Bon, j'aime pas trop la photo. Elle est moche, mais... Voilà quoi. Les photos sont moches, mais c'est pas grave. Allez, elle va être dans la galerie, du coup. Hop, c'est bon. Elle est dans la galerie. Du coup, si jamais vous me cherchez, je m'appelle Sissourine, hein, sur la galerie. Du coup, vous allez ici, dans mon profil. Vous allez dans catalogue. Et elle est pas là. Pourquoi elle est pas là? Elle s'affiche pas encore? Je sais pas. Elle s'est pas encore affichée, je crois. Bah, elle va arriver. Je pense que je vais trop vite, c'est pour ça. C'est quoi, ça? Bon, je suis beau. Elle va arriver, normalement. Terrain? Bon, elle va arriver. Ça met un peu de temps, ouais. Je suppose que pour ce challenge, tu es moins obligée d'avoir le pack saison, vu que tu dois commencer au printemps. Ça t'empêche pas de jouer, si t'as envie. Si t'as envie, tu sais, ça va pas t'empêcher de jouer, hein. Vraiment. Bon, je suis contente. On va commencer à jouer, du coup. Hello, merci pour ton follow, bienvenue. Bon, de toute façon, elle est dans la galerie, vous m'avez vu, je l'ai partagée. Tout est bon, on va commencer à jouer. Du coup, je vous rappelle les règles du Génération Leader Revisité. Je me remets le point d'exclamation Let's Play pour mon pense-bête. Du coup, c'est un Génération Leader Revisité spécial occulte. Il faut qu'on ait le Sims le plus beau slash humain possible et avoir du coup une belle maison à la fin. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur un terrain qui était vraiment assez délabré en mode travaux, c'est le bordel et tout. Donc on va devoir tout casser, tout recommencer et tout construire bien comme il faut. Il faut qu'on fasse
que des accouchements à domicile obligatoirement. Si la cimette, elle est stérile, eh ben, il faudra qu'on passe directement à une autre génération. La future génération doit tuer sa fratrie la plus laide avec une mort différente à chaque fois. Un accouchement par génération est autorisé seulement. Les papas avec qui on va faire du coup les crac-crac pour être enceinte, ils doivent être humains. Donc on aura une chance sur deux éventuellement pour que l'enfant soit occulte. Donc ce sera toujours difficile et toujours un suspense. La future génération doit être un occulte forcément. On doit finir les points de talent par génération et faire une petite collection de fossiles. Voilà, c'est cool. Lana, merci pour ton follow, bienvenue. Voilà ce qu'on va faire. Alors, la seule chose que je ne sais pas, c'est que je ne sais pas si je vais le faire sur 5 générations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je n'en ai aucune idée. Si aussi vous vous demandez ce que c'est que les points de talent, bah forcément, ma cimette est une occulte, donc les points de talent, c'est ça. Donc en gros, il va falloir qu'on devienne un grand jeteur de sorts, par exemple. Voilà. Comment ça va, Lana ? Mais du coup, vu que Noémie le fait sur 5 générations, de manière, en plus, sur une durée de vie courte, je sais pas. Je sais pas si 5 c'est suffisant ou si on en fait plus ou pas. Salut Camille. Coucou Sissou, j'ai un problème avec les Sims. Quand je mets un Sims dans ma bibliothèque, ça ne marche pas. Et même pour une construction, tu aurais une idée de où ça peut venir. Ça dépend, ça te met quoi, Léna? Quand tu essaies de la partager. Super l'idée de voir tout ça. Bon, cool. Ouais, ça va, Lana, merci. Coucou, hello. Comment tu vas? Vous voulez qu'on laisse comme ça, ouais? La meuf, pourquoi elle est violette? Parce que, parce qu'en fait, c'est un génération leader, donc j'ai tout fait pour qu'elle soit d'un physique pas vraiment humain, en fait, tout simplement. C'est pour ça, il s'appelle génération leader, mais c'est pas au niveau de dire elle est belle, elle est moche et tout, tu vois, c'est de dire qu'elle a vraiment pas du tout une tête d'humaine, quoi. Bon, le squat est placé sur mon terrain, go rénové. C'est vrai, trop bien. Alors, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à me partager du coup des captures écran si vous allez le rénover de votre côté et tout. Parce que je serais trop curieuse de le voir et de le savoir, même sur Instagram ou sur le Discord dans le channel construction, tout ça. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me montrer, je suis trop curieuse de voir ce que vous allez en faire. Du coup, vous allez pouvoir comparer ma construction à moi et la vôtre. Elle est violette, mais elle twerk. Exactement. J'avais commencé un challenge laideur et je me rends compte que ma cimette n'était clairement pas assez laide. Oh bah tu sais, ça se trouve la mienne elle est pas très laide non plus. Hein. Alors, je sais pas par où commencer. Déjà elle a envie de faire pipi. Bon écoutez, ça va être bien. Comment tu vas? C'est le printemps et il neige. Vas-y va fertiliser, t'as envie de faire pipi. Allez Céline, oula. Qu'est-ce que... Ah elle veut pratiquer la magie indomptée. Ah déjà t'es une meuf méchante comme ça là. Ça y est déjà elle commence tu vois. Quand je partage... Ça marche quand j'enregistre. Pour moi, ça ne l'affiche pas. C'est bizarre. N'hésite pas à demander sur le Discord, Léna, parce que ça peut venir de tellement de trucs. Limite, une capture écran serait utile, tu vois. Ok, elle a fait pipi. C'est nickel. Par contre, va trouver des mecs, quoi. Elle a fait pipi, elle a faim. Est-ce qu'on pourrait aller, genre, ici, tu vois, chercher des repas? On peut pas. T'as des trucs dans ton inventaire à vendre? Ah, mais t'as ton truc, t'as ta pierre de je sais pas quoi, là. T'as tous tes trucs là. Il commence à neiger, on est le printemps, pourquoi? Il faudrait que je trouve un mec du coup là. Mais sauf que là tu vois il y a un mec qui est passé. Je crois que, je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est un jeteur de sorts, Morgine. Mais je crois qu'il est non-genré. Ou alors qu'il aime les hommes. Et que de toute façon c'est un jeteur de sorts. Donc je ne peux pas, il faudrait que je fasse crac-crac avec un homme qui n'a pas de trait occulte. Comment ça va? Au pire Tinder hein. Il y en a un qui vient de passer, un mec. Ouais non mais c'est comme je viens de dire, tu vois lui c'est pas possible. Je vais aller sur Tinder, ça va m'aider. Ça va grave m'aider je pense. Vas-y Tinder. N'hésitez pas à taper vos questions bugs et autres dans Google aussi avant de poser des questions dans le chat. En effet si jamais oui. C'est quoi ton nom dans la galerie? C'est écrit juste au dessus Lana, c'est Sissourine. Rancard spécifique. Alors je vais mettre rancard masculin aléatoire. Et vous allez voir que ça va tomber sur un sorcier ou sur un occulte. Je pense que je vais aller faire un petit tour, je reviens, c'est promis. Il a eu peur de moi, c'est ça? Putain, j'aurais pas dû crier. Purée, c'est un... Mais c'est un occulte! C'est un vampire, non? Pourquoi? C'est un vampire. C'est abusé. C'est abusé. Comme par hasard, c'est un vampire. Je vous jure, la tête de ma mère, c'est trop. Rancard masculin aléatoire, hein. Dépêche! Dépêche! Ce n'est pas un occulte. Je crois. Alors, on va aller aux élixirs en préparation. Du coup, non, je pense pas que je joue avec la save de NS, là, je vous confirme. Hein. Je pense pas. Merci de m'avoir suivi sur TikTok, les gars, c'est trop gentil. Ok, ouais, non, je vous confirme, je suis pas avec la save de NS. Alors, salut! Il s'enfuit. Non! Mais reste là, je suis belle comme un cœur. Mais il se casse.
Présentation. Mais reste. Le mec, je vous jure, il était à deux doigts de se barrer. Il a eu trop peur de notre tête, je crois. Morgane, merci pour ton follow, bienvenue. Mais il s'est barré. Il s'est barré. Ah non, il est là. Mais enfin, je veux bien avoir une tête assez spéciale, mais quand même. Non, c'est pas un sorcier, arrête. C'est un sorcier? Oh non. Si c'est un sorcier, je pleure. Sérieux? Par contre, la fumée verte qui sort de son buisson, c'est Burke. Ah bah oui, hein, elle a pissé dedans. Elle s'est déjà servie à manger et tout. Hein. C'est sûrement suite aux produits toxiques. Ah, c'est pas aux produits toxiques. C'est surtout à cause de notre pisse. Non mais c'est un sorcier, vraiment. Tu peux aller te présenter à lui ou t'es trop timide, là? Salut, une humaine. Merci, comment tu vas? Vous êtes sûr que c'est un sorcier? Oh non. Sinon, il y a Zouk Machine. Il y a le PNJ de Zouk Machine ici. Pourquoi c'est... il fait hyper sombre? Il s'est barré. Ok, yeah, j'ai rien dit. C'est un sorcier. Bon, ma vie, c'est de la merde. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ok. Éclaté au sol, bisous. Je vais faire un rencard que je vais choisir moi-même. Hein. Voilà. Hein. Merci, Lidoche, pour ton follow. Bienvenue. Eh ben, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Ça va être trop dur. Ça va être trop dur. Ça va, mon opération s'est bien passée, merci. Mais il s'est barré, même Zouk Machine, il s'est barré. Pour te dire. Je peux même pas aller l'encaper. Je peux même pas. Non mais il est parti. Je peux même pas pécho Zouk. Allez, vas-y. Choisissons un mec. Travis Scott, lui, c'est pas une star. Salut Evelyne, comment vas-tu? Il y a Nox, sinon. Nox, lui, il est dans... C'est un PNJ qui vient avec écologie et il est humain. Il y a FaZe Jalil, il est beau. Faut qu'on prenne un beau, hein. Oh, Salim Ben Ali, il est trop beau. Venez, on prend Salim. Salim, lui, c'est un humain, il est beau. À tout moment, là, on tombe enceinte, c'est nickel, tu vois. C'est pas grave, Luna, des bisous. Deux rancards et deux bides, ça commence fort. Il ne s'est rien passé. C'est dans votre tête, ça. Salim, le BG, je l'aime. Bah, go avoir un bébé avec Salim, hein. Imaginez, ma cimette est stérile et on doit déjà passer par une autre génération. Salim, coucou, comment tu vas? Bien. Salut Nata, comment ça va? Oh là là, regardez ce giga BG. Regardez comme il est beau. Non mais c'est trop. Alors, amicale, présentation respectueuse. Je rappelle quand même qu'elle est méchante. Enfin, elle a beaucoup de qualités cette femme. Hein. Vraiment, à qui tu parles? Ouais, ça va, merci. Attends ta boisson, mais t'arrêtes de dépenser des thunes comme ça. Elle veut déjà se murger la gueule en fait. Je réalise qu'elle veut. Il est BG grave. Attendez, comment ça se fait que j'ai les emotes d'abonnés de débloquer? On a dû t'offrir un sub, une humaine. Un sacré flow. Il a grave un sacré flow. Non, vous trouvez pas? Il pourrait sauver la génération déjà. Je l'ai présenté dans une vidéo YouTube Caminouille. C'est Sims Da App. Bon, Salim, t'es où là? Attendez, on a même pas de quoi faire crac-crac et tout. Mais c'est pas grave. Déjà, on va le rencontrer. On va faire les choses bien et doucement. Donnez confiance en soi à Salim. Vas-y, Salim. Regardez comme il la regarde trop mal, c'est trop. Salut Rosie. Raconter une histoire scandaleuse, voilà, parce qu'on est quelqu'un de très scandaleux. On va discuter des centres d'intérêt avec lui. Est-ce que il nous apprécie? Vraiment? Je sais pas si vous réalisez. Regardez comme elle a les yeux fluo, c'est trop grave. Coucou Hello, comment ça va? Merci beaucoup à la personne qui me l'a offert. Il vient de quel pack Salim? C'est Vistadine, si je te dis pas de bêtises. Il me semble bien. D'ailleurs, n'oubliez pas, le concours Instant Gaming, il est encore disponible pendant 3 jours. Si vous voulez tenter de gagner le jeu de votre choix ou acheter un jeu moins cher, donc n'hésitez pas à participer. Ouais, ça va très bien, Hello, merci. Je confirme Vistadine. Ah, tu vois, je commence à avoir de bons réflexes et tout. Genre, je retiens bien les choses. Complimenter lourdement l'apparence. Céline Fion, elle est incroyable. Vraiment, je l'aime trop. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, ma cimette s'appelle Céline Fion, grâce à vous. Offrir un cadeau amical. Ah, j'ai rien à t'offrir, mon petit pote. Les gros titres, ça me tue, ouais. Elle est assez... elle est enrobée, elle est belle. On va lui donner confiance en soi. On va lui raconter des ragots sur la célébrité. On va lui parler de la neige, tiens. On a vu de la neige tout à l'heure. Il faudrait qu'on essaye de l'embrasser, qu'on discute des centres d'intérêt. Et qu'on flirte. Et ben, on va essayer de flirter, mais ça a l'air d'être compliqué. Demandez si la personne est célibataire. Si on gagne le concours Instant Gaming, on peut aussi acheter des packs Sims. Alors, dans tous les cas, Instant Gaming, tu peux acheter ce que tu veux en moins cher, dans tous les cas. Peu importe le jeu, que ce soit du Sims, pas du Sims ou autre. Et si tu as gagné le concours, tu choisiras le jeu que tu veux une fois que tu l'auras gagné. Et il sera directement dans ta bibliothèque. Après La Belle et la Bête, on a le beau et la moche.
Aïe, vous m'avez fait mal aux dents. Enfin, aux dents, à la mâchoire. Just go away. No. Amour, j'adore te regarder. Vous croyez qu'il nous kiffe ou pas? Votre pronostic. On va discuter de notre relation amoureuse. Évidemment, vous doutez bien que vu qu'on commence à peine le premier épisode du Génération Leader, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de prédiction pour l'instant parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, vous en aurez pour les prochaines fois. J'espère que vous êtes hype en tout cas. Salut Kakaï, ça va et toi? Est-ce que vous êtes content qu'on démarre ce nouveau challenge? Qui m'a pété dessus là? Mais ça va pas du tout là. Moi, je suis trop contente de démarrer un nouveau challenge. Il y a vraiment des stars. Oh, il y a lui, Thorne Bailey. Ouais, mais stop it, quoi. Oui, on a de l'amour. Faire les hurons, vas-y. Ah si, demain, c'est la maison du gaming. Alors, peut-être qu'on ne fera pas la maison du gaming demain parce que je suis fatiguée avec mon opération et que à tout moment, je ne vais pas réussir à animer une maison du gaming. Donc, peut-être qu'on fera autre chose. Ça va dépendre. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais vous êtes tous en train de le suivre, là, comme des glandus? Non, mais le mec s'en va. Enfin, on s'en fout, mais... C'est horrible. Bonne soirée Camille. Salut Ran, comment vas-tu? Viens, viens, on va s'asseoir ensemble ici là. Trop grave bien la nouveauté sur plusieurs générations. Ouais, c'est vrai. Je suis contente aussi qu'on puisse faire des nouvelles choses un peu sur la chaîne. Ça change. Ça va, merci. Donc ouais, demain la maison du gaming, je ne sais pas. Ça va dépendre de mon état, je vous avoue. On va lui complimenter encore l'apparence. Voilà, super. On n'a pas encore discuté des centres d'intérêt? Ah ouais? Attends. Attends. Discuter des centres d'intérêt. Dépêche-toi. Oui. Est-ce que, du coup, je peux lui poser la question? On a déjà une petite barre de cœur, d'amour. Je te plais. On va lui demander si on lui plaît. Est-ce que je te plais? Tu me plais trop, il a dit. Tu joues avec les cycles de menstruation. Je les ai enlevés. Alors, ils s'affichent quand même, mais je les ai enlevés parce que je trouvais que c'était relativement contraignant. Donc, je les ai virés. Elle a des mini-pieds. Ouais, c'est fait exprès. Ok, tu me plais trop. Donc, elle est mordue de Salim. Genre, elle le kiffe de fou. On va lui raconter encore une histoire scandaleuse. Trop bien. Non, mais s'il nous kiffe le mec, c'est trop bien. On va lui dire je t'aime parce qu'elle est un peu folle. Je rappelle quand même que Céline, son but dans la vie, c'est de devenir une grande star internationale. Et c'est ce qu'elle essaiera de faire. C'est le genre d'amour que j'ai toujours voulu et j'espère que cela durera éternellement. Non, mais le mec. On va encore lui complimenter son apparence. On va faire des interactions drôles. Lui raconter... faire une blague à propos des poils. En même temps, je sais pas si vous voyez les poils qu'elle a, ça pourrait être très 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 cool. En mode, je me fous de la gueule de mes propres poils, tu vois. Sohan, merci pour ton follow, bienvenue. Merci sur TikTok. Ido, c'est gentil, merci beaucoup. N'hésitez pas à ne pas spam sur TikTok aussi, parce que je vois pas tout le temps, je sais, je suis désolée. Venez sur Twitch, hein, vous avez le lien en bio, c'est beaucoup mieux. Envisagez avoir un bébé avec Salim direct, je vais envisager ça, tu vois. Genre on va lui dire, écoute mec, voilà, on est mordu et tout, y a pas de problème. Est-ce que ça te dirait d'avoir un bébé avec moi? Fais voir. Ne le prends pas mal, mais je ne me sens pas prêt à être père pour le moment. Ça va, il est pas méchant. En vrai, il m'a dit genre, ne le prends pas mal et tout, ça va. Il est pas horrible. Il faut qu'on l'embrasse. On essaye, on va avoir une conversation profonde avec lui. Mais on n'a pas plaisanté? Je voulais lui raconter une blague. De fiac, viens ici. Je l'ai juste à la famille. Elle est morte de rire, elle était hystérique, je l'ai pas vue. Ah, j'ai trop mal. Oh, aïe. Ah non, 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 non. Putain. C'est quoi ce jeu de merde, là? Supplie. Non, mais elle est morte d'hystérie. La meuf, elle était hystérique. Supplie pour Céline. Par pitié. C'est trop grave. Allez, bonne soirée, c'est la fin de ce stream et de ce challenge. Bref, mais intense. C'est ça, Clarisse. Bonne soirée, hein. La bise, hein? Non mais moi, je... Elle a dit non? Bon, je vais la...
Ok, donc il n'y a rien qui va. On a commencé le challenge littéralement il y a 2 secondes et demie. On a à peine commencé à jouer. La meuf, elle était tellement emballée d'être avec un nouveau mec. Elle est morte d'hystérie. La meuf, elle a fait ciao, schlass, brech, bem. Et la faucheuse ne veut pas la ressusciter. Donc on est quand même d'accord pour dire que ce serait un peu dommage d'arrêter déjà un challenge qui n'a même pas commencé, n'est-ce pas? Crazy Gaia, merci pour ton follow, bienvenue. Ah, c'est le challenge le plus court de la terre entière que vous ayez jamais vu. Est-ce que vous avez déjà vu un challenge aussi court? Je vous le demande. Je ne crois pas. Ça n'arrive que chez Sissourine, ça. Jamais chez quelqu'un d'autre. Jamais. Pourquoi ça arriverait chez les autres? Non, que là. Ma Sims est déjà dead. Voilà, dead. Elle a des trucs dans la bouche et tout, ça, elle bave et tout, y a rien qui va. Ah, mais moi, j'ai le must du must, la crème de la crème ici. Vous êtes des VIP là avec ce qui se passe, hein. Jamais vu de challenge aussi court. Voilà, je vous avais dit, hein. Une si belle Sims. Ouais, c'est pas ouf, hein. Le challenge, il est claqué au sol. Mais c'est pas le challenge qui est claqué au sol. Non, mais je vais la ressusciter. On est bien d'accord. Enfin, on va essayer de se calmer, là, les hormones. Mais qu'est-ce qu'elle est con, cette fille? Mais elle est con aussi, hein. Pardon, mais elle est con. Allez. Non, mais j'ai bien compris, hein. Merci. Moins de 10 minutes, c'est éclaté. C'est éclataxe. C'est éclataxe au max là. Moi, ça me fait rire en vrai. Bon, on va lui redonner vie. Vous êtes bien d'accord avec moi? Salut Roro, comment tu vas? Ah, hein? On va éviter quoi. Ça va? Tu vas bien? Bon, Salim, il habite avec nous. C'est pas grave. On va sauvegarder. Mais quel enfer! Elle a vécu longtemps. Elle aura vécu très longtemps. Alors là, on est sur de la vie courte, mais courte, très intense d'ailleurs, hein. CRLZ. Je ne peux pas l'enlever, le retirer de ma famille, je le ferai après le rancard. Tu n'as vraiment pas de chance pour la Sims, elle est déjà morte. Non mais ma vie, c'est trop de la demeure. Genre vraiment, je rigole pas. Qu'est-ce qu'il y a? Fatigué. Pourquoi t'es fatigué? Ça c'est dans ta tête, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Va lui parler au petit monsieur là. Se plaindre des problèmes. On va se plaindre, on va lui dire, oh je suis morte. Elle n'est juste pas faite pour vivre, elle n'est pas faite pour vivre. Il faudrait au moins qu'elle arrive à me faire un gosse, Coucou quoi. petite perruche. Juste ça, tu Coucou vois. petite perruche. Salut Lily, comment tu vas? Il est fini le rencard. Oui, je sais, mais on s'en fout. C'est pas pour autant que je vais m'arrêter de. Qu'est-ce que t'as? Écoute, réinitie l'histoire. Voilà. Est-ce que ça va? Non. Tu es toujours fatiguée. Dans 16 minutes, c'est terminé. Je comprends. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez rentrer à la maison délabrée, là. Oh, j'ai pas mis de lumière. Faut que je mette de la lumière dans la maison. Je viens d'y penser. 700 balles, je vais pouvoir. L'urne est trop belle. L'urne des magiciens est très jolie, ouais. Je viens de lire ton let's play. Il est trop stylé, le challenge revisité. Merci! Oui, n'oubliez pas de faire le point d'exclamation let's play si vous voulez, hein, avoir les infos et tout. Très bien, et toi, Sissou, ça va? Je suis mort de rire, clairement. Non, mais moi aussi. Sauf que je ne peux pas rire autant que toi. Malheureusement. Avec ma mâchoire, ce n'est pas possible. Mais le cœur y est. Très fort. Très, très fort. Bon, rentrez à la maison, les bolosses, là. J'en ai marre. Il n'y a pas de souci, Logbrok, comment tu vas? Ah non, mais le challenge a duré une demi-heure. Clairement, j'ai fait que construire, quoi. Les prochains épisodes vont être au top, ça le sent. Ah bah là, au moins, je pense que vous avez. Littéralement, on pourrait faire une bande-annonce. Cyril, t'es où? Elle est où, Cyril? Cyril Soinel. C'est elle qui m'a fait ma bande-annonce de la maison du gaming. Est-ce qu'elle peut répondre présent? Oui. Cyril où? Je crois que je vais te demander une bande-annonce de Génération Leader avec ce qui vient de se passer, ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être très très drôle. Faut que je change ça, on n'est plus à Noël. C'est une mini bande-annonce en mode « Elle est morte, Céline Fion ». Comment tu vas, Sissou? Bien et toi, Lockbrock? Ça va, MDR Go, mais grave, ça pourrait être très drôle, tu sais. J'ai pas de commande en ce moment, je suis dispo. Vas-y, on en discutera après mon stream si tu veux. Alors, crac crac boum boum, hein, on va pas se mytho, on va rejoindre un groupe, on va créer un groupe, le groupe des Laiderons. Cyril, une petite bande-annonce. C'est elle qui a fait ma bande-annonce de la maison du gaming, ouais. Olni, comment tu vas? On va mettre ça. Le groupe des Laiderons, c'est sympa, pas vrai? On va mettre Salim dedans. Comme activité principale, nous allons bien évidemment faire crac crac, tu vois. On va aussi se battre parce que je pense que donner des coups de poing à quelqu'un et ensuite faire crac-crac avec, c'est très excitant et très sympathique. Voilà. Et être romantique un petit peu. Et si jamais elle a un peu de doute, tu vois, être un peu méchant parce que c'est dans son trait de caractère et qu'elle est un petit peu chelou. Voilà, on est bien. Comment on fait pour faire des groupes? C'est avec le pack Vivre Ensemble. Comment ta réunion? Merveilleux. Est-ce que tu peux te calmer? Se moquer de la barbe, de la moustache, l'insulter? Non, 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 non. Fais crac-crac d'abord et après c'est bon. Tu vois.
Chercher des sensations fortes, vas-y. Salut Lola, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Ah, elle dormait là, bichon. Je sais que t'es fatiguée, mais en vrai, allez chercher des sensations fortes, ça peut être cool. Cyril est très forte pour les bandes annonces et tout, grave. Il a pas voulu, il m'a jeté comme une merde. Pourquoi je me suis fait jeter comme une moins que rien et une daube avariée? Lola, merci beaucoup pour ton 16e mois d'abonnement, c'est très gentil. Merci, merci beaucoup. C'est adorable, je vais bien, merci. Je me remets doucement de mon operation. Elle est très en colère. Non, mais elle est vénère de ouf, hein. Oui, elle est géniale, la bande-annonce de Cyril. Celle de sa chaîne aussi, ouais. Re, Neila, comment vas-tu? Bon, je vais dire je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma. Ok. Amour, gloire et beauté, pourquoi? C'est agréable de savoir que quelqu'un... Mais pourquoi t'es mal à l'aise? Buisson répugnant. Ben, qui t'a dit d'aller dessus? Épuisé. Écoute, je suis désolée, mais tu ne m'intéresses pas plus que ça. Ah, le bâtard! Moi aussi, je t'aime, Sissou. Merci, Kimi. On s'aime tous. Le bâtard, un peu. Ok, bon, les gars, c'est la merde. Littéralement, c'est la merde. Est-ce qu'elle peut monter ici pour aller dormir dans son lit ou pas? Dors là. Vas-y. Tu peux ou pas? Ah, on peut pas monter. Alors, pour quelle raison on ne peut pas monter? J'essaye juste de voir. Est-ce que tu peux aller... Elle aime le fitness, ok. Parce qu'il est là. Mais dégage! Ah, mais c'est pour ça. Moi, je me disais, ça peut pas monter, j'ai fait une bêtise. Non. C'est parce qu'en fait, tu es à ma place. Dégage, Salim, s'il te plaît. Elle ne nous mérite pas. On t'aime aussi, si vous êtes chou. Coucou, Madame Pingouin, ça va et toi? Allez, on dort. Toi, du coup... franchement... Tu vas aller faire une sieste avec Paresse, comme ça on sera en une bonne vitesse. Et au moins, elle va augmenter ses besoins rapidement. Du coup, son aspiration, c'est une célébrité de renommée mondiale. Donc il va falloir qu'on s'occupe de ça. Devenir une célébrité 2 étoiles, acheter un avantage de notoriété. Ça pourrait être cool. Et c'est une sorcière, je le rappelle. Mais c'est où? C'est là. Donc il faudrait qu'on ait des points d'avantage, de jeteurs de sorts, etc., etc. Pourquoi tu dors pas? Si, si, dors, allez. Je suis pas loin de chez toi. Tu veux que je passe te faire un coucou? Non, je sais pas quitter. Non, on va pas fertiliser, il faut que t'ailles te coucher. T'as pas loupé grand chose, t'inquiète, Gabriel. Elle veut pas avec Céline. Il veut pas avec Céline. Non, il veut pas. Il est très insupportable, debout. Est-ce que vous pouvez faire craquer? Non! Il va travailler, Salim. Salim, ce n'est pas l'heure du tout. Mais alors là, pas du tout de travailler. Tu n'iras pas. Tu as mis les défis terrain? Ah non, j'ai pas mis. Je vais les mettre juste après, attends. Laisse-moi juste faire crac-crac et je mets les défis de terrain. Merci de me le rappeler. Je vais jouer en même temps à mon sang bébé. Go! Regardez ça. Regardez sa petite tenue comme elle est belle avec ses poils aux jambes, ses tatouages et tout. Non mais c'est une queen. C'est la queen de fou. Merci Neila, t'es trop mignonne. Allez, dis oui! Mais dis oui! Mais pourquoi tu veux pas? Mais il m'embrouille! Pourquoi t'es un connard? Je t'aime pas, t'es un bolos. Attends, si lui, je t'aime pas, t'es un bolos. Super, personne n'aime Manu, c'est ça. Manu doit aller se faire foutre. Mais pourquoi tu dis ça enfin? T'as écrit un message qu'on n'a pas vu? Oh, quelle violence, Manu, je vais m'évanouir. C'est bon, il fallait que ce soit lui qui lui propose. Elle va faire crac crac. Crac crac, ouais. Priez, priez, priez. Imi Winehouse chez les trolls. What? Ok, crac crac. Sortez les bougies, créez une ambiance romantique. Céline et Salim font crac crac pour la première fois. Vous pouvez mettre plein d'emotes crac crac si vous le souhaitez. Tu peux remettre le trait terrain alignement cosmique. Je vais tout mettre. Je vais tout mettre, littéralement. Manu, tu me fumes, j'en peux plus. J'aime trop. Allez là, trop bien. Le premier crac crac de notre Céline Fion. N'oublie pas de sauvegarder, t'inquiète. Let's go. La crasse et tout. Je vous jure, je suis contente de ma maison, moi. Crac, 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 crac. Dans une poubelle, en plus, grave à l'image. Merveilleux. Parfait. Nous allons maintenant sauvegarder, tout de même. Voilà, pour pas oublier. Et ensuite, nous allons mettre les défis de terrain. Avant que j'oublie, elle va se pisser dessus. J'ai mis pause au moment où elle se pisse dessus. Littéralement. Alors, défis de terrain, du coup... Alors, je vais tous les mettre. Je vais juste pas mettre hors réseau. Parce que c'est chiant hors réseau, je trouve. Hors réseau, ça m'agace. Je sais pas, vous mytho. On va mettre alignement cosmique, en effet. On va prendre aura romantique. Et alors, soit on prend fantastique sol pour faire du jardinage, éventuellement. Ça pourrait être intéressant. Soit
La fée généreuse. Les Sims se trouvent souvent de l'argent à cet endroit. C'est comme s'il y avait un genre de fée secrète très généreuse à proximité. C'est pour être cool. La poubelle sans oublier le fameux placard. Oui, mais on a un buisson quand même. Je vais mettre, je pense, fée généreuse. Pourquoi pas. Et j'ai mis aura romantique si jamais... Bah justement, on a des gars qui viennent et tout, machin, et au moins on est bien. Et du coup, je n'aurai pas le droit de changer un seul trait de terrain tout le temps. Il faudra que je change... Toutes les saisons, je vais devoir changer un trait de terrain. Voilà. Ok, cool, Soussoul. Maintenant, il faudrait qu'on fasse un test de grossesse. On est d'accord qu'elle a bien fait un crac-crac non protégé. Bien évidemment. On aurait de l'argent pour s'acheter des vraies toilettes. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais me prendre des toilettes que je vais tenter de placer là où je suis censée mettre justement mes toilettes, mes trucs. Donc on va s'en mettre ici. On va mettre les toutes simples là. Voilà, des toilettes. Toutes les emotes sont payantes. En fait, c'est pas que c'est payant, c'est que tu dois t'abonner, donc te sub, pour avoir des avantages, donc plus de publicité, les emotes, tu cumules des points de chaîne plus rapidement, tu fais quoi? Tu aides le streamer, forcément, parce que tu le soutiens. Qu'est-ce que tu fais d'autre aussi? Tu as les commandes sonores, dans mon cas, moi, et t'as plein de choses, quoi. Salut, Diom Palo, bienvenue à toi. Allez, j'ai trop hâte. On va aller faire le test de grossesse, là, c'est parti. Pourquoi sur mon jeu, je ne peux plus faire crac-crac sur mes sauvegardes? Je ne sais pas, Swan. Pour une raison obscure que je ne connais pas. Je suppose que pour ce challenge, tu dois au moins avoir le pack saison. Je pense pas que vous soyez... En vrai, si vous voulez jouer pour vous, vous en fichez, faites. Hein. Regardez, elle fait son premier test de grossesse. Dites-moi qu'elle est enceinte. Et vu qu'on est en cycle court, ça veut dire qu'elle va accoucher plus vite que d'habitude. Elle va mettre 3 jours Sims pour accoucher. Elle est pas enceinte. Putain! Ok, elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte. Salim, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Salim, il faut absolument qu'on aille chercher encore des sensations fortes, s'il te plaît. Salut Sushi, comment vas-tu? T'arrives à gérer les triplés? Oula, oui, j'arrive à gérer même plus que ça. Mais avec le 100 baby challenge, j'ai été vachement entraînée. Bon, elle a pas réussi à tomber enceinte. Comment vous dire? Faites voir ses traits de caractère. Elle est méchante, froide, exigeante, ne veut pas d'enfant pour le moment, donc elle va être vénère de fou. Faible défense immunitaire, elle est idéaliste, des gens poétiques, gentils et altruistes, toujours désireux d'aider pour des bonnes causes. Les passe-temps favoris des INFP sont la poésie, l'écriture artistique, la musique, la photo, le théâtre et les arts visuels. Elle est sociable, elle est sinistre. Les Sims sinistres sont toujours prêts à faire du mal pour atteindre leurs objectifs, quelles que soient les conséquences. Et c'est une bouffonne. Les bouffonnes... vivent pour les instants de joie, d'humour et de folie. Souvent, cependant, ils sont irresponsables, perdent du temps à s'amuser au lieu de se concentrer sur leurs objectifs. Voilà, vous avez la description de Céline Fion. Salut Lydie, comment tu vas? J'espère que vous allez bien, tous ceux qui arrivent. Je m'appelle Océane. Coucou Océane. Comment j'ai eu quoi, Claire? J'ai pas compris. Des mèches. Ok, crac-crac non protégé. J'ai remarqué à chaque fois que tu faisais un challenge let's play, il y a des enfants. Les Sims ne veulent pas. T'as vu? Mais de fou hein, en plus, hein. Vraiment. Un conseil pour ce challenge, essaye d'avoir des grossesses multiples. Bah, c'est pour ça que j'ai mis alignement cosmique au cas où. Normalement, je suis une abonnée aux grossesses multiples, mais. Zoukazou, on ne sait jamais. Ah, ça vient avec le mode Wonderful Whims que j'ai présenté sur ma chaîne YouTube, si jamais tu veux aller la voir. C'est sur 8 modes réalistes, je l'avais présenté là-bas. D'ailleurs, vous avez une vidéo YouTube qui arrive demain, Sims 4, bien évidemment. Comme d'habitude, vous avez la suite de l'épisode de la petite série pour la présentation du mode accouchement qui sort demain encore. Vous avez l'épisode 2. Elle était enceinte. Mais putain! Bon, excusez-moi, j'ai crié. Pourquoi? Tu ne tombes pas enceinte! Excusez-moi. Alors, fertilité. Achetez une potion. Achète une potion, madame. Et merci, EDV. J'espère que je l'ai bien dit. L04. Merci pour ton follow, bienvenue. Elle va être stérile. Non. La tête de moi, tu ne vas pas être stérile. Promis juré. Qu'est-ce que tu fais? Discuter? Ah, mais il veut faire crac-crac avec nous encore. Vas-y. Ah non, je l'ai... Ah mais je croyais qu'il allait pas... Ok, on va rechercher des sensations fortes. Il va faire crac-crac constamment avec nous maintenant. Au début il nous jetait, maintenant il nous jette plus. Ouais, elle est en claquette chaussette léopard, vous trouvez pas ça beau? Ça pue la cimette stérile. Je ne sais pas. On va prier pour que ce soit pas le cas. De toute façon, elle a pris une potion de fertilité, ça va pouvoir éventuellement l'aider. Ou alors c'est monsieur qui est stérile, ouais. Ça peut être soit elle, soit lui. Ou alors c'est juste que bah, il faut qu'ils essayent plusieurs fois quoi.
Avec ta malédiction des triplés à chaque fois, ce serait quand même un complot. Là que tu n'en es pas, ça peut. Hein. Est-ce que tu veux jouer avec moi aussi, mais je veux jouer aux Sims Mobile. Est-ce que tu connais je connais les Sims Mobile, mais je ne pense pas que ça se joue en multijoueur. Vivement les Sims 5 d'ailleurs pour le multijoueur, ça pourrait être très très cool. Ok, crac crac. Merveilleux. Test de grossesse, bouge. Salut Lynn, ça va et toi? Imagine c'est lui, ça peut hein. Comment tu vas Doigt? Et TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch, hein, vous avez le lien en bio, je sais que je me répète parce que j'ai pas les modos qui sont présents là-bas. Mais si je vous réponds pas et tout, ne m'en voulez pas, je vois pas tout le temps le chat. Donc venez, venez là-bas, ça me ferait très plaisir de vous accueillir sur Twitch, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Elle est pas enceinte, hein. Elle a pas l'interaction pour être enceinte là. Hein. Ok. Elle n'est pas enceinte. Alors... Ça commence à être légèrement problématique. Nous allons devoir fertilité et risque de complications. Aller chez le médecin pour commencer à prendre la pilule. Alors non, acheter une potion de fertilité, on va en racheter une. Mais je l'ai pas bu. Mais les refs, je l'ai pas bu. Mais je suis bête. J'ai acheté une potion de... Non, c'est pas mort, je suis bête. J'ai acheté une potion de fertilité, je l'ai pas bu. Mais oh là là. Mais j'achète une potion de fertilité, les amis, je la bois pas. Je sais pas, genre... Enfin, je sais pas. Ah. Bah oui, bah évidemment. Enfin, il y a un moment donné, je sais pas. Tu vois, c'est peut-être que... Voilà. Mon opération s'est bien passée, Doua, merci, ouais. Et merci, Kanzusa. Merci pour ton follow, bienvenue. N'hésitez pas à me dire comment on prononce son pseudo dans le chat. Tu l'as bu ou c'est pas bon? J'ai l'impression qu'elle la boit pas. On peut t'envoyer une augmentation de besoin. Vous pouvez, bien sûr. C'est fait pour, hein. Si les points de chaîne sont dispo, c'est bon. Est-ce qu'on peut faire crac-crac? Oh, il nous repropose. Ça peut être quelque chose à voir, effectivement. Oui. Augmente les besoins. Merci. Allez, je vais augmenter les siens à elle. Lui, on s'en fout. Merci, Cindy. Pourquoi tu... Discuter avec Salim. Non, je vais faire crac-crac avec lui du coup. Coucou petite perruche. Coucou petite perruche. Salut Noémie, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Allez. Je vous jure, il est trop amoureux de nous en fait. Lurk, faut le dire. Non, t'es pas obligé. Y a aucune obligation à dire que tu vas en lurk ou pas. Hein. Tu fais ce que tu veux. T'es pas obligé. Allez, bougez. À tout moment, c'est la poubelle. Ça passe pas. La poubelle, tout ça. Elle est trop précieuse. Tu vois ce que je veux dire? Elle est trop... elle est pas à l'aise. Ok, c'est bon. Dites-moi que ça va marcher. Par pitié. Dis-moi que ça va marcher. Tout à l'heure, dans la rue, j'ai vu une perruche, j'ai pensé à toi. C'est trop chou. C'est beau, les perruches. T'en as vu une comme ça, dans la rue? Qui se baladait? J'essaierai dans le buisson après, je pense, ouais. Allez. Allez, Céline. Céline, c'est... Elle est pas enceinte. Sa grand-mère. Bon, les amis, nous avons un problème. Parce que là, typiquement, je vais regarder. Fertilité. Définir. Voilà, ça va, elle est à 26, hein, elle peut tomber enceinte, 26. Franchement, juste parce que c'est la première matriarche, j'avoue, je vais la mettre à 50, mais je pense que c'est lui qui n'est pas fertile. Je pense que c'est monsieur qui est problématique. Ouais, parce que 26, elle tombe enceinte quand même. Ah non, mais quand ça veut pas, hein. C'est pas grave, hein, de toute façon, voilà. Toi, monsieur. Attendez, je vais regarder. À tout moment, c'est lui. Et par contre, si c'est lui, je triche pas. Je dois changer. Santé intime. Demandez s'il a de quoi se protéger. Alors, non. C'est pas ça que je veux voir. Relation, fertilité. C'est lui, putain. Le mec... Il est fertile à 3. Il a fallu que je tombe sur le mec qui est fertile à 3. Casse-toi. Oh, je suis dégoûtée. En fait, c'est pas nous. Nous, 26, en vrai, je l'ai augmenté à 50, mais j'aurais pu la laisser à 26, on serait tombé enceinte. Il y a plein de perruches sur la ville dans laquelle on vit. Je sais pas si on peut le dire, vu que c'est chez toi aussi. Dans mon quartier, il y en a plein. Ah, j'en vois des sauvages chez moi aussi, ouais. Bon, bah, on va le dégager, hein. Je suis dégoûtée. Bon bah ciao hein, merci Salim. La bise à Dédé hein. Allez hein, tu lui passeras le bonjour, la bise, ciao. Bon bah on va devoir tout recommencer avec un autre mec. 3, tout prend sens, mais c'est pour ça en fait.
Voilà. Après, un challenge, c'est fait pour être difficile. Donc, je suis contente quand je galère comme ça. Merci d'avoir partagé ma vidéo sur TikTok. Vous êtes très gentils. Et on est sur les Sims 4 actuellement. Bon, bah, go, hein. Tinder. Rancard app. Yeah. Let's go, hein. Petit défi en plus. Si les potentiels papas s'avèrent stériles, tu leur fais un baiser de la mort. Ah, vous l'aimiez bien, le baiser de la mort, hein. Moi, j'avais pensé à faire un truc où j'enfermais les papas aussi à l'intérieur, là. Tu sais, je faisais un petit donjon, là. Mais après, je me dis, bon... Faut pas retrouver trop de règles que vous avez vues dans d'anciens let's play, parce que je me dis ça peut-être être redondant. Faut aussi changer un peu, tu vois. Mais on peut faire un délire où on les enferme dans un sous-sol, tu vois. Ça peut être drôle. En sous-sol, vous aimez bien cette idée? Merci Dora, t'es trop mignonne. Il y a Gunther, il y a Jacques, Sergio Romeo. Je le sens bien. Viens, on prend Sergio Romeo. Ah mais de ouf, hein. De ouf. D'ailleurs, je vais faire en sorte que ces épisodes-là là, soient sur ma chaîne principale. Figurez-vous, j'ai envie, très 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 envie, on va le faire chez moi le rancard. J'ai très envie de vous mettre en fait sous forme d'épisodes dans ma chaîne principale, les épisodes du 100 Baby Challenge. Du Génération Leader, je sais pas si ça vous dirait. Voilà, des gros boobs, ouais. Il y a un mec dans le lit, non il est parti se coucher, c'est Salim. C'est monsieur Salim. Alors, c'est qui? Bonjour, Sergio. Présentation froide. En mode best-of ou en entier? En mode série, tu vois. Enfin, série, genre épisode qui durait 15 minutes, dirons-nous. J'ai enlevé Salim, du coup, et lui, je le rajouterai dans le groupe. Sous fertilité, t'inquiète, on est bien fertile là. Il m'a fait peur, t'inquiète, n'aie pas peur. Regardez comment elle marche, elle est trop mignonne. Je la trouve choupi comme tout. Il a eu... Non, il a eu un coup de foot pour nous, hein. Je rigole pas. Il a eu littéralement un coup de foudre. Regardez, il est devenu rouge tomate. Oh bébé! Attends, quoi? Sérieux? Faut que je regarde vite, 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 vite. Sergio? Sergio a eu un coup de foudre. On dirait bien que c'est un coup de foudre. Est-ce raisonnable? Peut-être que oui. Peut-être bien que non. Peut-on y résister? Clairement pas. Le mec a eu un coup de foudre pour Céline. Céline Fion, je savais que t'étais une grande star. Tu es une grande star, tu vas dire je t'aime d'entrée de game, tu vois. On va commencer la réunion. Bah go faire crac crac direct, mec. On va prendre une pose sexy. Regardez-la, cette queen. Admirez. Non mais, s'il vous plaît, je la prends en photo. Je vais vous mettre les photos sur le Discord, n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez. Elle est si belle. J'aime trop, ok, on va discuter de notre avenir avec lui, et vu qu'il est enjôleur, je pense que ça peut le faire pour faire crac-crac. Questionner sur les goûts en matière d'attirance, on va se jeter à l'eau et l'embrasser. Elle est mordue, l'amour rend aveugle. Non mais, regardez, elle l'embrasse, elle lui embrasse le torse, j'en ai trop marre. Toi aussi tu sens cette alchimie instantanée entre nous. Mais oui, je la sens, il va te répondre ça. Chercher des sensations fortes, bah go poubelle, hein. Toi t'es pas fertile, si? Non, non. Toi, t'es pas stérile, je veux dire. Trop bien. Je suis vraiment contente de savoir que tu m'aimes, car je t'aime tellement, moi aussi. Oh. Oh. On a le droit, par contre, à une grossesse par génération, hein. Va falloir faire très attention. Céline a appris les partenaires, les critères de partenaire de crac-crac de Sergio. Il a utilisé un préservatif. Je vais le taper. Au cours de la conversation, Céline a l'impression que Sergio le trouve plutôt attirante, ce qui la pousse à se demander si c'est une bonne idée. Bah si, c'est une bonne idée. Par contre, il a utilisé un préservatif, c'est très très chiant. Ça ne me convient pas. Salut, Docteur Wu, comment tu vas? C'est un petit coureur de jupons. Peut-être. Amoureux, mais pas fou, le type. C'est ça. Coup de foudre, mais il a un peu peur d'attraper des morpions, tu vois ce que je veux dire? Atteint le niveau 2 de la compétence drague. Bah nickel. Par contre, moi je vous avoue que la contraception, ça va un petit peu me saouler, donc je vais l'enlever. Ou alors, est-ce qu'on peut pas, avec le mode, dissuader les gens d'utiliser une contraception? C'est une réelle question que je vous pose. Paramètres de grossesse, cycle menstruel, désactiver la grossesse, nanana. Non, c'est pas ça que je... Ouais, c'est ça. Utilisation automatique, non. Et prise automatique de la pilule, non. Ok, je vais mettre ça en attendant. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. De quoi? En même temps, je comprends que dans une poubelle, on sorte couvert. C'est vrai. Je pense aussi. Je crois que oui. Il me semble que oui. J'avais vu un truc passer. Hein. Arrête de l'embrouiller. Faites crac-crac d'abord. Vas-y, au cas où, là. Ils ont des moins et tout, je te jure, c'est trop. Avoir un seul enfant de lui, c'est le cadeau qu'on attendait. Il faut absolument qu'on ait ça. Et j'ai la ref de ce que tu viens d'écrire. T'inquiète. Salut, Dadouille. Bienvenue à toi dans le chat. Non, non, mais on va finir par tomber enceinte. Je vous dis, là, on est bien stérile, on est bien fertile et tout. Ça devrait bien se passer, hein.
Après, il y a la place. La place pour faire quoi? J'ai pas écouté. Enfin, j'ai pas suivi plutôt. Allez. Oula, mais c'est long en plus, hein. Pour le crac-crac. Oui, il y a la place. Il va y avoir la place dans une poubelle, bien évidemment. Allez, fais ton test de grossesse. Fais ton test de grossesse, madame. On est en train de faire le premier épisode du Génération Leader revisité. La prochaine génération doit forcément être une fille ou un gars, c'est bon. Ça peut être un gars ou une fille, peu importe. Du moment que, en fait, on est des enfants. Donc ça peut être... c'est juste qu'il faut qu'il soit le plus beau. Elle va pas tomber enceinte. Je vous jure, elle tombe pas enceinte, ce con. Oh, elle va me saouler. Imaginez, il est pas du tout fertile non plus. Je vais canner, hein. Est-ce qu'on peut aller dans le buisson, par pitié? Je peux pas aller dans le buisson, j'ai l'impression. Waouh. On va... C'est horrible. C'est horriblement difficile. Chercher des sensations fortes. Et elle veut pas tomber enceinte, hein. Imaginez, en fait, je ne tombe que sur des mecs qui sont hyper chiants. Oui, normalement, ma Sims peut avoir des enfants, ouais. Elle est fertile à 50%. Cette partie est truquée. De fou. De fou. Mais en même temps, je vous dis, c'est un challenge, hein, donc il va falloir forcer, hein. Faudrait que je mette des lampes. Rappelez-le-moi, ça faut pas que j'oublie. Ouais, ouais, non, mais c'est chiant, hein. Écoutez, on va le faire plusieurs fois d'affilée. Je vais regarder après. Je vais le faire quand même plusieurs fois d'affilée. Cherche encore des sensations fortes, voilà. Un essaim d'abeilles fonce vers Céline. Oh non, merde. Elle est maudite. Elle est maudite, non, ma pauvre. Ça va aller, ça va aller. Elle s'est faite piquer par des abeilles. Elle... Oh non, elle est dégueulasse, elle rote et tout. Mais c'est une porcasse. Attendez, mais moi je l'ai pas faite porcasse de base, hein. Elle est pas crade, hein. À mon avis, le challenge va pas te faciliter la tâche. Je pense qu'il va t'arriver plein de rebondissements. Ta Sims est déjà morte une fois, donc je me dis qu'à mon avis, cela ne va pas être facile de tomber enceinte. Ah bah c'est ça, hein. Ça va être très très difficile. Le terrain peut rendre infertile. Non. Non, en plus j'ai mis le trait alignement cosmique. Le jardin a vraiment pris un coup très très dur, je vous confirme, ouais. Attendez, mais moi j'enchaîne, hein. Plusieurs fois, s'il te plaît. Vas-y. Échec du rancard. Mais non, il n'y a pas d'échec ici. Et merci, Vriginapo, pour ton follow, bienvenue. Elle veut pas tomber enceinte dans une poubelle. Mais tu peux tomber enceinte même dans une poubelle. Mais peut-être qu'elle, elle a pas envie. Par contre, je comprends pas pourquoi elle pourrait pas aller dans le buisson faire crac-crac. Peut-être que, je sais pas, de plus en plus de déchets au sol, on adore. Bah ouais, hein. Regardez ça. C'est une immondice. Ce terrain est immonde. Ok, crac-crac non protégé. Là, on en a fait plein, 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 plein. Ok, rentrons. Ouah, mais il fait trop sombre. Attendez, je vais mettre des lumières, on ne voit rien. Vous avez vu comme le terrain est noir. Je vais mettre des lampes, c'est horrible sinon. Hop, petit éclairage. C'est ouf. On va mettre les plafonniers. Je vais en mettre quelques-uns parce que j'avoue que là... Et pourquoi on n'y voit rien là, les refs? Un là... Et c'est tout, hein, on a plus de thunes. On peut m'allumer les lumières ou j'ai pas le droit d'allumer tous les éclairages? Pourquoi ils s'allument pas? Me dites pas que j'ai déjà des factures à payer. Mais n'importe quoi. J'ai pas de facture à payer. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je ne peux pas allumer la lumière? Les gars? Pourquoi? Les pièces sont pas fermées, ça marche pas? Tu te fiches de moi? Genre, tu peux pas... Si les pièces sont pas fermées, tu peux pas avoir de lumière. Ok. Nice. C'est nul. Voilà, je suis pas contente. Ah, est-ce que ça, ça marcherait, du coup? Un truc comme ça, là. Non? Bah, des bougies, quoi. Ah non, mais c'est nul. Bah, je vais mettre des bougies, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors des trucs d'extérieur. Ça, ça marchera pas? Je vais mettre des lampes. Des... Ça là, c'est truc d'extérieur, non? Mais si, je pense que tu peux, on peut mettre des lampes dehors. Bah oui, il me semblait bien. Quelle est cette logique illogique? Bah, je te jure. On peut pas... On peut pas. J'allais me faire voir, quoi. Genre, si j'en mets là, là. T'es pas hors réseau, t'as payé les factures. Je suis en... Je suis pas en hors réseau, je suis en vie simple. Justement, hors réseau, je l'ai pas mis. Je voulais pas. Bah non, c'est pas cool. Mais bien sûr que non, c'est pas cool. Genre... Bah après, on va mettre des bougies, hein. Écoutez, on va être à la bougie, voilà. Elle coûte combien, cette bougie? 50 balles, hein.
Ah, Lily, tu veux un conseil à 2 francs 6 sous? Non, mais c'est nul. Je t'écoute, quelle est ta question? Attendez, je fais de la merde. Si je mets ça là, je veux juste tester, ça s'allume ou pas? Allume, cette pièce. Mais ça allume pas? C'est une blague. Regarde les plans d'action de la ville. Vous rigolez, là. Achète une cheminée et mets le feu. J'ai une cheminée en bas. J'ai une cheminée, mais justement, le but était de ne pas mettre trop d'argent, quoi. Écoutez, moi, je suis... Je vais mettre des lampes comme ça. Je vais mettre, après, allumer tous les éclairages. Comme ça. Là, tu es censé pouvoir mettre des petits trucs à l'extérieur. Genre comme ça, tu vois. Au moins, j'ai déjà plus de thunes. Y'a pas de soucis. Y'a pas de problème. Je vais voir, je vais mettre allumer tous les éclairages. Ça ne s'allume pas. Ça ne s'allume pas. Éclairage automatique. Non, allumer toutes les bougies. Ça ne s'allume pas. C'est un bug, vous croyez? Peut-être que c'est dans le plan d'action de la ville, faudra que je regarde. C'est très bizarre. C'est trop bizarre parce que normalement, tu peux avoir... Elle va être enceinte, elle va être enceinte! C'est maintenant? Vous pouvez spammer toutes les emotes de bébé. Allez-y, faites-vous plaisir. Oh purée. Sauvegarde. Je sauvegarde direct. Oui, elle est enceinte. Vous savez combien de temps dure une grossesse quand on est en vie courte ou pas? Alors je suis actuellement en 3e au collège et j'ai peur d'y retourner car... Attends. Car la dernière fois je me suis fait insulter et tabasser. J'ai peur de le dire à mon père, donc tu me conseilles quoi? Alors là c'est un vrai conseil que tu me demandes. Moi je te conseille fortement d'en parler à quelqu'un, que ce soit à tes parents ou à des amis ou à un conseiller d'orientation, pour pouvoir être accompagné au mieux, parce que ce n'est pas normal de se faire harceler à l'école. Dans tous les cas, n'importe quelle forme de harcèlement, donc il faut absolument que tu en parles. N'aie pas honte de ce qui t'arrive, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont malheureusement, qui subissent en fait ce genre de malheur horrible, surtout au lycée et au collège, donc vraiment prends soin de toi, n'aie pas peur, tu es victime de ce qui t'arrive, tu n'y es pour rien, donc parle-en, ça te fera le plus grand bien et tu vas pouvoir t'en sortir et je te souhaite que du courage. Ok, on est enceinte, c'est super, sincèrement je suis enfin contente, on a 23 simflouz, le mec il est parti ou pas? Je sais pas où il est, je crois pas qu'il soit parti. Centrez la caméra. Je vais lui demander s'il a de l'argent pour nous. Non mais regardez le mec où il est et tout. Par contre, ouais, je comprends pas trop ces histoires de lumière. Je vais pas vous mytho. Je ne comprends pas. Je sais pas. J'aimerais bien qu'il me donne de l'argent. Je vais lui demander s'il a pas un peu d'argent pour moi. Je vais lui dire ça. T'as un peu d'argent pour moi, voilà. Tous les gens qui subissent du harcèlement, n'hésitez pas à en parler à un adulte de confiance, que ce soit un adulte ou un autre. On est là pour vous protéger et gérer ça. Pour vous, exactement. Un jour par trimestre pour la durée de la grossesse. Donc ce sera 3 jours. Donc même en cours, c'est pareil. Ça change pas au final. C'est sous pour l'électricité. Regarde tes plans d'action de la ville. Ouais, je vais regarder juste après. Ouh, il m'a donné 200 balles. Vas-y, je vais regarder mes plans d'action de quartier. C'est où? Consultez les plans d'action du quartier. Et donc, c'est quoi? Plan d'action de quartier. Aucun plan d'action de quartier n'a encore été remis en place. Et il n'y a pas de vote. Vous voyez, donc il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de raison apparente qui font que... voyez, ça ne marche pas. Je ne comprends pas trop ce bug d'électricité. Est-ce que c'est pas parce que tu as le défi hanté? Normalement, non. Ça ne devrait rien changer, non. Non. Le temps d'une grossesse est toujours de 3 jours, peu importe l'espérance de vie des Sims. Ah, merci l'anime, là. Non, 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 je sais pas, hein. Bon appétit, Cyril, des bisous. Je sais pas trop, hein. Est-ce que on mettrait pas des grands... Mais j'ai pas, hein, j'ai pas de... Genre, si par exemple, je mets ça là, et ça là, juste je tente, hein, mais... Genre, allume tous les éclairages. Ça ne marche pas. Vous croyez qu'il y a une raison? C'est trop étrange. C'est la première fois que ça m'arrive en plus. Ok. On est enceinte de toi, monsieur. Première grossesse. Parfait.
Bon, du coup, on pourrait se faire une prédiction, garçon ou fille, si vous voulez. Est-ce que vous voulez une petite raid? Oh, merci beaucoup, Gwen, pour ton raid. Est-ce que je pourrais avoir un SO, s'il vous plaît, pour Madame Gwen? Comment tu vas? Merci beaucoup pour ton raid. Bienvenue à tous les raiders. Merci. J'espère que vous allez bien. Et merci Lila pour le follow. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Comment tu vas, ma petite Cohen? J'espère que tu vas bien, ma beauté. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien en tout cas. Je me présente, si jamais il y a des personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sissourine. Je suis une stream Sims. Je reprends les lives 3 jours après mon opération des dents de sagesse. C'est pour ça que j'ai le visage peut-être, ça se voit pas, mais un peu gonflé tout ça. Et on est sur le Génération Leader revisité aujourd'hui. Et merci Lo pour ton follow, bienvenue. Attendez, bah, je vais faire le saut moi-même. En plus, attendez, normalement, on peut voir les clips des gens maintenant avec le saut. J'ai essayé de bidouiller un truc bizarre. Normalement, ça devrait marcher. Attendez. Est-ce que ça marche? Ah ouais, ça marche. C'est qui? Bon, on n'entend rien. Roula avec toi. C'est Taiko. On entend pas. Y'a pas le son du clip. Je vais me faire foutre. Voilà. Vis ma vie. Ma vie de merde. Pourquoi y'avait pas de son? Marie, merci pour ton follow. Et Cam Cam aussi. Hello, merci beaucoup pour vos follow. Pourquoi ça marche pas? Attends, Quen, je vais te spammer. Ça marchait la dernière fois. J'essaie de bidouiller un truc. Attendez. Et merci pour les follow. Ah non, y'a pas de panneau. Tu parles dans tes clips ou c'est moi? Sinon, en attendant, je continue si la chasse. Hein. Nous, mais oh my god, j'avais 10 ans. Non, j'entends pas. Vous entendez, vous? Ah, vous entendez? Ah, c'est moi qui entends pas. J'ai pas le droit au bonheur. Bah, je vais me faire voir. Mais pourquoi c'est des clips random? J'en sais rien. Ah là, par contre, je sais pas. Merci Ruby Noir pour ton follow. Merci Roman également pour le follow. Et merci Marie. Vous entendez? Ouais, bah moi, j'allais me faire. Mais moi, j'allais me faire voir parce que j'ai pas le droit au bonheur. Voilà, je sais pas. Mais bah, en fait, je cherchais un truc pour mettre des clips bien. J'ai trouvé un truc à la con sur internet et je sais pas si c'est le bon. D'habitude, c'est le clip le plus vu de la chaîne MDR. Mais parce que moi, je crois que j'ai pas pris le truc de tout le monde, Cohen. Je me suis retrouvée à faire un truc de mon côté toute seule et tout là. Et j'ai trouvé ça sur une vidéo YouTube, je sais pas d'où, sortie des enfers, je crois. Mais si jamais t'as le tips, je veux bien. C'est même pas via Wisebot hein, que je le fais. C'est bien aussi en vrai. Non, mais ouais, en vrai, c'est bien, mais je sais pas. S'il est éclaté au sol, dites-moi. Hein. Alexandre, merci pour ton follow également, bienvenue, vous êtes trop gentil, j'espère que vous allez bien en tout cas. Tu faisais quoi sur les Sims du coup? Tu as fait des maisons, jeux de base? Non, pas vraiment, dadouille, je suis pas très construction. Par contre, je vous ai partagé ma ruine aujourd'hui pour le Génération Leader, elle est disponible sur ma galerie si jamais vous voulez aller la télécharger pour la relooker de votre côté. Et vous avez aussi un nouveau challenge construction si jamais vous voulez vous inspirer, vous amuser dessus. Moi, je le fais depuis Pixel Chat, c'est cool aussi. J'ai essayé, j'ai rien compris, Quen. J'ai essayé, je n'ai rien compris. Qu'est-ce qu'elle a? Des chauves-souris sont en train de l'attaquer. Oh non, mon dieu. J'ai essayé, j'ai rien compris. J'ai essayé de trouver des tutos, j'ai pas réussi. C'est dans quel monde là, Sissou? C'est monde magique. Je suis dans monde magique. Mais voilà, bon, si vous avez entendu. Ouais, mais c'est des clips random. Bah, c'est marrant, écoutez. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Quen. Je pense que vous avez compris. Avec tous les SO que vous avez eu normalement. N'hésitez pas à aller la voir. Salim, il m'appelle. J'ai entendu mon patron dire que je pourrais peut-être obtenir une promotion. Tu crois que j'en suis capable? Mais oui, essaye. Ah non, on est une mauvaise. On n'aurait pas dû lui dire oui, essaye. Pas du tout. Elle est maudite, cette Sims. En même temps, avec les défis de terrain, c'est trop chelou, tu vois. Alors, tout va bien. On a 136 Simflouz. On n'a pas du tout de quoi... Oh putain. Sergio Romeo veut passer au niveau supérieur. Est-ce que Céline acceptera d'être sa petite amie? Les gars, je rigole pas. Les gars, on lui dit quoi? Oh my god, what? Je lui attendais pas, on lui dit quoi? On a le droit d'être en couple, de toute façon c'est plus un baby change, faut que je me dématrixe de ça. Ouais, on se met en couple? Elle veut que dormir, c'est sous, ne veut pas, interdit, jamais. Et? Coucou, tu peux faire un tuto sur le Wicked Wims, le mode? Alors le MC Command Center c'est déjà fait sur ma chaîne YouTube Sarah, et le Wicked Wims non parce que je ne l'utilise pas. Elle est passée sous une échelle pour avoir autant de malchance. Je vous jure. On est censé être méchante. Oui. Mais bon. Ah, vous avez une prédiction d'ailleurs qui a commencé, les amis. N'hésitez pas, du coup, à prédire. Vu qu'elle est enceinte. Et Inch'Allah, elle arrive jusqu'au bout. Hein. On lui dit oui. J'ai l'impression que vous êtes grave à fond. Il est ouf, lui. Il est fou. Vraiment, pas toutes les frites dans le même sachet. Pas toutes les frites dans le même sachet, c'est quoi ça? Moi, je lui dis bien sûr. Hein. Voilà, hein, elle est en couple. Merci pour les encouragements. Sergio vient de devenir le petit ami de Céline. Ah oui, non, mais il est... Oula, oula, c'est un petit peu... Ah, il pouvait pas attendre, en fait. D'accord. Ok, donc on est en couple. Merci. Je vais t'annoncer ma grossesse, du coup. Attends, il faut que je te montre que je suis enceinte. Ah, bah venez, allez ici.
Va là, parce que t'as pas la place apparemment. J'aimerais bien te montrer ouais, que je suis enceinte de toi, quoi. Amical. Non, c'est dans Amour. Annoncer la grossesse. Regardez-la avec ses petits bras, elle va lui montrer son test de grossesse et tout. C'est trop mignon. Ce mode est trop trop chou. Alors ? Et merci Marie pour ton follow, bienvenue. Salut Evie, comment tu vas ? Elle est archi swag. Elle est belle, hein ? Elle s'appelle Céline Fion. Si jamais, voilà, sachez que ma cimette s'appelle Céline Fion. Voilà, c'est le nom de notre matriarche du Génération Leader, on a kiffé. Il est pas content, il le vit pas très bien apparemment. Oupsie. Amour, gloire et mocheté, c'est ça. Je te jure, c'est ça. Par contre, on a faim. T'habites pas quelque part, toi, mec ? Je crois qu'il est pas content. Non, il est pas content, mais vu qu'on a rien à manger, tout ça... Ah, mais attendez, j'ai plein de déchets. Mais parfait, elle va aller jeter ça à la poubelle, on va essayer de se trouver à manger dans la poubelle qui est ici. Après, n'oubliez pas qu'avec le défi terrain, on est sur un trait de terrain répugnant. Du coup, c'est dégueulasse. C'est normal que j'ai des pubs sur Twitch. Oui, parce que quand tu n'es pas sub, tu as des pubs qui se mettent automatiquement et c'est Twitch qui décide, en fait. Ce n'est pas moi qui te mets les pubs, là. C'est immonde. Bon, on va chercher des repas. Ça dégoûte. Chercher des trouvailles aussi. Et voilà, ce sera déjà bien. Ça, est-ce que tu peux... On peut composter. On n'a pas un truc pour composter dans écologie. Coucou petite perruche. On peut pas faire ça. Elle a trouvé quoi? Du tacos au poisson. Berk, ça me dégoûte. Salut Pikachu. Et coucou Marie, comment vas-tu? Alors t'as trouvé quoi là? Oh my godness. Mais c'est pas de la bouffe là qu'elle a trouvé, c'est... Oula. C'est pas du tout... Ça ne va pas. Messieurs, dames, y a rien qui va. Non mais regardez, elle a tout mis dans son inventaire en fait. Non mais... Regardez. Mais c'est horrible. Mais c'est immonde. Vas-y, mets ça dans la poubelle. Ça aussi. Ça aussi encore. Ok, cherche des repas. Elle est en train de manger quand même, hein. Ça va, et toi, ton opération s'est bien passée? Ouais, mon opération s'est bien passée. Ça va. Rien que le mot tacos. Ah, moi, j'aime pas les tacos, j'avoue, en plus. Cherche des repas pour manger encore. Hein, toujours pareil, hein, toujours la même rengaine, quoi. On va pas se mentir. Ah, bien, mange ton tacos au poisson. Il est dans quel état? Médiocre, tu m'étonnes. Ah, on a trouvé des grenouilles Phasme dans la benne à ordures. Ah, ça, c'est bien, ça. On va le revendre. Je vais pas les collectionner. Je dois collectionner des fossiles, par contre. Faut que je me balade un peu. Ça va aller ici, encore une fois. Est-ce que... Comment on fait pour composter, en fait? Coucou, Imanou, comment tu vas? Je sais pas... En fait, vous voyez tout ça, là? J'ai jamais trop utilisé avec le pack écologie. Du coup, je sais pas comment on fait. Merci, Cora, pour le follow. Bienvenue à toi. Il y en a qui aiment les paninis. C'est bon, les paninis. J'aime bien, hein, par contre. Il nous fait un câlin et tout, il est trop mignon. Vrai que je vais pas lui dire d'habiter avec moi tout de suite, j'ai envie d'habiter seule pour l'instant. Faut que je rentre nourrir ma plante vache, je te dis à plus tard. Bah à plus dans le bus. Hein. Miss Pink, merci pour ton follow, bienvenue, c'est bien crasseux, en effet. Elle ne risque pas de fausse couche avec la saleté et les repas de la poubelle. Je ne pense pas. Je ne pense pas et je ne l'espère pas. Comment on fait pour participer à un stand gaming? Tu fais point d'exclamation, concours tout simplement. Quelle magnifique découverte, j'adore ta personnalité et ton travail. Merci pour la super soirée passée avec toi et ta communauté très bienveillante. Merci Camille et merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Ton message est très gentil. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre plein de subs comme d'habitude dans le chat. Panini, jambon cru, roquette et mozza, le paradis. Ah mais j'aime trop moi aussi. J'aime beaucoup la roquette et tout. Dans genre les pizzas et tout. Là si je pouvais je mangerais une pizza mais je ne peux pas malheureusement. Et merci Takumi146 pour le follow. Bienvenue à toi. Oh non mais j'arrête pas de me faire attaquer par des abeilles, c'est trop. Non. Fais attention à toi. Ok, ça va. Je suis pas trop mal. Du coup, ouais, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui peuvent m'expliquer un petit peu comment marche le recyclage et le compostage avec le pack écologie, s'il vous plaît? Parce que c'est vrai que je n'ai jamais trop exploité ce côté-là du let's play. J'ai pas trop joué avec écologie aussi, on va pas se mytho. Donc, n'hésitez pas à me dire, je sais pas du tout comment ça marche. Panini, bah oui, j'ai dit quoi? Ah oui, parce que t'as dit panification, what the fuck, Letty. Lila, merci pour ton follow, bienvenue. J'ai envie de panification. Alors quel est ce mot du coup madame? C'est payant de s'abonner sur Twitch. Alors de suivre, non, tu appuies sur le petit cœur tout simplement pour me suivre. Et du coup c'est gratuit, tu appuies juste sur le cœur. Et s'abonner par contre, bah après tu auras un bouton qui va écrire s'abonner. Et là ce sera payant. C'est mon correcteur, il est chaud ton correcteur là. Il y a les poubelles d'escapade enneigée aussi qui font recyclage. D'accord. Mais du coup il faut faire quoi? La plante vache, c'est avec quel pack? Jeu de base il me semble. Oula, on va déraciner toutes les plantes là, c'est dramatique, hein. Je vous jure. En plus, je n'y vois rien. C'est horrible. Tu vas chercher des trouvailles.
Je sais pas pourquoi, du coup, mes lumières... Ah, ça, elles ont marché ici. Ça y est, ça a marché, regardez. Ah, ça marche. Pourquoi ça marchait pas tout à l'heure, du coup? Je vais essayer de remettre encore des petits lampadaires. On a des lampadaires stylés ou pas qui pourraient marcher, vous pensez? Ou pas du tout? Je vais mettre ça partout, hein. J'ai pas le choix, de toute façon. Je vais mettre un là. Voilà, enfin, on y voit plus clair. Un ici. Pas trop de thunes, hein. On va en mettre un sous l'escalier. Enfin! Je crois que c'était un bug tout à l'heure. Genre, faut pas trop chercher, tu vois. Et j'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. Mais on va y voir un peu mieux, peut-être. J'espère. C'est un peu mieux, déjà. Pas ouf. Sûrement un bug. Jeu de base avec 10 en compétences jardinasses. 10 en compétences jardinasses pour la plante vache. Et tu peux la pêcher, sinon. Directement, cherche des trouvailles. Et on va chercher plusieurs trouvailles pour revendre et avoir de l'argent, du coup. EDF a fini sa grève, je te dis. C'est clairement ça. Bah, au moins, on a un petit peu de lumière, ouais. Parce que c'est vrai que jouer dans le noir, c'est pas forcément la seule chose que je préfère. Ouais, je suis sur Twitch, Aurel, exactement. Tu as le lien dans ma bio si tu veux venir là-bas. Directement. Non, il faut juste que tu crées un compte, je crois. Oui, il faut juste créer un compte. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous connecter avec votre compte Amazon Prime directement. Elle est enragée, stop! Elle est enragée, je vais aller la faire, ouais. Faut qu'elle dorme, sinon elle va mourir. Ça va pas le faire. Et du coup, vu que vous avez le lien dans la bio et tout, vous créez votre compte, vous suivez, c'est gratuit, vous appuyez sur le petit cœur, et c'est fini. Quelque chose... Ok, d'accord. Pas de problème. Pas de problème. Oula, Zouk Machine pas content. Il y a un tremblement de terre! Faut éviter de spammer, les amis, dans le chat, s'il vous plaît. Faites attention à ça. Parce que c'est vrai que quand vous envoyez plusieurs fois le message, même si je le lis pas, faites attention à pas trop rendre le chat illisible avec plusieurs messages, les mêmes surtout, qui sont postés plusieurs fois, s'il vous plaît. Désolé les modos, mais c'est la deuxième fois que mon message est supprimé. Désolé. C'est pas grave. En fait, faut juste faire attention à pas poster le même message plusieurs fois d'affilée, parce que ça peut être gênant, en fait, pour moi ou pour vous, les gens qui regardent, en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement. Je reviens pile pour l'après-dit. Ouais, l'après-dit, elle est toujours en cours. Ah, on est au deuxième trimestre? Mais pas du tout. Déjà? On est au troisième trimestre dans 24 heures. Mais c'est passé hyper vite. Hyper, super vite. Nanana, ok. Bah, tu peux pas y aller? C'est toi qui as fait la maison. Ouais, elle est partagée dans ma galerie, là. Ok, cool. Ah non, mais on a eu des météorites et tout. Oh, il se passe que des trucs horribles. Les besoins, ils sont catastrophiques. Est-ce que tu peux aller me chercher, du coup, des trouvailles encore? Waouh, mais c'est immonde. Regardez ça, je vais les vendre. Hein. Je sais pas vous, Mito, je crois que... Mais ça se vend? Oh oui, cool! Mais écoutez, j'avoue que je vais un petit peu nettoyer. Voilà. Ces plantes-là me gênent. Elles sont infâmes. Donc on va commencer par les vendre. Ça, ça peut être sympa. Même si c'est 5 simflouz, je les prends. Là... Voilà, pas trop mal, tu vois. Ok, nice. Merci Amy, bon appétit. Ouais, c'est normal que ce soit en travaux, ouais. Vous pouvez faire le point d'exclamation let's play si vous voulez les règles du challenge revisité, hein. Ok, bien, cette poubelle-là, elle reste. Et ce sera bien. Recaminouille. Ok, nous allons chercher des trouvailles, on a dit. Allez, et puis tu commences à avoir faim. Il y a pas de petites économies, c'est sûr. On est quand même à 100 simflouz, on est content. Il va falloir qu'on aille s'occuper aussi des géodes. Il faut que je fasse absolument ces histoires de fossiles. J'aimerais bien que aussi on s'occupe un peu de notre compétence magie. Merci Estelle pour le follow, bienvenue. Je pense que tu vas avoir des jumeaux vu le trait d'alignement cosmique. Pourquoi pas? Ça pourrait être cool, hein? Ça pourrait être cool. Ok, bien. Est-ce que tu as trouvé un truc à manger? Engosé créature, on a trouvé deux simflouz. Je suis actuellement en train de créer une simette pour le génération leader et elle est monstrueuse, vraiment. Tu nous enverras la photo dans le Discord. Essaye de faire partir les cafards. Oh non, il y a des cafards, ça dégoûte. Je ne peux plus me passer de toi, Céline, mais tu le savais déjà, pas vrai? Oh, il est trop amoureux, oui, je vais dire ça. Il est vraiment amoureux de nous, en fait. Il est carrément love. Il a raison. Moi, je suis très contente. Il a raison d'être amoureux d'une queen comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut se dire la vérité, quoi. Cherche juste... Essaye de faire partir les mouches et tout. Ça débecte. Essaye de faire partir les mouches. Oh non, quel enfer. Elle va me faire une fausse couche. Si on continue sur ce rythme-là, je vous promets. Oh non. Oh non, il faut qu'on répare.
Les gremlins. Les cafards, c'est dégueulasse. C'est ma phobie, les cafards. Hein. Je déteste ça. Oh mon dieu, la bombe. T'as vu comme c'est une bombe, Louisette. C'est dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. J'étais pas là pendant un moment, mais du coup, le papa... non, c'est pas Salim, du coup, c'est Sergio, et on est en couple avec lui, d'ailleurs. C'est dégoûtant, c'est grave dégoûtant. Perso, le premier objet à acheter, c'est la poubelle broyeuse pour dire de gagner des sous très vite. Perso, je me fais un challenge seulement. Ah non, mais tu parles de la poubelle à moulin. Je l'ai à chaque fois, mais elle coûte quand même 1200 de base. Elle coûte quand même un peu cher, je trouve. Ok. Ah, il y avait quelqu'un de célèbre, apparemment, dans un bar. Mais bon, on va pas y aller parce que j'ai pas que ça à faire. Pourquoi tu fais pas vivre avec elle? Parce que j'ai envie de vivre seule pour l'instant. Elle aime pas le bricolage. D'accord, tu n'aimes rien. C'est donc ça. C'est donc ça, ma vie, que tu n'aimes rien. Vas-y, hein, c'est pas grave. Les sorts et tout, faudrait peut-être qu'on commence à pratiquer un peu la magie. Je vais l'inviter à venir sur le terrain. Je vais dire de venir, il va me donner un peu d'argent. Répare ça, parce que sinon on pourra pas trop aller aux toilettes à part si on va dans le buisson. Il faut vraiment qu'elle mange, c'est très inquiétant. Est-ce qu'avec 100 simflous je vais pouvoir m'acheter un frigo? Je pense pas, hein. Le tournevis dans le vide, je te jure. Non mais arrête tes bêtises. Attends. Merci d'être venu aussi vite que la lumière, d'ailleurs. Tu as un peu d'argent pour moi. Est-ce que tu peux m'en prêter, s'il te plaît? J'en ai vachement besoin. Comme tu vois, je suis en galère, là. C'est vrai que c'est presque comme si quelqu'un possédait... Contrôler la vie de Céline, finira-t-elle par réaliser ses rêves? Tu vas aller réaliser tes rêves, calme-toi. Re à ceux qui reviennent. J'espère que ça va depuis tout à l'heure. Vas-y, bouge. On est en train de... pièce d'amélioration commune. Cool. Il nous a donné... Oh, 460 balles. Trop bien. Trop, trop bien. On est déjà en train de faire pipi. J'ai l'impression quand même que ça va vite, hein, la grossesse, regardez. On est enceinte du troisième trimestre dans 18 heures. Ou alors c'est que je suis pas habituée. Est-ce que je peux du coup aller chercher à manger dans ma poubelle? Chercher des repas, vas-y. Une vraie bricoleuse, Céline Fion. Mais grave, mais surtout qu'elle aime pas ça. Je suis contente qu'on ait pu discuter au téléphone. C'est quoi ses connaissances à elle? Elle connaît que des mecs. Genre, et quelques sorciers, mais pas grand monde non plus. J'aime pas, ils ont tous peur de pas réaliser leurs rêves de fou. Ça, c'est très chiant. Salim, il arrête pas de m'appeler, il me harcèle ce mec. Je n'en peux plus. Mais tout est cassé dans cette baraque, c'est normal, c'est les défis de terrain. Céline a trouvé ceci, super fruit, dans la benne à ordures. Consultez l'inventaire. Super fruit? On peut le planter? C'est quoi? Un super fruit? Je connais pas du tout. Le sac à dos est trop trop beau. En vie courte, ça veut dire qu'elle vit à peu près combien de temps en IRL? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Mange des racines là, c'est quoi ça? Cherche encore des repas. Je sais pas ce que c'est que le super fruit, j'ai un doute. J'aimerais bien le planter en fait. T'as trouvé quoi? Ah, elle a trouvé une soupe de tomates. Salut, Faunus, comment tu vas? Et merci pour ton follow, bienvenue. Il s'est passé quoi depuis? On est enceinte actuellement. Vous avez encore la prédiction qui est en cours si vous voulez participer pour tenter de gagner des points de chaîne. Je crois que Vicon, c'est une semaine Sims par tranche d'âge, non. Je ne sais pas. Peut-être que Google nous le dira. T'as mangé? Ça va mieux? Bien. J'ai toujours pas fini mes devoirs. T'as le temps. Enfin, j'espère pour toi que tu as le temps. Ok, cool. On va chercher encore des trouvailles. Non, on va pas chercher des trouvailles. On va plutôt ouvrir les géodes qui sont tombées ici. Les espèces de météorites, là. J'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Regardez là, elle est en train de tout casser avec son assiette dans la main. T'as entendu ça? Je crois que mon téléphone qui vient de sonner, sûrement un truc important, je reviens, je vais écouter le répondeur. Il n'y a pas de problème. Et on a trouvé une émeraude. Ok, donc ça va pas du tout dans notre collection de fossiles par contre. Mais nous pouvons la vendre. Ça on peut vendre, les pièces d'amélioration également. Ça là, je sais pas du tout ce qu'on peut en faire, ce fruit. Super fruit, c'est trop bien, j'espère que tu en feras un let's play, ça pourrait être bien. Mais je sais pas du tout à quoi ça sert moi ça. Genre là... Planter, vas-y, plante. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, écoutez, je vais découvrir. Voilà, je vais découvrir avec vous ce que c'est que le super fruit. Arrose-le. Comment il peut y avoir autant de trucs dans cette poubelle alors qu'elle vit seule? C'est le secret. On ne sait pas. Ok, bien, laisse ça là et puis on verra si on va avoir beaucoup de trucs ou si ça va nous rapporter de l'argent et tout. Au niveau du divertissement, elle essaye de se divertir comme elle peut, la pauvre, je vous jure. Faudra en planter 20, etc. Ah, d'accord. Je vais bouger de terrain. Je vais commencer à décorer un petit peu
décorer. À trouver mes fossiles, donc il faudrait que je me balade un peu dans des maps et tout ça, pour trouver des pierres. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est aller à Willow Creek, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Et on va aller se rendre dans le Magnolia Blossom. J'espère que je vais en trouver là-bas. Je crois que le super fruit sert à devenir un VG Sims. Alors non, normalement, pour devenir un VG Sims, c'est pas comme ça, pour l'avoir fait. À part si c'est pour créer un arbre, ouais. Je savais pas qu'on pouvait sauter dans l'eau. Tu m'as appris quelque chose. Ouais, on peut sauter dans l'eau. Alors, bonjour, bienvenue. Mais qu'est-ce qu'il a à m'appeler tout le temps? C'est agréable de t'entendre, Céline. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Jessminder. Oui, vas-y, lance-toi, fais-toi plaisir. Fais ce que tu veux. Alors, j'ai des trucs à creuser ici, normalement, ou pas. Merci, Kenza, pour ton follow. Bienvenue à toi. Y a rien. C'est un fail, c'est donc ça. Allez ici, jouer sous la pluie, super. Y a rien, y a que des endroits pour pêcher ici, c'est ça que vous êtes en train de me dire. J'ai même pas de cailloux. On s'attache au personnage, mais oui ça va. Je pense qu'on pourra dire qu'elle va devenir un personnage emblématique de la chaîne. Parce qu'elle est trop belle, elle est trop iconique en fait. Y a rien. Mais pourquoi je suis venue dans un endroit où y a rien? Salut Laurie, comment tu vas? Pourquoi il fait jour dans le parc? Bah écoute, parce qu'il est 17h et du coup il fait jour. Mais il n'y a rien ici. C'est quoi ça? Mais c'est une plante de merde. Nul. Nul. Je me casse. Voilà, je me taille. C'est nul, une vraie starlette. Tu peux voler un frigo chez quelqu'un? Ça rentre pas dans le challenge, je trouve, ce nouveau let's play. Trop addictif. Ah, j'aime bien que vous me disiez ça, ça me fait plaisir en vrai. Mathilde, merci pour ton follow, bienvenue. Si je pourrais, mais c'est vrai que j'avais pas prévu ça pour elle en soi. C'est dans les marais profonds. C'est où? Pourquoi tu tues pas Selim? Parce que c'est pas prévu. Je sais pas où. Est-ce que c'est là? Je sais pas, je vais dans des terrains, je sais pas où je vais. Kylian, merci pour le follow, bienvenue. C'est très gentil. L'arbre aussi est violet, est aussi violet qu'elle. Trop stylé. Trop cool, non? J'essaye de trouver des zones pour, tu vois. Mais je trouve pas ma zone, je suis perdue là. Ça y est, je suis saoulée. Au plus haut point. L'arbre à super fruits ne produit des fruits que lorsqu'il est entouré d'un halo de lumière jaune. Au début, il ne produit qu'un seul fruit, puis deux. Et bah écoute, ce sera l'occasion de découvrir un nouveau truc alors. C'est parfait. Je veux creuser. Et là, je ne peux pas. Genre, normalement, tu peux faire que ça, creuser. Et là, tu ne peux rien faire. Je ne peux aller nulle part. En fait, cette map est éclataxe. Je me casse. Voilà, vous savez ce que je vais faire. Moi, je vais arrêter mes bêtises. Je vais rentrer chez moi. Je vais aller à Glimmerbrook, moi, tranquillement. Hein, c'est bon, ils vont pas me saouler pendant 10 ans. Ciao, ciao. Et je vais aller faire les sorciers. Hein. Bon appétit à ceux qui vont manger. Des bisous. Je suis où, moi? Glimmerbrook. Glimmerbrook, c'est où? Je suis perdue. Je suis là. ouais, je sais qu'il y a Oasis Springs, mais sinon, je m'étais dit que j'irais par là. Non, je vais aller là. Je vais rentrer chez moi, c'est pas grave. Et je vais me balader autour de chez moi. Bonne soirée à ceux qui y vont, des gros bisous. Et merci de m'avoir suivi sur TikTok. Coucou à vous. C'était en bas à droite. Eh ben, c'est que je me suis trompée d'endroit, en fait. Je me suis justement trompée d'endroit, quoi. Sinon, on se balade ici. Oh, des grenouilles. Vas-y, je vais chercher des grenouilles là. Voilà, ça peut être cool ici. Ah, augmenter les besoins, merci. Hop. Merci pour l'augmentation des besoins, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait très plaisir. Qu'est-ce qu'il y a encore à chercher ici, là? Oh, je te jure, je suis dans des endroits reculés de la map, là, je sais pas où je vais. On peut pêcher ici, d'ailleurs. On a quoi? Oh, on peut récolter de la sauge, je vais tout récolter. Cool, on peut pêcher aussi si on a envie. Pêcher, ça peut nous faire rapporter quand même pas mal de thunes, hein. Ça pourrait nous faire ça. Mais faudra quand même qu'on commence à creuser pour les fossiles. Vous pouvez faire le point d'exclamation let's play si vous voulez les règles de la revisite au cas où. Hein. Glimmerbrook, c'est très joli, je te confirme. Et puis, elle va marcher comme ça. Elle pourra accoucher dans pas longtemps et tout. On a trouvé une grenouille surfeuse du soleil. Ça me fait trop rire. Noctaline qui récupère le pire accent anglais. Ok, pendant 5 minutes, je vais devoir parler avec mon pire accent anglais. C'est parti dans 3, 2, 1. Let's go! I have to speak like that with my very bad accent. Yes, it is for the pleasure. Yes, I know. Thank you so much. I'm going to fish. Do some fishing for the moulax.
The Moulax au max. I'm going to... Nope. The Sauge. I'm going to keep the Sauge, ok. And then, I will plant in my house. Mais wow. Do you like the accent? Yes, you like it so much. Hein. Vraiment, vraiment. Bien évidemment. On dirait que les poissons sont trop malins. Mais... Do some fishing. Do some fishing and stop be a biatch. Please. Allez, let's go. Elle s'est fait... Elle est vaudou. Vaudou et bêtée. Céline se sent embêtée comme si elle s'était cogné la tête. Oh non, this is so bad. Oh, look her bead. Her bidou is vraiment catastrophique. Hein. Ok, she doesn't want to continue. Go to the house. Go to your house and do some magic there. I like so much. You like so much? This is very sympathique. Hein. Very sympathicos. Thank you. Thank you for the supporting. For course. Yes. Allez, do some pipi. Do some pipi. She's déjà faim, là? She's déjà faim. Vous imaginez si je parlais vraiment comme ça? J'ai envie de... Yeah. She wants to eat, déjà. Already. Cherche des trouvailles. Non, don't cherche des trouvailles. Quoi? Trier les déchets compostables. Trier les déchets recyclables. Cherche les repas. On va pas faire tout ça, en fait. Moi, je veux... I just want to eat, en fait. Do some pipi, hein. Pipi. Do you have a level up for the besoin? Non. I did it, but vu que she's pregnant, et ben, forcément, her besoin, it's catastrophique. La catastrophada, you know. Ça va devenir un chat in English. Exactly, bro. Mange du curry. Raté, tu as raison. We are... on voit rien, hein. I'm going to be... In the mode de construction. And I want to... mettre un coin... For... For... The plantage. C'est immonde. I want to planting. So, I will do it here. On va se mettre comme ça. Here. That's great. The buissonnade is going to be there. And I have the pierre here. This is going to be cool. And then we have the super fruit. Ah, the super fruit, ok. Ben, go laisser the super fruit there. Voilà. And this is cool. C'est bien. Gardening. Oh yes, gardening, but I don't want to say gardening. This is trop bien, gardening. Trop easy. You know. Plant. Do some planting. Sissou, je saigne vos oreilles. Ah, this is the bad accent anglais, hein. Why do I have a fantôme? Ah ouais, because I'm maudit. I'm maudit. I'm glitch. Oui, je suis sur Twitch, ouais. Je suis sur Twitch, les gars. Je rappelle quand même que le point de chaîne, c'est le pire accent anglais. Je suis pas là pour faire mon meilleur accent, justement. Go. Oh, she's eating a lot, hein. She's vraiment manging a lot, hein. Hop. Do this. We are going to... Take the déchet. Oh, wow, this is so beau. So magnifique. This is caca mousse, hein. Vraiment caca. It's very droll, but my ear is blowing. Oh, force à you dans ton projet. Force à you. Sérieux. Sur quoi je peux jouer? Sur les Sims. Tu peux jouer aux Sims sur PC ou sur console. Astico du village, merci beaucoup pour ton 3e mois d'abonnement. C'est très gentil. N'hésitez pas à mettre plein de subs dans le chat. Thank you so much. Of course. Ok. She likes gardening, I think. Yes, do some arrosage. Who are you, Joaquin de chien? Just go away, don't speak to me, là. Don't watch me. Who are you? Non mais, pour qui you are prendre you? Ça va pas du tout. Vide the poubellas of the playas. Where are you going to put the ordure, the déchet? Where? Allez à la décharge. Oh, vraiment? Really? Mais de rien, I love you. Merci, Astico. Ah, je peux reparler en français. Ça y est, vos oreilles, ça va aller mieux. Ok, la sorcellerie, on a dit maintenant. Je rappelle quand même que c'est une occulte. C'est très important. Il faudrait qu'on pratique un peu de magie.
Pourquoi pas magie, ouvrir le grimoire, pratiquer de la magie, magie indomptée, ça peut être très drôle. On va faire des Oculus Reparo pendant toutes les 10 minutes et des Revelio aussi. Revelio, Revelio. D'ailleurs, il y a des personnes tout à l'heure qui m'ont demandé quand est-ce que je reprendrai Hogwarts Legacy. La semaine prochaine, si jamais. Vaudou, oui, vaudou. Allez, entraîne-toi pour ta magie là, il faut qu'on gagne des points de talent. D'ailleurs, les points de talent. Regarde le grimoire. Grimoire de Céline Fion. Un jeteur de sorts n'est rien sans son fidèle grimoire. Toutes les incantations, tous les rituels et tous les élixirs qu'il y a appris y sont consignés. Un jeteur de sorts peut apprendre de nouveaux sorts et des recettes de potions en lisant les livres de magie, en parlant aux sages ou en pratiquant la magie. Ok, donc on peut faire la magie pratique, c'est quoi? Repario. Non mais c'est la même. C'est la même chose. Il y a écrit Repario. Repario. C'est la même, je vous jure, c'est ça. Repario, enfin. Impeccablo, Delicioso, Flora L'Oréal. Non mais c'est trop bien. Et du coup, on peut faire quoi? Décharge. Ce sim peut désormais utiliser le sort Décharge qui vide l'énergie magique. Blender intégré. Il faudra que je regarde tout ça quand on y arrivera. Levioso, exactement. Tu as un balai et tout à la maison. Ça va être toi. Ça va être quoi ta mascotte? Faudra que je m'en occupe quand. Bah, on aura déjà des points de talent quand on ira du coup sur le terrain pour avoir notre grimoire et notre familier. Mais ouais, ce serait bien de d'avoir un petit familier là. Ouh! Céline a découvert un nouveau sort électrico. On peut électrifier des gens. Dans combien de temps elle accouche? Pas tout de suite, tout de suite. Elle est dans 2 heures au troisième trimestre, donc je pense demain, hein, un jour Sims. Vous verrez de toute façon. On a trouvé aussi un autre sort. Il s'appelle Délirifié. Ok. Et on a un point de talent, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ça, c'est combien? Oh. Apprentissage théorique. Facilité. Votre Sim se lit et fait des recherches sur ordinateur plus rapidement. Ces interactions fournissent également de l'expérience magique au fil du temps. Ça peut être sympa. Blender intégré. Donc, ça sert à quoi? Vitesse de préparation des potions largement augmentée. Décharge. On a butin incroyable. Votre Sim trouve désormais plus d'objets lors de ses recherches d'ingrédients magiques dans le monde magique. Ou alors, on a expérience accélérée. Lors des expériences et de la pratique de la magie, votre Sim se gagne plus rapidement de l'expérience et échoue moins souvent. Je vais prendre ça pour cumuler des points plus rapidement. C'est devenu la meilleure dépense de points de chaîne selon moi. Pour faire quoi, Camille? Pour faire quoi? Oh non, ça a pris en compte ma prédiction. J'ai pas faire gaffe et mal cliqué. Et t'as bien plus de, trop bien plus de moula. Ok, va faire pipi, ouais. Tu as raison. On va aller se faire ça. On va aller 751 Simflouz. Ouais, je pense que j'allais le voir. Le pire accent anglais, c'est très marrant, ouais. On va aller. Vu qu'il est 5 h du matin. Kaline, tu t'es levée? Elle s'est levée, la madame. Hein. Où est la zone? Je sais plus. Je crois qu'elle est vers là-bas. Oui. On va aller dans l'autre monde, les gars. On va aller dans le monde magique. Maintenant. On va aller se prendre un petit familier, des petits objets, quoi, pour faire de la magie. On pourra se faire à manger et tout, ça pourrait être cool. Merci de m'avoir suivi sur TikTok. Salut bébé, t'es dispo, tu me manques et j'ai envie de te voir. Tu peux me passer me voir là maintenant. Ah, je suis désolée, je vais dans le monde magique. Tu as envie d'un câlin? J'ai tellement envie de te serrer contre moi. Mais le mec, il s'arrête jamais par contre. Lina, merci pour ton follow, bienvenue. Je vais lui dire oui, mais je ne vais pas venir. En fait, il a envie d'un câlin, le mec. Le travail a commencé pour Céline. Céline doit aller à l'hôpital, l'accouchement doit être déclenché, le bébé doit sortir. Mais je suis censée faire un accouchement à domicile obligatoire, comment je fais? J'ai pas pensé à cette option. On fait quoi, les gars? J'avais pas pensé au fait que si elle faisait une césarienne d'urgence, elle était obligée d'aller à l'hôpital. Parce que ça, c'est pas dans mes règles. C'est pas dans mes règles. Je fais quoi? Attendez, je vous laisse réfléchir à une solution pendant que je sors le chat. Je suis allée chercher une compote et un Actimel.
Bon, là, on va à l'hôpital parce que j'y ai pas pensé, en fait. Mais là, c'est une urgence. Genre, j'ai pas eu le choix. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas eu le choix. Bah, on va la rejoindre, hein, tant pis. Et on va demander à Sergio de venir avec nous. Mais purée, elle accouche déjà. Donc, en fait, on a un déclenchement. C'est un accouchement prématuré. Elle a un problème. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Faudra que je réfléchisse à ça. Ouais, là, j'avais pas du tout le choix, mais... C'est un cas d'urgence d'hôpital, on va perdre le bébé sinon... Oui, je sais, on y va. Tu fais en sorte de te le faire retirer par les services sociaux? Je fais en sorte de me le faire retirer par les services sociaux? Cas extrême, c'est pas grave. Bon. Ok, Céline doit aller à l'hôpital. Ouais, le grand moment arrive. Bienvenue à l'hôpital, n'hésitez pas à vous mettre à l'aise. Oui, je me mets à l'aise. Ok. Je vous dis, je joue pas avec la save de NS, je suis très perturbée là. Je suis très perturbée. Il faut que je me mette juste dans le mode construit là. Ou pas. Il est où l'hôpital? Qu'est-ce qu'il est moche. Qu'est-ce qu'il est moche cet hôpital. C'est un enfer, vraiment. Le pire accent allemand pendant 5 minutes. Non. Je t'avoue que ça, c'est pas trop mon dada. On va faire ça. Je vais mettre du coup ça juste ici. L'accent anglais, déjà, je pense que c'est très très bien. Et il est où l'autre truc? Mon truc d'échographie, je le vois jamais, moi. Le ballon, on va le mettre juste là, au cas où, hein, tant qu'à faire. Et... bah, il est où mon truc d'échographie? Je vous jure que je dois être à moitié aveugle, en fait. Pack. Non, pas pack. On va aller dans contenu. Contenu personnalisé. Du coup, ça répond à votre question. Si jamais il y en a parmi vous, bah justement, qui cherchent les objets du mode accouchement, ils sont dans votre mode achat construction. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, que peut-être que ça, vous dites que ça ne marche pas. C'est parce que vous ne les installez pas. Du coup, ça doit pas aider, quoi. Non, je vais faire ça. Ça. Donc, il faut que vous installiez bien tout. Comme ceci, là. Là, voilà. Et je peux même mettre de l'autre côté... pourquoi pas. Pourquoi pas en mettre bon, non, je sais pas trop à quoi ça sert ça. Vas-y, go, laissez ça. Et en vrai, ça, c'est bien. Non, non. Dégage. J'ai mis mon reshade et tout. Merci Coralilou pour ton follow, bienvenue. Voilà. Il vous faut le pack au travail, ouais hein. C'est cool. On peut construire à l'hôpital, oui. Mais il faut que tu mettes le enabled free build. Je sais pas quoi là. Alors, on va aller ici, magie. Électrico, pardon. On peut électriser ce truc là. Quoi? Attendez, je veux tester. On accouche mais je vais tester, tu vois. Je teste des choses. Comment ça, électrico? Je viens de gagner au loto. Oh oui, 111 balles, merci. Qu'est-ce que tu fais? J'ai électrisé un truc. La dilatation de votre Sims n'est pas encore... Oui, bah je sais bien. Préférence concernant l'échographie, comment c'est l'échographie? Non. On va faire quelques exercices. J'aimerais bien faire une péridurale ou alors, vous savez quoi, je vais juste tricher. Ah non, on a perdu les os! Si vous pouvez construire dans l'hôpital, mais en mettant un code de triche en amont, qui s'appelle Enabled Free Build, je sais plus, je l'ai pas retenu. Salut Sclette, bienvenue à toi dans le chat. Ok. Elle est en train de faire ses petits exercices et tout. Je vous avoue que je vais lui provoquer l'accouchement. Directement, paramètres de l'accouchement. Déclencher. Et ça sera parti, accoucher. Et on va demander du coup à Liska, tiens, de nous faire accoucher. Salut Mandril, comment tu vas? Voilà, Boadi vous a mis le code. N'hésitez pas à rejoindre le Discord quand c'est comme ça, si vous avez plein de questions et tout. Demandez, posez vos questions dans le serveur, dans le salon Sims, justement, vous avez tout qui est là pour ça. Vous avez même des messages qui sont dans les épinglés et tout, donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas à faire ça. Ça, je me suis demandé si je voulais lui rendre visite. Non, mais mec, je suis en train d'accoucher. Je sais pas si tu te rends compte, en fait. Ça m'a grave manqué, les lives. Eh ben, écoute, je suis contente que tu sois là, du coup. C'est gentil. J'ai trop hâte de voir la tête du gamin. Mais moi aussi, surtout qu'on pourra pas le faire grandir tant que ce sera pas son anniversaire. Donc, il va falloir qu'on attende un peu. Ça ira vite. On est en espérance de vie courte, donc ça ira vite, ça. Ah, c'est vrai, Marilyn, hein, je connaissais pas. Oh non, elle s'est évanouie. Oh non. Allez, Liska, viens me faire accoucher. C'est la première génération, ouais. Du génération Leader. C'est le premier épisode. Là, vous êtes dans le plein... dans le début. Ok, vas-y. On va aller accoucher. S'il vous plaît. Allez, parfait. Sina a appris que Liska était interne à cet endroit. Ah.
Elle va accoucher. Vas-y, premier accouchement. Est-ce qu'on va avoir une fille, un garçon? Est-ce qu'ils vont être beaux et ressembler à Sergio? Faut qu'on trouve des prénoms avec Fion à la fin. Oh, faut que vous trouviez des jeux de mots là pour les prénoms avec Fion. Je sais pas du tout. Fion. Méga Fion. J'en sais rien. Tarte au poil. Tarte. Comment ça va, Rumata? Je t'ai pas dit bonjour. Tarte en Fion. Marafion. Marafion. Ah, genre Lara Fion. Lara Fabian. Je sais pas, ça m'avait pensé à ça. Oh, on a une fille. On a une fille. Pata Fion. Pata, c'est mignon. Ton opération s'est bien passée, ça va? Merci, Bibi. Caston Fion. Caston Fion, c'est très très drôle pour un garçon. Je garde ça. Déception. Troufion. Troufion, c'est cool. Genre trou comme ça. Fiona Fion. C'est répétitif. Winnie l'Ourfion. Céline Fion, basique quoi. Bah bien sûr. Céline Fion. On avait hésité entre Carla Moru et Céline Fion quand même. Hein. Mifion. Troufion, j'aime bien moi. Elle s'appelle Trou quoi. Comme chez Kardashian. Dans ton fion, qu'est-ce faire? Si c'est un garçon, éventuellement. Trou, c'est bien. On garde ça. Ouais. Moi, j'aime bien. Merci, Camille. Merci beaucoup. Ok, on valide. On a des jumeaux. On a des jumeaux. On a des jumeaux. Non, la trou, je l'ai écrit en mode trou. Pas un trou. Trou, la vérité en anglais. C'était quoi l'autre que j'avais grave kiffé? Il y en a un tout à l'heure. Il était incroyable, j'ai dit je le mets si c'est un garçon. C'est qui m'a dit ça? Attendez, c'était lequel? Ah merde! Gaston? Non, c'était pas Gaston. C'était Gaston que j'avais kiffé? Caston? Non, non, pas Danton. C'était lui? Attends, je remonte. Ouais, je crois que c'était Caston. Attends, Mini. Michini. Caston. Ouais, après Gaston, Fion, ça peut être drôle. Danton. J'ai peur que ça soit trop vulgaire quand même. Trop grossier. Danton, Fion. Tu vois. Bon appétit, team Doctor Who. C'est un peu vulgaire quand même, Danton, Fion. Vous trouvez pas? Surtout si je veux mettre ça sur YouTube. Hein. Non! Gaston? Gaston Fion? Un Gaston Fion? Je sais pas. Ou. François Fion? François? C'est un peu grossier. C'est vulgaire. Caston, Caston, ça passe encore. Emmanuel Mafion. Bon appétit à ceux qui vont manger. J'essaye de trouver, attendez. Nom avec Fion à la fin. Il y a... Terminaison en Fion. Il y a quoi? Ta Fion. Ah oui, yes. Ah. Esco? Escoff? Qu'est-ce que c'est ça? Oula, ils me disent des trucs bizarres. Fine. Fine Fion. Fine. Fin Fion. C'est horrible. Waouh. C'est bizarre un peu. Là, ils sont en train de dire des trucs bizarres un peu. Pimpon. Pimpon. Pimpon Fion. Bah, j'ai dit François, moi. François Fion. Moi, je pense que François, c'est bien. Venez, on se casse pas la tête. Soit Fine, Fine Fion. Je trouve ça mignon. Soit François. Et je pense que François, c'est bien. Pata, c'est pas masculin pour moi. Bah, François Fillon. Vous connaissez pas François Fillon? Ça dépend de ta configuration, Camille. Vous connaissez pas? Mais écoutez... Regardez sur Google et vous comprendrez qui est cette personne qui s'est présentée aux élections présidentielles il y a
Plus de 4 ans. Allez, François. C'est très bien. Ce sera très très bien. Félicitations, nous avons eu des jumeaux. Trou et François se sont... ont grandi. Oh, les beautés. Regardez. Non mais stop, 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 stop. Non mais stop, stop, c'est trop grave. Elle a des boobs tellement énormes qu'elle elle bouffe ses gosses. Elle est tellement... Elle a des boobs tellement énormes qu'elle bouffe ses gosses. Aïe, ça me fait mal de rire comme ça. Ça me fait mal, putain. C'est normal, poil aux pattes. J'en peux plus, je suis choquée. Après, sinon, au pire, on fait pas des jeux de mots et si c'est trop compliqué, on s'en fout. On met des prénoms what the fuck et puis c'est tout, tu vois. Genre, voilà. Céline, François et Trou. Troufion. Regardez, on voit leur petit cucu. Oh, les bébés. Vous avez l'air ravis d'être avec maman. C'est incroyable. Ok, nous avons accouché. Donc on pourra les faire grandir et voir à quoi ils ressemblent. Et si ce sont des occultes. Je rappelle qu'ils doivent être occultes quand même. Hein. Salim, arrête de m'appeler, je n'en peux plus. Pourquoi tu es très en colère? Pire journée de ta vie. Parce que t'as accouché. Je comprends. Elle s'est évanouie dans le... Ok, il n'y a pas de problème. POV les gosses. Les bébés ont vu leur fion. Ma fille, devant cette image, la madame, elle est pas belle, maman, mais le bébé, il est beau. C'est un bon signe, déjà. Mmh. C'est un CC, Pixelis, ça ne veut rien dire. Ne te fie pas du tout à la couleur que tu es en train de voir. Aucun rapport. J'ai un mode qui embellit, justement, les bébés. Donc, ça n'a aucun rapport. À tout moment, il va grandir. Bambin, il va être violet, rose, ce que tu veux. Trop à très fin. Mais je rentre, là. Regardez, elle rentre, elle est vénère et tout. Mais c'est normal de se mettre dans tous ces états après avoir accouché, en vrai. Mais regardez, là. Elle est pas contente. Et je vous dis, elle va nous saouler, cette dame. Du coup, la prédiction, eh bien, vous pouvez donner les points de chaîne. Tu peux donner les points de chaîne. Je laisse les modos faire. De toute façon, c'est elle qui maîtrise. C'est les hormones. C'est le postpartum. Non, non. De base, elle a le trait de caractère méchante. Elle est dans l'abus complet. Après le bébé, ils ont toujours les mêmes têtes de bas. À l'anniversaire, on verra. C'est ça. Là, ça va être toujours pareil, ouais. Du coup, vous avez encore le résultat de la prédiction. Je vais sauvegarder. Tout de suite. Bravo à ceux qui ont prédit, du coup, les deux. Nous avons eu un garçon et une fille. Vous êtes où, les loulous? Ah, vous êtes posés juste là. Bah attendez, je vais les replacer quand même un minimum. Merci, la Hollywood, pour le follow. Bienvenue à toi. C'est un petit peu dangereux quand même, hein. On va pas se mytho. Je vais les mettre par là. Hein, voilà. Ils ont pas les mêmes berceaux. C'est assez chiant. Je vais en mettre un là, comme ça. Et un là. Allez, ce sera très bien. C'est facile avec toi, tu as souvent des jumeaux. Bah, facile, ça dépend, hein. Oui, oulala. Changez la couleur. Allez, c'est parti. Oh my god, oh my god. C'est quand votre anniversaire? Je veux savoir, vite, vite, vite. Oh bah c'est demain, vous avez vu, quand c'est court, c'est trop bien. Mais Kaline, elle a ouvert la porte. Attendez deux secondes, s'il vous plaît. Mon chat me saoule légèrement. Kaline, t'es chiant. Soit tu t'installes, Kaline, soit c'est pas la peine. Allez, tu te poses ici. Voilà. Bonsoir à ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Kaline, tu rigoles? Oh. Je suis désolée, je suis un peu à cran de mon chat en ce moment. Elle sait pas du tout ce qu'elle veut. Elle est très très relou. Très 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 relou. Merci de m'avoir suivi sur TikTok. Appelez les services sociaux, regardez l'état de la baraque. C'est... elle est en travaux. Le but, c'est de la rendre belle à la fin du challenge, justement. Mais ferme ta bouche, toi! Mais qu'est-ce que t'as? C'est François, ça, qui pleure. Le berceau avec les petits voiles, c'est parce que c'est un magicien. Tu crois? Oh, ce serait trop bien. Il faut qu'il soit occulte dans tous les cas. Il faut que ce soit des occultes. Allez, on va te parler, louloute. On va dodeliner. Comment tu vas, l'eau? Alors, cri résonne dans ma tête. J'en ai déjà marre, je te jure. Mais à minuit, on peut les faire grandir, déjà. Oh! On va déjà avoir la réponse à minuit. Trop bien, trop bien. Dès que c'est leur anniversaire. Cool. C'est ça, hein, dans les règles. J'ai le droit, non? Peut-être que ton chat sent que t'es pas bien avec tes dents. Non, 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 c'est qu'elle est vieille et qu'elle commence à être sénile et qu'elle s'ennuie et du coup, elle devient insupportable. On va l'emmener chez le vétérinaire jeudi pour essayer de trouver des solutions. Parce que ça commence à être un peu difficile. Je sens que... Voilà, elle a bien vieilli. Elle va avoir 17 ans en avril. Hein, et qu'elle est pas à l'aise, en fait.
elle est pas à l'aise, elle est pas confortable et elle se perd beaucoup toute seule. Enfin, c'est très très compliqué de vivre avec elle et je pense que même elle, elle a du mal. Vous voyez, la pauvre, elle me fait beaucoup de peine. On a quand même 851 simflouz. Je vais proposer un frigo. Voilà. Je vais proposer un vrai frigo. Je vais vendre ceci. Alors, c'est peut-être dommage parce que au final, ça fait joli en fait que ce soit délabré. Mais non, je vais quand même l'enlever. Je vais enlever ça aussi. Et je vais commencer à rénover très doucement. Alors, je vais me prendre un joli... Ça va être quoi, sa couleur, à elle? On est d'accord qu'on va être sur du violet, un peu. Kaline, t'es derrière mes fils. Elle fait n'importe quoi, elle fait que des conneries. T'es... Bon, elle est sur mon stream deck, là. Hein. Littéralement, s'il se passe un truc... elle est là. Hein. Bah, vous la voyez pas, je peux pas tourner ma caméra, mais... T'as compris. Est-ce que je pourrais avoir un vrai... une vraie... gazinière, ça pourrait être sympa, en blanc comme ça, là. Ça pourrait être cool. Kaline, ne lèche pas mes mains, s'il te plaît, bichette. S'il te plaît, ma fille, arrête. Calmos. Attendez. 17 ans, chat égale 84 ans, humain, je crois. Plus âgé encore, non? Elle est là, attendez, elle veut vous dire bonjour, en fait, j'ai compris. Elle est ici, regardez. Non, 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 c'est qu'elle est tout le temps comme ça, c'est pas que des câlins, elle est très demandeuse, ça c'est sûr, mais elle est devenue aussi très difficile au niveau de son comportement. Lâche, 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 lâche. Ah ! Kaline, tes griffes ! Ah ! Oui, elle est jolie, mais elle est chiante des fois, elle est un peu chiante. Bon, tu vas... Ne m'empêche pas de jouer, hein, s'il te plaît. Elle est un peu chante, mais je l'aime quand même. Laura, merci pour ton follow, bienvenue. Coucou, Anab. Ça va, merci, ouais. Ça va. Ok, stop. Donc, on va faire comme ça. Donc, au moins, je commence à avoir mes emplacements. Elle est en train de donner des coups au micro. Vous allez sûrement l'entendre ronronner. Kaline, non. Oh, mais, je vous jure, je sais pas si vous la voyez. Non, il y a les trucs et tout. Mais en gros, elle est en train de donner plein de coups de tête. Arrête! Arrête de faire n'importe quoi! On va plus m'entendre si tu débranches le fil. Ok, c'est bon. Parfait. Oh, il y a un renard ici. Oh, bébou, il y a un renard. Alors, attends. Déjà, ce serait cool. Magie électrique. Ah, non. Cuisiner. Ah, bah, yes! C'est vrai, on est en vie simple. J'adore ma vie. On peut pas cuisiner quand même un petit truc? Non, il faut qu'on fasse des courses. Kaline, le micro... Bon, attendez. Je suis obligée de la bouger. Je suis désolée, mais là, elle donne des coups de partout. Allez, va là. C'est ton lit, ça. Couche-toi. Allez, arrête d'être bête. S'il te plaît. Elle est très têtue aussi. Vraiment, un repas, nanana. Magie. Commander une livraison. On va faire des livraisons de courses. Elle est pas descendue, ça va. Non, le 100 Baby Challenge est terminé. Nous sommes, comme écrit dans le titre, sur le Génération Leader Revisité. Kaline a 84 ans en achat. Bon, bah voilà, c'est ça alors, hein. C'est une vieille mémère. On a combien de simflouz? Ben, on n'a pas d'argent, en fait. On a des frais de livraison de 20 balles. Donc, comment vous dire, je ne peux pas, en fait, manger. Et une pizza coûte 25 simflouz. Bon, on n'a pas de thunes. Et j'ai Michel, là, qui est super vénère. Cherche des trouvailles, s'il te plaît. Vite, 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 vite. Ça veut dire quoi? Quand un chat remue la queue, ça veut dire plein de choses. Ça veut pouvoir dire plein de choses, qu'il est énervé, que juste il prend ses repères. Ça dépend, s'il a la queue basse, il est pas content. Mais bon. Vas-y, fouille. Ça dépend dans quel sens est ta... la queue de ton chat, quoi. J'ai un cadeau spécial pour vous. Ah, c'est Salim, il est venu me donner des cadeaux. Non, mais je vous jure, le mec est trop grave, là. Elle a rien trouvé. Et merci, Omer Starlet, pour ton follow, bienvenue. Ça dépend, ouais, c'est ça, ça dépend. Qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, on va se mettre dans le mode construction, d'ailleurs. À tout moment, elle a trouvé des choses ici. Mais grave, en fait. Mais regardez, logiciel de traitement. Mais trop bien. Oh, mais on n'avait pas vu depuis le début, en fait, qu'elle avait trouvé plein de trucs. Et qu'au final, on les avait pas vendus de ce côté-ci. Cool. Merci, Alexia, pour ton follow. Bienvenue à toi également. On va sauvegarder. On a 1146 simflouz. C'est pas mal pour rénover la maison au fur et à mesure où on avance, quand même. C'est RS pour voir mes réseaux sociaux. Ok, et en plus j'ai Salim qui est venu m'apporter un petit cadeau, donc je vais le prendre avec grand plaisir, invité à entrer, rentre. Rentre dans mon humble demeure merveilleuse.
Elle est toujours super énervée, genre c'est horrible. Ok, du coup, Sergio, on est toujours en couple avec lui, mais il va falloir qu'on le trompe pour... Non, on va pas le tromper en fait, c'est elle, ça y est, elle est enceinte et c'est fini, elle aura plus d'enfants. Vous savez maintenant que j'ai terminé tout ce que je voulais faire ici, est-ce que ça vous dérange si je reste encore un peu? Non, ça me dérange pas. J'ai une carte postale. Est-ce que c'est cool la carte postale? 20 balles? Ouais, on a connu mieux hein, quand même. Hein. Et ça, ça a une sale gueule quand même, on va pas se mytho, hein. C'est de saison, mais la gueule du truc quoi. T'es mal à gueule. Hein. Essayez de faire partir les cafards, ce serait bien, s'il te plaît. Fais-moi partir tous ces cafards dégueulasses. Voilà, et à Mignon, on va pouvoir faire grandir les bébés et voir si déjà on a un occulte dedans et si ils vont être beaux quand même. Mais je pense que vu la tête de la daronne, ça va être très compliqué. Très très compliqué. Salim, j'aimerais bien lui demander un petit peu d'argent aussi, ça pourrait être intéressant. T'as un peu d'argent pour moi, go. Il faut un hashtag spécial pour te notif pour une création dans la galerie. Ça dépend de pourquoi. Pour un challenge construction. Et merci Axolot pour ton follow, bienvenue. C'est gentil. Et merci Jade également pour le follow. Bienvenue à tous ceux qui me rejoignent sur Twitch. Ça me fait très plaisir de vous accueillir ici, vraiment. C'est très gentil à vous d'être là. Salim, le PNJ relou de base. Non, ça va. Tant qu'il nous donne de l'argent, en vrai, ça va. Salut Aurélie, comment tu vas? Non mais ça y est, elle est méchante. T'es méchante. D'ailleurs, tu veux pas te changer là parce que ta tenue, franchement, c'est bon quoi. C'est bon, on va faire commode, changer la tenue. Il fait froid. Mais toi, en tenue quotidienne, hein, tu seras très très bien. On va aller voir nos enfants. Surtout avec la mage où les enfants ressemblent aux parents maintenant. Ouais, c'est ça. Donc ne vous fiez pas du tout à la gueule de mes bébés. C'est un mode. Donc ils sont full modés, en mode ils sont très beaux et tout. Ça n'est pas du tout représentatif de ce qu'ils sont censés être bambins. J'arrive en live. J'arrive en live le match. Tu arrives ici, tu veux dire? Ok, on a atteint le niveau 2 de la compétence éducation, c'est très très bien, très cool. Je crois que la femme de ménage m'a piqué de l'argent dans les tiroirs, mais elle ne reconnaîtra jamais ses torts. Tu penses que j'exagère et que je suis trop parano? Oui, on est méchante, on va lui dire oui. Nous allons en attendant continuer de gagner des points aussi pour la magie. Et à la base je voulais faire ça, on va pratiquer la magie indomptée. Il fallait que j'aille dans le monde magique, donc c'est ce que nous allons faire juste après mes petites interactions. Pour être une forte magicienne. Et on va faire la magie pratique. C'est quoi ta question, Mathieu? La cata, j'ai eu des triplés. C'est trop bien, les triplés. Tu vas voir. Les triplés, c'est toute notre vie. Ok. On va pouvoir avoir des points de talent. J'ai entendu que tu critiquais mes compétences. C'est vrai, tu as vraiment fait ça? Alors, je n'ai jamais fait ça. Je ne lui ai jamais parlé, mais je vais lui dire oui parce qu'on est totalement méchante. Tu penses refaire un 100 baby challenge avec la mage et le pack génération? Ce serait plus long et plus compliqué. Je vais en faire un, alors pas forcément avec le nouveau pack parce que ça n'aura pas de lien. Mais je vais sûrement en refaire un qui va être encore plus différent que ce que j'ai fait sur Twitch, mais sur YouTube, cette fois sur ma chaîne. Donc faut pas hésiter si vous voulez me suivre sur YouTube à aller là-bas. Et demain vous avez une nouvelle vidéo qui sort d'ailleurs sur le mode accouchement. L'épisode 2. 2. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Oula, tu m'avais peur! Change ta couche sale là, oui, je suis là. Merci Dris Sims pour le follow, bienvenue. Tu as combien de vues et de likes sur ta première vidéo YouTube? Je m'en rappelle pas. Pas beaucoup, hein. Je sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que en début novembre, j'étais à 5000 abonnés. 4900 très exactement. Et qu'aujourd'hui, on est en février et je suis à 56000, bientôt 57000 abonnés sur YouTube. Voilà. Le rat gangsta, merci pour ton follow, bienvenue. J'ai eu une explosion d'abonnements sur YouTube. En fait, j'ai eu en même pas une semaine plus de 20 000 abonnés sur YouTube en novembre. C'était incroyable. Et depuis, ça évolue et c'est génial. C'est dinguerie. On voit tes messages au chaos, ouais. C'est ça, j'estonque le truc un peu. C'est ça. Après, je fais du format un peu différent, moi, sur YouTube. Je fais une vidéo longue, comme vous avez l'habitude de connaître, tous les dimanches, généralement, sur YouTube. Mais je fais beaucoup de shorts, en fait. Surtout, surtout. Kanigou, merci pour ton follow, bienvenue. Je fais énormément de shorts, moi. Je suis une youtubeuse shorteuse, surtout. J'aime beaucoup les formats courts et les formats longs. Je m'en octroie une par semaine, voire même deux. Ça va dépendre de ce que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de shorts et j'ai remarqué que bah, les gens aimaient beaucoup ça. Voilà. Et pour Sissou, allez. Non, mais arrêtez, vous allez me faire rougir, là. Je cherche la zone. Merci, Laura Gangsta, comment vas-tu? Elle est où, ma zone?
Je suis perdue. Ma maison est là. Pour moi, c'était par là, hein. Non? Non, je suis perdue. Il est où le puits, là? Pas du tout. Merde! Ah, il est là. Purée, mais toujours plus loin, moi. Aller dans le monde magique. Toujours là pour te faire rougir. C'est bête, trop gentil. Ouais, ça va, merci, ouais, carrément. Carrément, carrément. C'est pas moi qui te fais rougir. Tu parles à moi, Lilou, ou pas? La mère est moche, c'est un génération laideur, en effet, Laura Gangsta. L'objectif, c'est qu'elle soit laide et de forme inhumaine. C'est le but. Bonsoir, c'est quoi comme challenge? Le génération laideur, et il est un peu revisité avec des règles un peu remixées à ma sauce. On dirait un zombie. Alors, les zombies, je trouve pas. Je trouve pas qu'elle ressemble à un zombie, pour le coup. Vas-y, rentre! On franchit le portail. Oui! Ah, d'accord, Lilou. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Ta-ta-ta-ta. Elle ressemble plus à un troll. Ouais! Elle ressemble à un troll et on m'a dit Ursula beaucoup. Attendez, je vais sauvegarder quand même. On m'a dit Ursula beaucoup. J'ai pas fait de pub. C'est quoi le message? Alors si tu as besoin, Mathieu, de conseils pour te lancer sur YouTube, je veux bien te répondre avec plaisir. Y a pas de souci. Après, parler de ton concept, ta chaîne et tout, en effet, ça peut être considéré comme de la pub dissimulée. C'est pour ça que les modos réagissent à ça. Mais en tout cas, si tu veux te lancer sur YouTube, moi, je te conseille pas de réfléchir 100 ans. Je te conseille pas non plus de te prendre trop la tête. Fais ce que t'aimes. Et un bon micro, surtout, c'est important. Et vraiment, regarde plein de tutos sur YouTube pour te lancer, ça pourra t'aider. Et au pire, les prochaines fois, utilise la pierre dans son inventaire. Je l'ai jamais utilisée. Moi, vous savez, je ne sais pas. Elle est où? Je l'ai vendue, je crois. Putain. Mais elle est où ma... Mais j'ai plus ma pierre, wesh. Non! Je l'ai vendue! Bonne soirée, Laura Gangsta. Je l'ai vendue! Je suis dégoûtée! Ah, mais ça me dégoûte! Ah! On peut pas en racheter une? Salut les sorciers ici. Ok, d'accord. Attendez, non mais tout peut être réglé. Attendez, on est dans le monde magique. Nous allons aller là-bas. Regardez comme ce monde magique est incroyable, je l'aime. On va aller dans l'allée de jeteurs de sorts. On va aller au chemin de traverse. On va aller chez Ollivander. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vendu ma pierre et je sais pas si c'est grave, docteur. T'es un fail, ma pauvre Sissou JPP. Ah, tu vois, l'emo de PLS, elle est trop bien. D'ailleurs, je disais, j'ai trop envie de recommander des emotes. Vous avez des idées d'emotes ou pas? Je suis à deux doigts de passer encore une commande, hein, vraiment. Bah, de toute façon, le but, c'est de tout refaire. Mais en fait, c'est au niveau des sous, genre là, mes dons PayPal et tout, je suis en train d'exagérer. Très légèrement en train d'exagérer. La merguez. Mais je sais pas comment la... Ouais, faut que je vois. Une emote qui boude. Ouais... Une mode qui boude. Faudrait que vous vous disiez que faut que vous l'utilisiez en fait de votre côté. Une qui pleure, il y en a plus. Ouais, c'est prévu ça. Les trucs basiques, n'y pensez pas. Pensez à des trucs plus originaux. Achetez des baguettes magiques, livres et familiers. Oh, cool. Bisous Barquette et bonne route à toi. Bonne soirée. Comme le coton-tige, mais en merguez. Mouais. Le challenge, c'est le Génération Leader. Qu'on est en train de faire Lilix. Lilix. Alors, on peut avoir soit un corbeau, soit un familier crâne, soit une chouette. Qu'est-ce qu'on prend? Trop stylé. Attendez. Est-ce que peut-être que dans les autres, il y a encore d'autres familiers? Donc il y a soit la chouette, soit le corbeau, soit le crâne. Est-ce que toi, tu vends aussi des familiers? Là, c'est balais et cristaux. Est-ce que toi, ingrédients, potions? Ah non, il n'y a que ça. Bon, il n'y a que ça. Je sais qu'il y a d'autres familiers, mais à tout moment, voilà. Ça doit se reset. On pourra les changer de façon au fur et à mesure. Vous voulez quoi? Corbeau, chouette ou crâne? Vous savez quoi? On va faire un petit sondage dans le chat. Vous allez voter. Vous allez voter pour quel familier Céline Fion va prendre, quoi. Quel familier elle va prendre. Donc, chouette, corbeau ou crâne. Moi, en attendant, je vais m'acheter autre chose. J'ai 1280 simflouz. Je vais me prendre une magique en os. Ouais, j'aime bien. Je vais pas prendre de livres pour le moment, j'ai pas envie. Je vais aller me prendre un balai aussi pour pouvoir voler en balai.
Et vous allez pouvoir voter en attendant. Vous avez l'air de bien aimer la chouette ou le crâne. Ah, c'est Balthazar en fantôme. J'ai un balai en bois classique. Balai éponge magique. Et j'ai des cristaux. C'est un peu nul. Éponge magique. Ça peut être très drôle par contre. Ça peut être très très drôle. Vas-y, fais voir. Du coup, fais voir mon balai. Oh! Toujours utiliser des balais. Choisir balai éponge magique comme mon balai préféré. Ok. On peut lui trouver un nom. Comment on l'appelle le balai? Oh, viens, on lui donne un nom. Oh! On peut l'appeler, je sais pas du tout. Pour l'emote, c'est sous, je te colle un petit Isoka avec une petite perruche sur l'épaule. Mmh, ça va être très joli, un petit Isoka, là. C'est où pour voter? C'est dans le chat. Je l'appelle comment, mon balai? Oui. Je sais que j'ai pensé à faire des emotes un peu genre Demon Slayer et tout, parce que c'est ce que j'adore aussi, genre une, tu vois. Et un Isoka parce que je l'ai en fond aussi. Ça pourrait être sympa. Nimbus du bled. Oui, Angon. Fion. Vol de chiottes. Oh, vol de chiottes. Comme ça. Vol de chiottes. Mais le vol de chiottes, il est incroyable. Je le garde. Ok, vol de chiottes. Je peux même renommer ma baguette. Venez. La baguette de sirop, de sirop, parce que dans Harry Potter c'est sureau. On peut l'appeler. Sinon, t'as la pierre philosophale, tu peux l'appeler. Je sais pas. Quelle est l'aspiration de Céline? Elle veut être une grande star. Balai à crotte, baguette de pain, sirop de fraise, baguette de cirrhose. Je peux l'appeler cirrhose, ouais. Cirrhose. Olive Thunder. Oh non! Olive Tinder! Achète des balais, des cristaux, marchandés. J'ai pas marchandé en effet. Qu'est-ce que tu fous? Non, 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 reste là. Du coup, c'est quoi le familier qu'on achète? Viens, on va se prendre le petit familier. Revelio. Ah ouais, on aurait pu l'appeler Revelio. Je vais l'appeler Revelio. Je préfère. T'as raison. Alors, du coup, vous avez choisi la chouette. Allez. On va avoir une chouette. Je vais l'appeler Revelio. J'avoue que j'aime. Je vais l'appeler Revelio. Y'a pas d'accent. Revelio. Revelio, c'est bien. Ok. Maintenant, on va voir la chouette. Associer le familier. Oh, regardez la tête de mon familier. C'est chouette, cette histoire. C'est chouette. Ouais. Et là, on peut vraiment se croire dans Harry Potter avec les Sims. Ah, oui. Alors, c'est pas exactement pareil, mais oui, tu as les sorciers dans les Sims. Comment on l'appelle, la chouette? Comment tu vas, Ludoka? Comment on l'appelle? Il nous faut une chouette. C'est la chouette de Céline Fion, quand même. Donc, il faut un blaze, tu vois. Et de Vosges. Comment on arrive dans le monde magique? J'arrive juste à aller dans le sorte de manoir pour apprendre. Bah après, tu as le chemin de traverse, là. Tu sais, sur le côté, t'as encore un autre portail à franchir. René Chouette. Tarte au Fion. Bonne soirée, c'est Sushi. Hein, je voulais un truc... Genre, l'Edwige. Ah, l'Edwige, c'est marrant. Chouasse. Je vais l'appeler Chiasse, hein, ça continue. Hein. Paris, Chouette. Périche. Perru. Ah ouais, la Périche du Bled. Hein. L'Edwige, j'aime bien. L'Edwige, c'est un bon clin d'œil. L'Edwige. Génération Leader, l'Edwige. Non, je prends. Allez. Est-ce que tu peux l'appeler, du coup? Attends, stop. Je veux qu'on voit ton familier là. Magie, familier, dissocié, invoquer le familier. On va voir son familier apparaître. Attention, elle l'appelle. Viens, Edwige. Waouh, oh, elle est trop belle. Il faut que je télécharge un mode qui me permet d'avoir des interactions. Regardez, regardez. Comme, c'est trop cool. Non, mais j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Toujours utiliser des baguettes magiques. Oui. Et est-ce que je peux, du coup, toujours utiliser des balais? Genre, comment ça, toujours utiliser des balais? Genre, par exemple, si je vais de là à là... Non, tu marches, là. Magie. Calciner. Quoi? Je peux calciner des objets? Je sais pas du tout comment on fait pour voler, par contre. J'ai jamais fait. En plus, elle est violette. Mais deux fois, elle est bleu-violette, un peu. Comment je fais pour voler, si j'ai envie... Oh, non. Ouais. Éteins. J'ai un peu abusé, là. J'ai un peu abusé du bail. Si je rentre à la maison maintenant...
Ah, je vais pouvoir faire grandir mes enfants. Oh non, elle se pisse dessus. Oh non, merde. Oh non, quelle horreur. Rentre à la maison, s'il te plaît. Faut aller plus loin. Bah, si je la fais rentrer à la maison, est-ce qu'elle va finir par... tu vois. C'est absolument dégoûtant, je me suis fait pipi dessus. Bah ouais. Bah non, regardez. Elle vole pas emballée, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Mais on va faire pouvoir grandir les babies. Ça, c'est cool, tu vois. Ah, Maëlys, pour l'augmentation de besoin, merci. Je vais m'en occuper juste après. Là. Là, là et là. Ok, cool. Et j'ai ça aussi. Parfait. Elle est rentrée? Non, elle est là, la chouette. Ouh, il y a du brouillard ici dans cet endroit. Alors, est-ce que c'est bien votre anniversaire? Il faut que je vérifie. Pipi devant le familier, c'est chouette. Ah non, c'est demain. Ah, je croyais que c'était aujourd'hui. Merde, je suis dégoûtée. Bon, il y en a un qui est pas content de toute façon. Changer la couche. Oui, ça va. Je pensais que c'était aujourd'hui ton anniversaire, mais en fait pas du tout. Je vais aller me faire voir. Pas du tout. On a quand même 1000 boules. C'est bien, ça va mieux. Allez, on va quand même nous rechercher des trouvailles. Vous avez vu? Magie. Oh non, on peut calciner et tout. On peut rien faire. On peut rien jeter ni quoi que ce soit. Shanna, merci pour ton follow, bienvenue. On va mettre ça là quand même. Hop. Non mais... Ah, mais les ordures là. Mais regardez tout ce que j'ai. C'est trop grave. Mets tout ça dans la poubelle, s'il te plaît. Allez, tu vas chercher des repas, chercher des trouvailles, plusieurs trouvailles pour gagner de l'argent. Ce serait aussi intéressant que je lui achète, au vu de l'argent qu'elle a, un chevalet, au cas où. Je vais faire ça, ouais. Je vais m'acheter un chevalet pour qu'elle essaye de me gagner un petit peu d'argent. Et puis, ça va lui augmenter du coup la carrière. Ça, c'est cool. C'est où le chevalet déjà? C'est pas là du tout. Qu'est-ce que je fous, moi? C'est là. Là, on a celui-là qui est cool. On peut le mettre, on va le mettre juste sous l'escalier. J'espère que ce sera pas trop gênant. On va le mettre là. Allez, c'est parti. Salut Mini, ça va et vous, les gens qui arrivent? Bon appétit, une humaine. Ok, cool. On va faire toi le représentant un Sims. J'espère qu'elle va aimer la peinture. Hein. J'espère vraiment qu'elle va aimer la peinture. Allez, Céline, trouve-moi des trucs chouettes. C'est quoi ça? Nigiri à l'omelette gâtée. Oh purée, c'est dégueulasse. Et regardez, il y a sa petite chouette qui l'attend à côté, genre au calme. C'est écologie la poubelle, ouais. C'est un peu sombre. Bah ouais, mais les lumières, on les voit pas très bien. Il va, voilà. Gribouillage de rayons de soleil dans la benne à ordures. On a trouvé un lit double aussi. Non mais elle en trouve des trucs en vrai. Hein. Elle en trouve bien. Hein. Ok. Cool, on va se remettre en mode construction, on va vendre ce qu'on a trouvé. Oh, 1300 et 275. On crache pas dessus, on sauvegarde. On va pas cracher là-dessus, mais pas du tout. Ok, cool. Ensuite, elle va aller s'occuper de faire sa petite peinture. Elle gagnera un petit peu en célébrité parce que du coup, je vous le rappelle, elle est d'aspiration célébrité de renommée mondiale. Elle voudrait être une célébrité à 2 étoiles et a acheté un avantage de notoriété. Donc, il va falloir quand même qu'on s'en occupe un petit peu. Ce serait marrant. Je rappelle quand même que c'est une queen qui danse et tout machin. Là, on essaye de lui faire gagner de l'argent pour qu'elle fasse bien vivre ses enfants. Et puis, qu'ils grandissent et tout. Et voilà, tu vois. Nalou, merci pour ton follow. Bienvenue. L'abeille à ordures. J'ai pas dit ça, j'ai dit Ben à ordures. Ou alors, j'ai très mal articulé. Et je m'en excuse. J'ai une articulation de chiotte. En même temps, j'ai un peu mal à la mâchoire. Donc, je pense que ça ne m'aide pas. Du tout. Go faire les courses. Faut que je fasse les courses, ouais. T'as bien raison. Est-ce qu'elle peut bosser? Oui, elle peut totalement bosser. On va vendre un collectionneur. Qu'est-ce que tu fous? Ah, c'est encore des ordures partout. Ouais, je comprends. Je vais faire une toile classique. Grande toile. Tu t'es repris, mais tu l'as bien dit, MDR. Salut, Okan, pardon. J'espère que ton opération s'est bien passée. Contente de te revoir. Merci beaucoup, comment vas-tu? Tu n'équipes pas ta maison avec ce que tu trouves dans la benne? Non, c'est pas forcément un truc. Je préfère gagner de l'argent, tu vois, avec. Et après, je mets ce que je veux. L'ambiance des fêtes te met de bonne humeur. Tu as envie qu'on célèbre ça ensemble? Non, pas du tout. Cuisiner, on peut pas. Donc, on va, en effet, commander une livraison, liste de courses. Qu'est-ce qu'on va se commander? On va se commander une bouteille de lait. Des champignons, ouais, de la farine, ça peut être cool, du fromage, non, globe brillant, grenade, on va prendre des haricots, du lait au chocolat, des champignons, mori, myrtille, mûre, noix de coco, non, oignon carrément, persil, non mais ça coûte trop cher, petits champignons, petits pois, aubergines, tout pour faire de la bouffe, hein. De la laitue aussi, de la pastèque,
On va prendre la pomme de terre, du poisson. Bah yes, hein. On va prendre du sucre, deux tomates. J'ai plus de thunes. Voilà, viande. Voilà, hein, c'est l'inflation même dans les Sims, hein. Eh, y a pas que chez nous, hein. À prendre des œufs. Puis voilà, hein, 600 balles, tout rond. 600 balles de course, hein. J'ai acheté trois trucs qui se battent. Normalement, je stream demain, ouais. Il faut pas hésiter à me rejoindre sur les réseaux, vous aurez des nouvelles là-bas. Je vais vous dire sur les réseaux et sur le Discord. Coucou Sissou, comment tu vas depuis le temps que je ne suis pas venue? Ça va très bien, Eva, et toi? Il va falloir que tu achètes des lits pour les bambins avant de les faire grandir. Je le ferai après qu'ils aient grandi, t'inquiète pas. On a... Attends, quoi, ces derniers temps, rien ne semble aller. Dans la vie de Céline, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Les gens disent toujours qu'ils ne t'entraînent à rien, mais ne parlent jamais de ce que cela fait de tenter quelque chose de nouveau et de voir que cela ne fonctionne pas. Céline ne peut pas supporter une nouvelle déception. Oula, oula. Merci d'avoir fait appel, nanana. Ok. Je vends à un collectionneur et j'ai les bordels qui sont en train de crier en haut. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, oui. Calmez-vous. Pleure pas. T'as oublié d'augmenter les besoins. Non, je l'ai fait. Je l'ai fait manuellement. Salut Sabrina, comment tu vas? Contente de te retrouver. Ce let's play qui va être top, merci. Tu n'as pas un peu de temps à m'accorder cette semaine? Non, je suis méchante. Rien à foutre. Comment ça se fait qu'il y ait deux bébés déjà? On a eu des jumeaux, c'est tout. On a eu juste des jumeaux, quoi. Une fille, un garçon. Calmement. Et posément. Mais de toute façon, on a le droit à une grossesse par génération. Hein. Donc là, elle ne pourra plus... Enfin, faut pas qu'elle tombe enceinte, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux, les loulous? J'aimerais bien aller, genre, chanter dans la rue et gagner de l'argent comme ça aussi. Ça pourrait être cool, non, de faire ça pour passer le temps. Par contre, attendez. Si je fais ça, il faut pas que moi-même, j'ai un outil, genre jouer de la guitare ou quoi. Ça pourrait être bien. Déjà, on va récupérer surtout nos courses. Accepter la livraison. La fille, elle est magicienne, exactement. C'est quoi le moodlet violet avec la tétine? Elle est planning prénatal bouleversé. Céline aurait aimé que les choses se passent différemment, mais elle suppose qu'elle devrait juste être heureuse que sa progéniture et elle soient rentrées sains et saufs. Mais ce n'est pas ce qui était prévu et c'est toujours décevant. Ah ouais, non, mais la meuf est deg, en fait, c'est tout. Vide le sac de livraison. Parfait. Est-ce que tout est bien ici? Ok, cool. Cuisiner. Maintenant, on pourrait cuisiner... Ah, on va pouvoir cuisiner de la salade de fruits pour un format familial. Ça marche, Lille, des bisous. Hein, je croyais que c'était deux. Moi, c'est moi qui ai revisité le truc. Je me suis mis à un, si, pour moi. Normalement, dans mon challenge à moi, j'ai mis un seul. J'ai dit, j'ai revisité un peu les règles. Je me suis fait un délire toute seule, quoi. Oh non, 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 non. Arrête de chouiner. Ça, je vais vendre aussi. Pourquoi je garde ça? Vous pouvez faire le point d'exclamation let's play. Je le rappelle, hein, pour avoir les règles revisitées. Avec les petites subtilités. À la Sissou. Coucou sur TikTok, ça va et toi? C'est quoi comme création? On est en train de faire le challenge Génération Leader. Oh là là, mais c'est la crise en haut là. Oh, elle est hyper contente par contre. Familier actif, le familier remplit votre Sims de confiance. Les familiers rendent votre magie plus puissante et vous protègent de la mort d'une façon qui n'est pas encore totalement comprise. Mais c'est trop bien. Oula, oula, oula. Ils sont en crise. Je sais pas si tu les entends, ma soeur là. Mais waouh. Changer la couche, non mais c'est trop grave. Oui, c'est beau, on promis, ça va aller. Reflo, elle a une fille et un garçon, les deux. Ça va, c'est bon, nickel. Manger, fermez là. Un au biberon et un au sein. C'est bon. Arrêtez de beugler comme ça, c'est quoi ça? C'est un manque de politesse incroyable de faire des trucs pareils. Ouais, du coup, je voulais aller à Sanmai Shuno, me poser et... peut-être qu'il me faudrait une guitare. Attendez, je vais essayer. Je vous dis, elle veut devenir une star de renommée mondiale. Elle est prête à tout. Venez, on se prend une guitare. On va aller là. Alors non, on va écrire guitare direct, ça ira plus vite. Guitare, guitare, guitare. Ah mais tu me donnes... D'accord, ouais, pas du tout. Guitare. Guide de guitare, guitare détruite. Guitare artisanale. Je veux la pas chère, quoi. Elle est cool, celle-là. Il y a d'autres couleurs? Celle-là, j'aime bien. Vas-y. Ok. Fine. On va prendre ça. On va mettre ça dans ton inventaire et on se barre. On va aller à Sanmai Shuno. Allez, on bouge. Et on va peut-être rencontrer des gens comme ça. On peut inviter son petit copain pour s'occuper des enfants. Bah, de toute façon, ils vont aller à la garderie, là, vu qu'on va sortir de la maison. Tu vois, ça va être bien, ça. Et elle va rester se balader avec son... sa chouette. Il faut avoir le pack...
J'arrive jamais à dire le nom du pack. J'allais dire le pack magicien. Comment il s'appelle le pack? J'ai un trou de mémoire. J'adore ma vie. Monde magique, merci. Monde magique. Pourtant, c'est si simple. On va aller au quartier des épices. Ouais, là. Quartier des épices, on va se poser. Que me conseillez-vous d'acheter comme PC pour jouer au Sims 4 SVP? Merci. T'as une infinité de PC que tu peux acheter, Lina, en vrai. Si tu veux rejoindre mon Discord pour poser la question, tu peux. Il y a un salon exprès pour ça. Ok. Bonjour. Je suis ici. Il pleut. Est-ce que je peux me mettre là? Jouer à la guitare pour... Ah, il faut qu'on ait le niveau 4 de la compétence? Mais non. Je dois avoir un violon. Mais non, je suis dégoûtée. Il faut que j'ai le niveau 4 de la compétence guitare. Ah non, je suis trop deg. Bon, si je vais quand même voler ici. Ah, on peut voler. Attendez, elle va prendre son balai, là. Non, je pensais pas qu'il fallait le niveau 4 de la compétence guitare. Oula, oula, oula. J'avais adoré te voir jouer au jeu d'horreur en équipe. Tu penses que tu referas? Carrément. D'ailleurs, j'avais une petite annonce à vous faire. Mais je crois que, bon, je l'avais quand même déjà faite de manière générale, tu vois. Mais... j'ai décidé de mettre en place un sub-bâton par mois. Donc vous savez, les sub-bâtons... non mais c'était incroyable cette chute. Les sub-bâtons, c'est typiquement, vous savez, plus vous m'envoyez de subs, de dons, etc. Et plus je reste en live. Et du coup, j'ai trop envie d'en faire un tous les mois. Et je voulais voir avec vous si vous pensez que le début de mois, c'était une bonne idée, genre entre le 5 et le 10 en gros. Et ça serait toujours un samedi. Au moins, on sait que le week-end, tout le monde est tranquille, tout le monde est dispo, on est tous là, tu vois. Et je comptais du coup faire un sub-bâton. On est le combien? On est le 25. Je comprends pourquoi t'as laissé le planning. Yes, exactement. Et puis pour pas le refaire, tu vois. Il y a un drama, il y a un drama, il y a un drama énorme. Il y a un drama énorme et pourri. Ok, attends. J'avais pensé faire un sub-bâton le 11. Je sais pas si ça vous convient. Genre tous les samedis comme ça. Ça pourrait être sympa. Ouais, tous les mois. Exact. On a un problème. Salim Ben Ali veut passer au niveau supérieur. Est-ce que Céline acceptera d'être sa petite amie? Le mec veut être en couple avec nous. Alors qu'on est déjà en couple. C'est pour ça qu'il n'arrêtait pas de nous envoyer des SMS, tout ça. Il n'arrêtait pas de nous harceler parce qu'en fait, il était amoureux de nous secrètement. Trop bonne nouvelle, ça dit donc. Sushi en PLS, MDR. Mais arrêtez! C'est quoi un sub-bâton? Un sub-bâton, c'est plus tu envoies de sub et plus ça rajoute du temps au stream. Tu pars d'une base, le streamer par exemple, moi je pars sur une base de 5 heures, et plus tu vas envoyer de sub, etc., et plus ça va me rajouter du temps. Donc en fait, des fois, tu peux ne streamer pendant 14 heures, 15 heures, 20 heures. Non, il est désactivé, Sushi. Merci beaucoup pour le follow. Frionawak, bienvenue à toi. Pas dispo pour ma part le 11. Bah après, moi je ferai comme je peux avec les modos qu'il y aura, hein, c'est pas grave, hein. Mais en fait, c'était pour savoir si vous, les gens, ça vous disait de voir des sub-bâtons plutôt à la fin, enfin, en début de mois plutôt qu'à la fin du mois. Oui, elle a accouché, ouais. J'ai testé, on sait jamais. Non, mais ouais, il était désactivé, en effet. Mais moi, je suis trop contente. Je trouve que c'est trop bien. Pas question. Je n'accepterai pas. Ouais, début du mois, je pense que c'est beaucoup mieux. Et au moins, c'est bon. Tu vois. On est d'accord, début du mois, ouais. Carrément. Ok. Bah, cool. Je suis désolée, je ne ressens pas la même chose pour toi, en fait. Je... elle a donné de l'argent, là? Mais donne pas de l'argent! Non! Mon Dieu, le drama, le mec... attendez, je vais lui faire de la concurrence. Voilà, la concurrence! Les casseroles en folie, ici. Merci, Colline, pour le follow. Je sais pas pourquoi ça a pas sonné. Bienvenue à toi. On peut refaire le pire accent anglais pendant 5 minutes. Faut dépenser des points de chaîne pour ça. Début du mois, ça m'arrange mieux perso. On est d'accord. Elle n'aime pas la guitare. Elle n'aime pas la guitare. Bah non, non, j'accepte pas que tu n'aimes pas la guitare. Arrête tes conneries. Pourquoi tu veux pas t'entraîner? T'es mal à l'aise? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'elle a? Analyse des environs. J'en peux plus. Margot, merci pour le follow, bienvenue. Et coucou Olni, comment ça va? Humidité désagréable. Bah ouais, bah... mais lui donne pas! Je comprends qu'il soit beau gosse, mais abuse pas non plus. Est-ce qu'on peut voler à l'intérieur? Genre, on va aller là au pire. On peut voler, magie. Ah non, je peux pas. Chanter ensemble. Bah, tu vas aller là, aller ici, hein, c'est tout. C'est le mec de Pikachu, vous vous en rappelez. Ouais, ça va, merci. Elle est trop généreuse, Céline, grave. Regardez-la avec son bateau à chiottes, là. Son bateau, son balai à chiottes. La meuf, elle sait pas comment s'exprimer, je te jure. Entraîne-toi. Faut qu'on arrive à avoir le niveau 4 de cette compétence pour pouvoir gagner des sous, en fait, dehors. Merci, c'est gentil, car...
Les commerçants me conseillent d'acheter un PC à 700 balles au moins. Non mais Lina, ça dépend. En vrai, 700 balles, ça veut rien dire. Le prix du PC ne veut strictement rien dire, c'est la configuration qui est intéressante. Et sur le site de EA, tu as les configurations requises en termes de mémoire, en tout cas, surtout, pour jouer aux Sims. Donc vraiment, écoute pas, le prix, ça veut rien dire. Il me donne de l'argent ? Ah, mais on me donne quand même ! Bah voilà ! Le banquier n'appelle pas en début de mois, c'est mieux. On est d'accord. Ouais, c'est bien. C'est un happy hour. Ok, cool. Entraîne-toi encore, s'il te plaît. Voilà. Avec ton petit familier, là. À minuit, on fait grandir tout le monde. Trop belle, sa guitare. Elle est sympathique, ouais, la petite guitare, là. Regardez, je vous jure, c'est une future queen. C'est toi qui sèmes la pagaille dans mon couple. J'ai cru voir que tu lui envoyais des messages. Pardon. Quel couple ? Pourquoi il me dit ça ? Je suis en couple avec qui, moi ? Enfin, il est en couple avec qui, lui ? Je... Quoi ? Non, je... Il est en couple avec qui ? Mais... J'ai pas trop compris, là. Ouvrir ? Je sais pas avec qui il est en couple. Il est en couple avec qui, lui ? Conjoint ? Aucun. C'est pas officiel ? Vous pensez que le Salim, il est en bisbise avec lui ? Peut-être que le Salim, il est en bisbise avec lui ? Attends, mais... Il est hyper gêné et tout. Ou Sergio ? Mais sauf que personne me dit rien. Je sais pas, je suis un petit peu outrée là. Voir le profil. Alchimie neutre. Besoin d'un peu d'espace. Céline a besoin d'espace. Elle trouve que Salim va un peu trop vite. Peut-être qu'un peu d'espace entre eux leur ferait du bien. Lui, il est démoralisé suite à un rejet. Salim n'en veut pas nécessairement à Céline de l'avoir rejeté. Mais cela lui fait quand même encore parfois de la peine d'être près d'elle. Oh non. Non, franchement, ça me fait trop... Vraiment, alors, on est censé être méchante. Elle a le trait de caractère méchant, de toute façon. Mais je vais quand même lui faire une accolade gênante. Je crois qu'il est dans ma galerie, ouais. Je suis pas sûre. Hello, Alexia, comment tu vas ? J'aurais dû mettre oui. Bah, je suis déjà en couple, je vais pas mettre oui. Ah, pour... je gâche ton couple et tout ? J'aurais pas su quand même, hein. Eh, mais ça avance, j'ai une piscine et une pièce secrète pour le challenge d'ici 20 ou 30 heures. J'aurai peut-être des chambres. Let's go ! N'oubliez pas que oui, vous avez un challenge construction qui est sorti tout à l'heure. Donc si vous voulez y participer, allez-y, faites-vous plaisir. Ouais, je vais bien, merci Alexia. Je me remets doucement et tranquillement de mon opération. Et je suis contente parce que ça se passe plutôt bien. Là, je suis pas trop en train de souffrir. Au début, j'avais mal. Et là, au final, ça va, hein. Comment... Je vais lui complimenter la personnalité. Je voulais lui faire la collade gênante, mais apparemment, elle annule ses interactions. Ah, il s'en va. Bon, bah tant pis, hein. Il va s'en aller. Ah, génial, parfait. Ouais. C'est bon, ça va mieux. On va rentrer à la maison. Allez, madame. Quoi, il y a un challenge construit. Ouais, j'ai balancé un challenge construction d'abord sur Discord. Et en lançant live, je vous ai donné l'info. Vous pouvez faire le point d'exclamation de challenge. Vous avez le lien du Google Doc. T'as raconté des ragots sur moi, sérieux? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il me saoule! Oui, 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 j'ai raconté des ragots sur toi. Ouais, c'est bon, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas venir chez moi? Viens te fight. Moi, je peux te calciner avec... Non, mais... Ça se passe pas très bien, les balais, je crois. Oula, elle est tombée et tout. Je vais te calciner avec... calcification, là. Je sais pas quoi, là. Tu fais quoi comme autre challenge, Sims 4? On a fini le 100 baby challenge, là. Sinon... je fais le 1 million extreme challenge. Et puis voilà. Je vais arrêter les Sims. Là, j'ai envie de reprendre d'un coup. Je retélécharge les mods et sur le mode grossesse, ils mettent ta vidéo où tu expliques que ça m'a donné le smile. Ah oui, je sais, je suis référencée sur le site, ouais. C'est trop cool. Je m'appelle Sissourine sur la galerie. Qu'est-ce qu'il a ? Ah mais regardez le bâtard. Et Céline, je trouve Héloïse, XXX, très mignonne. Tu crois que je devrais lui proposer un rencard ? Le mec, il m'a demandé d'être en couple avec moi tout à l'heure. Je l'ai tège. Le pauvre. En même temps, je suis déjà en couple, tu vois, techniquement. Et là, il m'envoie à moi un message en me disant « À moi ! Je la trouve mignonne, un tel ! T'en penses quoi ? Je fais quoi ?» Mais il est culotté, quand même. Le culot aux peines de Guillemet. Fonce, au moins tu vas m'oublier. Vraiment, oublie-moi. Genre, par pitié, oublie-moi. On va aller dormir, on va se reposer un petit peu. Le mec est sérieux, genre. Merci, Blaze, pour le follow, bienvenue. Open de guillemets. Non, mais vie. VVV. Tout à fait. René, il a. Il veut prouver qu'il n'est pas blessé, je crois. Joyeuse fête, Céline, c'est le moment de sortir les décorations et de célébrer tout ça. Mais c'est la Saint-Valentin, en effet. Salut, Blaze, comment tu vas?
Il y en a parmi vous du coup qui ont déjà commencé le challenge, mais c'est trop cool. C'est trop trop cool. Oh non, ça pleure. J'ai entendu dire que tu avais développé des capacités magiques. Aimerais-tu les mettre en épreuve en m'affrontant sur le terrain de duel? Mais bien sûr! Je savais pas qu'on pouvait avoir des duels de magie, mais c'est trop cool. Merci de m'avoir suivi sur TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch d'ailleurs, vous avez le lien qui est en bio. Si vous voulez venir nous rejoindre là-bas, ça sera beaucoup mieux, ça me ferait plaisir. Pourquoi on met des vents? Pourquoi on met des vents? À qui? À toi, Apo? Pourquoi on te mettrait des vents? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Attendez, elle est partie où là? Ah ouais, on a carrément un terrain et tout. Salut Simsim, comment tu vas? Tu te fais défoncer quand tu perds. Mais non, Harry Potter version Sims 4, je vous jure. Harry Potter dans les Sims, on va se battre. En plus, elle est très vénère, hein. Mais arrête de prendre ton... Bah, je suis censée faire quoi? Bah pourquoi on est... Pourquoi je suis venue là et y'a personne? Oh, merci beaucoup Flo pour le 7e mois d'abonnement. Bloup bloup. Merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre plein de subs dans le chat s'il vous plaît. Mais pourquoi je suis arrivée là et maintenant je peux plus me battre? Je cherche à comprendre comment je suis censée me battre, quoi. Le terrain des duels, je suis censée faire quoi? C'est lui qui m'a appelé, non? Je sais pas. Je dois faire quoi? Je me pose des questions et personne me rep. Ah bah j'ai pas vu tes questions moi perso. Ah si c'est bon, j'ai rien dit. Oh on fait une bagarre, mais c'est la première fois que je vois ça. Regardez, on fait un combat de magie. On fait un combat de magie, mais c'est incroyable. Et je peux pas lui lancer des sorts moi si j'ai envie là? Non. Est-ce qu'elle va gagner le duel? Non mais c'est génial. Regardez avec mon familier et tout, mais je trouve ça trop stylé. 7 mois Mazette, ça passe hyper vite, hein. Merci beaucoup pour ta fidélité depuis 7 mois. Ça va, je vais bien, merci. C'est trop beau. Non mais regardez, il est en train de me défracte. Il m'a défoncé. C'est beaucoup trop grave, genre. C'est beaucoup trop grave. Ok, nice. Par contre, je vais te jeter une boisson sur la gueule parce que j'ai pas supporté perdre, ok? Oula. Oula, y'a rien qui va. Salut Big Donuts, comment tu vas? Si tu veux des familiers gratuits, il y en a dans le bâtiment. Dans le grand bâtiment là? Faudrait que je regarde. D'accord, elle a pas voulu lui jeter une boisson. Pourtant elle était très énervée. C'est pas avec un mode, c'est monde magique, c'est un pack. C'est où que je peux avoir des familiers moins chers? Mais regardez, y'a Zouk Machine qui est en train de... Zouk Machine, apprenti sorcier, regardez-le. Bon, c'est une personne âgée, hein. Mais il est en train de faire ses meilleures potions. Je peux faire des potions et tout? Faire une expérience. Attendez, moi j'ai envie. Coucou une humaine re. Ça va mieux ou pas? Ouais, ça va. Ça va. Je vais sauvegarder quand même. Ça va. Pour ceux qui demandent, merci beaucoup. Le premier balai, c'était en option wesh. Le permis balai, c'était en option wesh. Non, mais elle sait pas du tout conduire son balai, la pauvre. Elle sait pas. Ok. Vas-y. Bouge ton fiac, fais tes expériences et tout. Là, je sais pas trop ce qu'elle est en train de regarder. Et les mignons, on va pouvoir faire grandir nos bambins. On va aller les voir. On va voir. J'ai trop hâte. Elle est incroyable. J'ai manqué beaucoup de choses. Sûrement, une humaine. Hein. Forcément, quand vous partez, quand vous revenez, le stream, il continue. Hein. Merci, Flo. T'es trop mignon. T'es trop chou, vraiment. Tu me fais très plaisir. Qu'est-ce que... Ah vas-y continue, mais je sais pas ce que ça va faire de faire une expérience. Moi je vous dis, je teste. C'est une occasion d'utiliser des nouveaux packs. J'ai une question, j'ai installé 4 modes sur les Sims et quand je suis dans le menu du jeu, ça me dit bien qu'il est là, mais en partie il n'apparaît pas, que je dois faire quoi? Alors vérifie bien que tu as bien activé tes options dans les options du jeu et vérifie aussi également que tu n'as pas mis trop de sous-dossiers au cas où, parce que des fois tu peux juste avoir le nom du mode mais il ne peut ne pas marcher. Et ça dépend aussi de quoi, quel mode tu parles. Des fois t'as des modes en fait, ils sont là mais tu n'as pas besoin de bulles ou quoi pour qu'il marche, tu vois. Mais c'est long tout ça là. Ah c'est bon, t'as fini. Et donc ton expérience t'a permis d'avoir du vent. Du vent. Oh. Lui c'est la magie quoi? Ah c'est Morgine. Ah c'est le mec de tout à l'heure. Demandez à Morgine s'il est en couple. Attendez, je vais lui demander, t'es en couple ou pas? Tout à l'heure tu m'as envoyé un texto trop chelou. Je vais lui demander, c'est celui qui m'a envoyé un message. Ouais, mon mec et tout là. Oh, calme-toi. C'est l'anniversaire de Trou. Ça y est. Trou et François. Alors, t'es en couple ou pas? Je me réponds pas. J'allais me faire voir. Ok, j'allais me faire voir. Je rentre à la maison, mes enfants sont plus importants que toi, merci. Allez, ça va aller sur un gros...
Pardon, excusez-moi. Un gros relou qui... Oh putain. Elle est nulle. Oh, elle est d'une nullité, la pauvre. C'est affligeant. Encore 2 mois avant le bébé. Oui, j'ai trop envie de... En fait, faudrait trop que je fasse aussi... Mais j'ai trop d'idées, là. Faudrait trop que je fasse une emote bébé perruche ou je sais pas. Un bébé perruche. Oula, Mimi, t'es belle. T'es belle, t'es belle. Oui, j'ai le droit de te faire grandir, changer d'âge. Plus d'âge, changer d'âge. Genre un petit bébé perruche avec une couche. Ça pourrait être très mignon, non? Pour les 9 mois, justement. J'aime l'idée. Je pète un plomb. Il est violet, regardez la tête qu'il a. Il est violet, François. Je suis stressée. Maya Sissourine, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Mais merci beaucoup pour les pseudos, genre. C'est gentil, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien, bien, bien. J'ai le droit de mettre ce que je veux. Je vais la mettre indépendante. Ou alors il faut que ce soit aléatoire. Réel Jam. Non mais regardez la tête de mon gars. Oh non. Oh non. Oh. Salut Maya. Oh secours. Il fait trop peur. Oh, c'est génial ce challenge. Génial. Oh. Plus change. Il ressemble à maman. Ah bah ça c'est sûr hein. J'avais pas compris, il est violet. Mais du calme, c'est que la première génération. Mais moi ça me fait rire. C'est un troll hybride hamster. Mais par contre il faut qu'on aille voir si ce sont bien des jeteurs de sorts. Est-ce que quand ils sont bambins on le sait? Est-ce que quand ils sont bambins on sait si ce sont des occultes ou pas? Normalement oui. Il a fait les opérations des dents de sagesse aussi, je te jure c'est ça. Par contre là j'ai forcé à trop rire, j'ai mal. Ah. Tu ne peux pas te faire de relooking. Si, mais je vais pas le modder tout quoi. 1, 2, 3. Elle est curieuse. What? Oula, elle a un CC qui bug. Elle a carrément un CC qui est bugué, mais elle a une couleur de peau normale. Ok, on va modifier la famille dans le CES. Il y a rien qui va. Si, on va faire le relooking, genre les fringues et tout. Mais je vais pas... Tu vois, genre... Attends. Elle, j'ai juste lui enlevé le CC qui l'a fait beu. Wow, ça, elle est effrayante. Oui, Kaline, c'est bon. Oh, mais elle est pas violette. Et elle est jeteuse de sorts. Et toi, il n'est pas jeteur de sorts. Donc la prochaine génération, c'est elle. C'est Troufion. Oh, regardez, elle a des oreilles d'elfe et tout, c'est trop... Elle fait peur. Ah, t'as de la chance, la couleur de peau, c'est dur en vrai. Mais là, trop bien, non? Je sors Kaline juste. J'ai trop forcé sur ma bouche, j'ai jamais vu. Elle est quoi? Merci Rafi pour ton follow, bienvenue. C'est cool. La couleur de peau, on est bon mais grave. Alors du coup ça c'est son frère, c'est François. Non mais regardez, lui il ressemble à maman hein. Oh, oh cette testasse. Bon bah on va leur faire un mini relooking. Mais quand je m'explique, dans relooking je vais pas les embellir. Je vais même pas leur mettre de CC au niveau du visage et tout. J'ai juste bougé en fait les cheveux, leur mettre une autre coupe de cheveux et les fringues, c'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais quand même lui mettre des cils parce que ça, c'est, ça ne modifie rien. Par contre, elle a bien les yeux de maman, hein. Mais déjà, elle est belle en vrai, non? Sergio, c'était pas mal, hein. Elle a, par contre, elle a des oreilles d'elfe, là. On dirait les filtres de TikTok, je te jure. Faut voir le seul côté positif, la couleur de peau. Mais grave. Après j'ai une question parce que je ne retiens pas. Est-ce que dans les Sims les couleurs de peau peuvent sauter de génération en génération? Je m'explique. C'est-à-dire que là par exemple la mère de base elle est violette. Elle, sa mère elle était violette. Si elle a un enfant, est-ce qu'elle peut mettre un enfant violet ou pas? Alors belle c'est subjectif. Elle est belle. Elle est belle, c'est tout ce que je peux te dire. On va lui mettre ces sourcils là, voilà, c'est tout, je ne toucherai plus à rien de plus. En plus elle a déjà décessé au niveau de son visage, hein, mais je ne toucherai pas. Parce que là, regardez, si je fais ça, hop, ça lui a enlevé tous les CC. Et on est d'accord qu'elle était vachement plus mignonne avec les grains de beauté et tout. Pour les cheveux, alors on va rester sur du Maxis Match, figurez-vous. On va pas faire de alpha. Je la verrai bien avec cette petite couleur de cheveux. Elle a grandi avec les cheveux bruns, on est d'accord? Genre comme ça c'est cool tu vois. En vrai elle a du charme, il y a un délire hein. Elle est possédée par un serpent. Attendez je me suis trompée de zone. Du coup ouais, Sissourine ne sera pas en Maxis Match. Vous vous rendez compte?
sera que en maxi smash, pardon, et ne sera pas en alpha. La coupe de cheveux, elle est où, celle que j'ai mise tout à l'heure? Celle-là, j'aime bien celle-ci. C'est cool les cheveux là. Et du coup, ça fait bizarre quand même avec les sourcils, non? Venez, on va mettre au pire. Ah, mais j'aime pas. Non, pour le coup, les sourcils, j'ai beaucoup de mal, hein. Je. Vas-y, je vais lui mettre ça, c'est tout. Voilà. C'est cool, ça change. Exactement. Je suis aussi à l'écoute de ce que vous voulez. Pour la tenue, je sais pas. J'aime bien cette robette, moi. J'aime beaucoup trop cette robe. Comme ça, là. Ah ouais. En rose. C'est pas ouf. Attends. Celle-ci, c'est mieux. C'est... Gringe. Gring. Gring. Je comprends pas, ça veut dire quoi? Merci le mat pour ton follow, bienvenue. Ça veut dire quoi, gring? On va lui mettre des petites chaussures comme ça. Pourquoi pas rose? Ouais, j'aurais dit cringe, mais... pourquoi c'est cringe? Vous aimez pas la coupe de cheveux? Vous n'aimez pas du tout la coupe de cheveux que j'ai mise, c'est ça? Tenue habillée, écoutez, je reviens et je vois qu'elle est quand même jolie. Ah, tu vois? Elle est mignonne. Je vais lui mettre ça. Alors, non, je n'aime pas la coupe. Vous n'aimez pas la coupe? Vous voulez qu'on change de coupe? Violet. Je viens de me rendre compte que j'étais sub. Merci beaucoup à la personne qui me l'a offert. Comment tu vas, légumes? Hop. Ça, on va enlever. Ouais. Non, non, mais je demande l'avis global. J'aime pas trop non plus. On va faire un sondage. On change de coupe ou on garde? On va mettre ceci. Elle fait flipper. Comme ça. Voilà. Ouais, les joues de maman, hein. Sissou, t'es là demain aussi, sur quel jeu? Je serai sur les Sims. Je ne suis pas sûre à 1000% d'être là, ça va dépendre de ma mâchoire et de comment je me sens, très honnêtement. Mais dans tous les cas, si je suis là demain, ce sera sur les Sims. Normalement, vous savez que c'est la maison du gaming quand on est dimanche à 20h. Je ne sais pas si j'aurai la force de faire la maison du gaming parce que ça me demande énormément d'énergie et de ressources. Peut-être que je le ferai. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Vous aurez bien entendu des nouvelles de ma part là-dessus. Elle est un peu jeune pour une coloration. Disons qu'elle pourrait être pire. Elle pourrait être pire, ouais. Merci de m'avoir suivi sur TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous voulez venir là-bas. Vous avez le lien qui est en bio. Tenue de temps chaud. Je vais me mettre ici. J'aime bien ce haut-là. Peut-être... ouais, pourquoi pas. J'aime pas ce short. J'aime vraiment celui-là. Ah, ça, ça peut être mignon. Est-ce que je l'ai en... Ou alors lui, je le mets en imprimé. Ah, oh, les petits cœurs sont très très choux. Ça peut être mignon. Ouais, j'aime pas. C'est ça plutôt. Ouais, en normal du coup. Ou alors en violet foncé. Ou en bleu. Chelou, hein. On va remettre des sandales. Si je les mets en rose, est-ce que ça choque? C'est bizarre, hein. Ça plutôt. Rose fuchsia. Ouais. Ou alors du bleu. J'aime pas du tout. Par contre, les chaussures en rose, j'aime bien. Le haut va pas. Peut-être celui-là. Est-ce que celui-là serait mieux en blanc? Ou en rose? En rose, peut-être. On change de coupe, j'ai l'impression, à la majorité. Attendez, bah, je continue à faire mes petites tenues, là. Et madame la curieuse. Est-ce que je lui mettrais pas une... Non. Non. C'est-à-dire, est-ce que je lui mettrais pas une robe pull? Non, j'ai pas envie. Je crois que je vais lui mettre un sweatshirt. Celui-ci. Pourquoi pas violet. Salut, Kinou, Riaba, comment vas-tu? On va mettre ça. Et en jean, on va lui mettre le jean noir, là. Ou alors en blanc. Tiens, fais voir blanc, ce que ça donne. Ça va changer. Oh, baleine à bulle, c'est chou, comment vas-tu? Merci pour ton message. Mettre ça. Non. J'aime pas. Ça, c'est bien. Non. J'aime rien, là. Là, j'aime rien. Je vais mettre des baskets. Voilà. Baskets, survêtes. Voilà. Très bien. On va changer la coupe de cheveux. Qu'est-ce qu'on lui met? Alors, attendez.
On va chercher, hein. Oh my god. Il y a celle-là qui est chou. Les cheveux attachés avec la frange, c'est trop mignon. Merci, Rose. Sinon, il y a des fausses mèches. Après, on n'est pas obligé les mèches, hein. Moi, je m'en fiche complètement. Il y a celle-là aussi. Il y a celle-ci, qui est très, très, très mignonne aussi. Hop. J'hésite. J'aime beaucoup la celle-ci, qui vient avec le pack Vie à la campagne. On dirait Ursula un peu pour la première coupe. J'aime bien, c'est vrai. Et sa mère ressemble à Ursula. Elle s'appelle Troufion, hein, si jamais vous vous posez la question. Voilà celle-ci. Vous préférez laquelle des deux? Et je rappelle, sa mère, c'est elle. Céline Fion. Les cheveux détachés. Le petit carré avec les tresses. Ok, on va laisser celle-là alors. Ok, donc nous avons relooké notre première future génération, parce que ce sera elle la plus belle. Sachez que, dans mes règles, la future génération tue sa fratrie quand ils sont dégueulasses. Donc lui, il va pas rester vivant longtemps. Hein. Oh bah Shibuzouk là, il fait trop peur. Oui. Merci. Hello Sirotée, comment tu vas? Oui, trop chou. Alors lui, il est moins chou. Lui, on est sur... ouais. On est sur quelque chose d'assez, d'assez, tu vois. Bah, Shibuzouk. Il est bizarre. Ah oui, t'es en train de faire les cannelloni, du coup. Ça sent bon, hein. Ça sent très très bon, très cher monsieur. Les cheveux. Je pense que je vais lui mettre cette coupe. Ah, il fait peur. Ou alors, il avait des cheveux relativement courts, quand même. Je crois que je vais mettre celle-là. Ah. Il a des beaux yeux, oui, mais franchement... Non, celle-là, celle-là. Oh, il me fait penser à un mec dans un dessin animé, je sais pas lequel. Merci de m'avoir suivi sur TikTok. Il me fait, je vous jure, penser à un gars. Je vais mettre des longs cils, là. Dans un dessin animé, je sais pas ce que c'est. François, tu vas pas vivre longtemps. Il va pas du tout vivre longtemps, je t'assure. Il m'angoisse. J'adore vos réactions. J'adore. J'ai pas bougé, hein, ces trucs. Hein. J'ai dit que je modifiais pas des masses. Hein. C'est vrai qu'il est... Il est spécial. Il est spé. Alors, monsieur l'indépendant, comment nous allons t'habiller, très cher? Je crois que je vais lui mettre cette tenue. Qu'est-ce qui irait avec sa couleur violette, là? Du bleu? Du bleu et du violet, ouais. Il est affreux, il fait trop peur. Il fait vraiment très très peur. Je te confirme. Ah! En noir, c'est mieux. Attends. Il est grave dégueulasse. Il fait peur, le petit... Il est... Ouais. Il est... C'est un génération leader, les gars. Comme son nom l'indique, c'était sûr qu'il y allait avoir un moment donné où ça allait être dur. Hein. Waouh, il me fait trop penser à un mec. C'est Iror ou Grishka. Les pauvres. Oh non, c'est trop... non, mais il est immonde. On va lui mettre un petit costume bleu comme ça. Du coup, ça me donne pas envie de l'habiller bien. Je sais pas si ça vous le fait, vous aussi, quand vous avez des Sims... je sais pas, immonde comme ça, là. Ça vous le fait, vous vous dites, ben non, il va pas être beau, quoi. Je l'habille n'importe comment. Salut, Milly, comment ça va? Tenue de dodo. Alors, même la tenue de dodo, il y a rien qui va. On va lui mettre celle-ci. Ouais, en bleu. Il est personnalisé. Il est très personnalisé. Les chaussettes, on va enlever sommeil. Je vais mettre celle-là. Bah, ouais, hein. Non, les grises, c'est bien. Non, là, tu peux rien faire. Il est condamné, le pauvre. Il est condamné, hein. Tu peux rien faire. Je vais quand même lui mettre une totote, parce que j'aime bien. Je trouve ça chou. Une petite totote pétante, genre jaune et bleu, tu vois. Merci pour le lurk, monstre et compagnie. Mais c'est ça, il me fait penser à un personnage dans je sais pas quel dessin animé ou film, là. Je sais pas. Je ne sais plus lequel. Tenue de fête. On peut lui mettre, pourquoi pas, ça. En bleu, toujours. Avec un petit Nemo, là, sur le côté. Pour le pantalon, je vais lui remettre le même jean qu'il avait tout à l'heure, déchiré. Il est trop moche, lol. C'est vraiment le seul live où vous avez le droit de dire que les Sims sont pas beaux. D'habitude, vous savez, moi, j'aime pas qu'on critique le physique des Sims, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent s'identifier au physique que je crée, y compris, d'ailleurs, dans la maison du gaming, etc. Mais du coup, là, vu que c'est un génération leader, et que le but, justement, bah, c'est que des Sims moches, slash pas humains du tout, deviennent beaux, et qu'ils aient une apparence humaine, là, c'est bien l'un des seuls streams où vous avez le droit de dire « il est moche ». Genre, c'est pas grave, tu vois. Parce qu'on sait que c'est dans le thème du truc. Il a la même couleur que le lézard Léon de Monstres et Compagnie.
Bah, tu crois, peut-être. Ça, je me rappelle plus. On dirait un poisson. Moi, je trouve pas qu'on dirait un poisson. Hein. Moi, je vois un poisson comme ça dans mon assiette. Je te jure, je vomis. Hein. Je le mange jamais. Hein. C'est... Non. Je vais lui mettre cette chose-là. Vas-y, en violet, hein, de toute façon. Mon petit gars, là. T-shirt. Blanc. Ouais. Non, il est condamné à vie. Hein. Je suis désolée, mon petit. Hein. T'es condamné à vie. Chaussures blanches. Voilà. On dirait le train Thomas. Ah, mais je crois que t'as raison. Il n'y a que Fury, Soul qui pourrait s'identifier à un Sims violet. C'est vrai, le train, là. Attends. Attends. Je crois que je vois ce que tu dis, là. Mais oui, c'est vrai qu'il lui ressemble. Ça, là. C'est vrai qu'il ressemble à ce truc. Truc bizarre, là. J'avoue. C'est dégueulasse. J'avoue que... Ah, non, mais il est affreux. Il est vraiment pas beau. Hein. Désolé, mais... Là, on est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est la tenue de temps froid, bien sûr. Non, mais regardez-le avec ça. C'est trop grave. On va lui mettre celle-ci en mode tenue de ski. Voilà, parfait. Les couleurs, elles font bizarre sur lui vu qu'il est violet. Oui, dans tous les cas, c'est un peu compliqué, quoi. Abradzi, merci pour ton follow, bienvenue. Dans tous les cas, ça va être difficile pour lui. C'est sûr. C'est très, très grave. On va lui mettre un bonnet, hein, histoire qu'on soit encore plus à fond, quoi. Blanc, jaune, rouge, rouge, ouais, ce sera mieux. Ok, bah quand même, voilà, donc nous avons eu François Fillon. Merci beaucoup pour le follow, on dit Crayon Girls, bienvenue à toi. Alors je vais la refaire, parce que je l'ai pris en photo en fait, hop là. C'est une petite photo pour toi, je voulais mettre sur le Discord. Du coup, nous avons François en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de dodo, en tenue de fête, en maillot de bain, en tenue de temps chaud et en tenue de temps froid. Et nous avons eu du coup ici Troufion en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de dodo, en tenue de fête, en maillot de bain, en tenue de temps chaud et en tenue de temps froid. Et je n'ai pas changé juste sa coupe de cheveux de tenue de temps froid, je vais le faire tout de suite. Elle est où, sa petite coupette? Elle est là! Voilà. Ça se voit que Trou, c'est une magicienne. Alors, Trou, attention, ça s'écrit comme True in English. C'est pas un trou, quoi. Meilleur nom, mais ouais. J'aime les filles, j'ai un truc à te dire. Tu sais que... J'ai rien... Salma, j'ai pas compris ta phrase. J'ai rien compris. Il y a des cagoules pour cacher son visage. Vous êtes horrible. Oh! Regardez, c'est la daronne, hein. Eh! Regardez d'où on part, hein. D'ailleurs, le naseau et tout, on n'a pas vu le nez encore, hein. Elle, elle a son nez, je sais pas. Je vous ai montré le père? Oui, bah oui. J'adore sa tenue de fête et celle de temps chaud. J'aime aussi les filles et permets-moi de te dire que ça ne veut rien dire. Mais moi, j'ai pas compris la phrase, du coup, je peux pas épiloguer dessus, là. Telle mère, tel fils. Ah bah là, c'est sûr qu'il lui ressemble. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre... Déjà, on va sauvegarder. On va se mettre dans le mode construction et je vais juste leur faire leur coin chambre. Avec 1000 simflous, je devrais normalement y arriver, j'espère, du moins. Et elle dit que t'es belle, en gros. Ah, moi, je suis belle, merci. Merci, merci. Alors ça, je pense que ce sera ici. Pourquoi pas la chambre des enfants. On va... Alors attendez, j'ai fait de la merde, on kiffe faire de la merde, je vais remettre un sol, comme ça, je vais fermer, enfin, nous allons fermer un petit truc, ceci, on peut le laisser là, en vrai, ça fait quand même de la déco, on peut le laisser là, pour les berceaux, je vais les supprimer parce que ça reste de la moula, donc c'est pas très gênant, je vais mettre, en essayant, un petit parquet, juste pour qu'il soit assez confort, voilà, un petit parquet comme ça. Pour les murs, on va rester sur des murs blancs. Et merci Jade pour ton follow, bienvenue à toi. Petit mur pas trop cher quoi, truc genre... Franchement on va faire ça, ça fait clean d'un coup, bah... Kinouriaba, merci pour ton follow, bienvenue. En fait la maison on va la rénover petit à petit ou ça restera comme ça? On la rénove petit à petit. Tu peux faire le point d'exclamation let's play, tu verras, il faut qu'on améliore aussi la maison pendant le let's play. Avant toute chose, une porte. Nous allons prendre celle de décoration d'intérieur. Je vais partir sur des portes. Alors moi, il y en a une que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle-là.
qui est un peu cher, je peux, j'avoue, mais je m'en fous. Merci, bonsoir. J'adore ta couleur de cheveux en passant. Merci beaucoup, Jade, comment vas-tu? Merci, merci. Tu live jusqu'à quelle heure? Je vais pas tarder là. Je vais pas tarder, ça va faire 4h20 que je stream et je suis très très étonnée d'avoir réussi à tenir bien en fait. Hein. De toute façon, on reviendra en stream demain, vous inquiétez pas. Alors, les lits. Est-ce que j'ai de la place pour mettre mes lits de bambins préférés ou pas? Mm-hmm. Ils sont où? Je les vois pas, je suis perdue. Au secours. I'm perdue de fou. Merci Dakasika pour ton follow, bienvenue. On est sur les Sims demain aussi. Soit on est sur la télé-réalité de Viewer, la maison du gaming, l'affrontement des maisons. Soit on continuera le Génération Leader, selon ma fatigue. Parce que, comme j'expliquais, je ne vois pas ce truc. Comme j'expliquais, la maison du gaming me demande énormément de ressources. Je pense que je vais prendre ça, sinon, attendez, je vais pas... Il est là. Combien? 225, hein, quand même. La maison du gaming me prend beaucoup de ressources au niveau de la fatigue. Je vais vendre. Ouah, non, ça me saoule de vendre ça. Et du coup, peut-être que je ne streamerai pas la maison du gaming juste pour pas être trop fatiguée. Parce que pour rappel, alors s'il y a des personnes qui ne le savent pas et tout, qui me découvrent tout ça, j'ai été opérée des dents de sagesse il y a 3 jours en fait. Et du coup, je suis encore un peu faible. Forcément, vu que ça fait 3 jours. Mais ça va, c'est cool. Ça va, c'est cool. J'aime garder ce côté... Ouah. C'est-à-dire, j'aime garder ce côté délabré. Écoutez, je vais mettre ça là. Voilà, c'est pas grave. Voilà la chambre. Pour l'instant, 475 Simflouz. Mais au moins, il y a de quoi. Bah, pas que à toi. De quoi, pas que à moi. Coucou Lolo. Modo en PLS. Pourquoi vous êtes en PLS? Pour modérer, j'ai pas... Je comprends pas sa fille, j'ai pas compris. Ah, la maison du gaming. Ah, oui, 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 oui. Bah, forcément, parce que vous comptez les points et tout. Mais ça... Vous n'êtes pas opéré de quoi que ce soit. Vous avez votre cerveau quand même, plus que moi. Les pots, c'est vrai, purée, t'as raison. Les pots. Les pots. Mon Dieu. Merci de me rappeler parce que vraiment, je suis une mère indigne en fait. Les pots. Bah, gauchis en spray, hein. On va en mettre un seul. Allez, un, c'est suffisant quand même. C'est vrai que ce serait cool qu'il y ait quand même un petit truc pour jouer, genre, tu vois, là. Quoi? 400 balles, ça? Mais vous êtes des ouf! On va mettre un nounours à la place, hein. Allez. 400 balles, le coffret à jouer? Mais ils sont fous, quand même. Salut, Laurie, ça va? Merci. Sissou, tu parles pas à la bonne personne niveau cerveau. Oh, elle se dénigre! Je débute sur les Sims, comment tu fais pour déplacer les objets, les tourner, etc. Je joue en caméra Sims 3. Je joue en caméra Sims 3 et j'active le... je crois qu'il faut l'activer, je me rappelle pas, le testing true, mais je suis pas sûre. Et du coup, j'appuie sur Alt après. Tu as pas mis de pot? Si, il est là. Il est là, mon petit pot. Il est ici. Regardez les bébés, ils commencent déjà à faire des conneries, là. Ils commencent déjà à me faire des grosses bêtises, vous m'avez saoulé. Regardez, ils sont sur un échafaudage, et tout est dangereux. Tout est dangereux. Hurlez sur. Alors, on va le mettre au lit. Attendez, il a peut-être faim, en fait, hein. Et merci Kathleen pour ton follow, bienvenue à toi. C'est très gentil. Tac. Testing chin true. T'es pas obligé de l'activer. Bah voilà, mais moi j'oublie parce qu'en fait, vu qu'avec le MCC il est activé par défaut, je le dis quand même au cas où. Regardez, elle a sa gemme, elle. Augmente tous les besoins. Ah, tu m'augmentes tous les besoins. Allez. Je vais le faire. Je suis pas allée sur la boîte aux lettres, mais c'est pas grave. Mais elle, oui. Oui, oui, oui. Ok, parfait. On va faire dormir. Est-ce que tu peux lire une histoire à ta fille quand même? Lire une histoire à True. Vas-y, True. Par contre, les gamins, ils m'ont foutu le bordel, comme d'hab. Hein. Ça, on change pas une équipe qui gagne. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais ça y est, elle commence déjà à me faire des conneries, elle. Comment t'avais pour avoir l'oiseau derrière toi? Il te faut monde magique. Et je suis une sorcière, c'est pour ça. Vous pouvez acheter des jeux moins chers sur Instant Gaming si vous voulez passer par mon lien et vous avez le concours. Il reste 3 jours environ. Pourquoi tu peux pas? Y a pas la place? Est-ce que vous pensez que c'est à cause du nounours qu'elle a pas la place? Pourquoi? Ou alors c'est parce qu'elle veut pas? Pourquoi on n'aurait pas la place de l'emmener lire une histoire? Fais voir. Vas-y, on peut essayer ou pas? Ah, là ça marche. Ok, donc... Waouh, waouh, oh, wow, le bug! Ah, tu penses à Prue, c'est encore autre chose.
Ah oui, non, mais le bug de l'intergalacticité. D'ailleurs, j'ai pas changé les couleurs de lit, ça me perturbe. Non, mais c'était quoi ça? C'était flippant, non? Salut, je quitte, j'aime pas les Sims. Bah, bonne soirée. Personne t'a demandé de venir regarder un live Sims alors que c'est écrit dans le titre. C'est bizarre un peu, non? Mais tu as le droit de pas aimer. Heureusement. On va le mettre en violet, celui-là. Genre moi, y'a pas de soucis, tu vois, t'aimes pas les Sims. Mais c'est bizarre de cliquer sur un live où il y a écrit Sims 4, tu vois, si t'aimes pas, d'entrée. Oh, noir, c'est beau. Je vais mettre cette couleur, j'aime bien. J'aime bien. Non, mais il a été poli, y'a pas de soucis. La personne a été très polie. Ah. Pourquoi vous dormez pas, bande de bolosso, des bolossas, là? Elle en a rien à faire. Oh non, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as peur? Tu joues quand? À Hogwarts Legacy, la semaine prochaine. Se remémore les flammes. Meuf, abuse pas. Bon, de toute façon, les amis, c'est maintenant que nous allons nous laisser. Ça fait quand même 4h30 que je stream. Et mine de rien, c'est cool. Je suis très contente pour un premier live. J'ai gonflé encore, là, j'ai l'impression, par rapport au début, je sais pas. Pour un premier live de retour après opération des dents de sagesse, je vais y arriver à parler. Bah, je suis assez contente parce que je l'ai bien vécu. Ça va, c'était super cool. Qu'est-ce qu'il y a là? Merci beaucoup en tout cas pour ce stream, c'était cool. Je vous aime très très fort et je vous dis du coup à demain pour le prochain live. Ciao ciao !